Yes, yes, it's me, Mario Merci Lonouchiwa pour le 7 mois. Bah, moi on mange des crêpes ce soir, je ne sais pas. En tout cas, on va parler de la réforme chômage. Et on commence d'ici une minute. Je vous tweet le live dès que possible et je vais chercher mon café. Bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous aujourd'hui Et nous sommes à l'antenne, messieurs. Déjà avec Kali, avec Aurélien et avec l'ours, si les choses n'ont pas changé, est-ce que vous êtes vénère, d'Ether et éco furieux aujourd'hui ou pas Ah, et, et vous ne tu... m'entendez pas, évidemment, parce que je m'étais aussi mute sur Discord. Rebonsoir messieurs, c'est un. Départ raté, comment allez-vous ce soir Salut au euh, à Fat guy qui a faire, salut à Il, salut à Fenzix sur le chat. Est-ce que Bonjour. vous m'entendez Ça va, ça va, salut tout le monde, et oui on est Vénère des Terres, Furieux et. Et Kali est parti chercher un petit gâteau parce qu'il criait famine, mais il revient incessamment sous peu. Et voilà, bah, c'est parfait, comme ça, ça nous laisse le temps de remercier les personnes qui rendent l'émission possible. Peut-être vous, peut-être toi, ce soir. Peut-être pour la première fois. Qui sait Merci euh, donc aux personnes qui aident cette émission, notamment régulièrement sur Tipeee, comme Hofstein, Golwa, Kiki, Snuggly, Juju, Aurélia, Victoria, Glynrod, Morgad, euh, Jerry175, Kalex, Norcadlol, Samuel, Apatechno, Dracon. Et très bulle, un gros d'Anyavad, sans vous, ces émissions ne serait pas possible. Donc j'ai quand même envie de vous dire... Tu cartonnes Et justement, ça me permet... Toujours je fais un premier tu sample... Pour... Merci Kali de le faire vocalement. C'est un sample qui venait d'un jeu de skateboard de PlayStation 1, visiblement. Ah ouais Il y a, a quelqu'un qui m'a retrouvé l'origine dans, dans les commentaires de ma vidéo sur les débats de Gérard. J'ai trouvé okay. ça assez incroyable. Est-ce qu'il reproduit Voilà. Il nous fait quand même plutôt oui. plaisir. Avec vraiment beaucoup d'enthousiasme dans la voix. Euh je sais plus le nom du jeu de tête mais c'est pas Tony Hawk Pro Skater, c'est euh, c'était un, un autre. OK. Donc pas enfin le jeu ultime sur PlayStation de skateboard c'est Tony Hawk Pro Skater 2. C'est vraiment absolument incroyable après cas, le peut reste. peut-être déjà sur PlayStation 2 là mais je sais plus. Hmm. Non, c'est sur PlayStation 1 moi non je parle mais c'était Tony Hawk Pro Skater 2. Mais effectivement, il n'y avait pas du carton dedans, je confirme Il y avait beaucoup la bande-son qui avait joué aussi. Hein, mm -mm. On jouait plus sur le côté cool que sur le côté ouais, ça va être une vraie simu de skate. Il y avait la licence, il y avait un skater connu. Y avait... En plus, c'était la période. Euh, euh, euh... Je me souviens que... Y a... Il y avait tous les. quand euh, ça s'appelait Les Jackass, les Dirty Sanchez. Euh, Vas-y, on va. C'était tous des commus d'anciens skateurs qui étaient habitués à se faire mal et, et à se prendre des gamelles assez incroyables. Ouais, Donc, euh... Puis c'était l'époque musicalement de Offspring, mmh. Sum 41, Blink 182, mmh. Green Dead. -ce tout on ça appelait le punk californien. Le jamais été. Ouais. Enfin, à part euh, Offspring, mais le reste, j'ai jamais été ultra fan, tu vois. Moi, ouais, j'aimais bien Sum 41. Le... Le... Ah, Sum 41, ouais. Euh, le, je crois que le guitariste euh, soliste De Song 41 au moins était, était pas trop mal Blink j'avais un peu plus ah ouais, de il, mal il C'était gentillet <laughs> Ça ressemble beaucoup des solo la à la Maiden hein. au milieu de gros morceaux de punk C'était marrant De quoi Alors, on, on va euh, Skater euh, Le nom où, où t'avais le commentateur Qui balançait qui ce genre de phrase Est-ce que tu veux nous inventer un jingle à la voix pour le, le jeudi Pour le couvre-feu euh, Toi qui adore les jingles non, 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 non c'est une mauvaise idée. Pitié, je m'en suis <laughs> Oui, mais tu serait capable de dire oui Donc ce serait on a, une bonne idée. Un on 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 comme ça, je ne sais pas, mais oui, je pourrais. D'accord. Eh bien, ce sera ton défi. Euh, nos FX qui font leur tournée d'adieu cette année. Bah oui, maintenant c'est des papi. C'est papi FX, tu vois. Aujourd'hui, ils ont renamé d'ailleurs. Mais, euh, mais ils reviendront. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui ce soir, Kali? Toi tu sais déjà, je t'ai déjà spoil quand même pas mal le conducteur. On va parler de chômage, de sionisme et de cheveux. Mmh, je pense que c'est un bon résumé, effectivement. Euh, la nouvelle réforme de l'assurance chômage, vantée partout par Gabriel Attal, pour des arguments fallacieux, pour des raisons délétères, enfin pour des conséquences délétères, et pour des raisons qui ne s'imposent. Pas du tout avec des résultats euh, contre-productifs. Bref, il n'y a rien qui va là-dedans. Euh, on verra que même euh, voilà, le cabinet du Premier ministre lui-même a des conclusions très très différentes. Euh, discrimination, euh, discrimination capillaire. Bientôt la fin du racisme contre les cheveux crépus qu'on force à lisser. Peut-être bientôt la fin du racisme contre les cheveux. On ne sait pas. On verra le détail. Un texte qui est passé à l'Assemblée qui doit faire la navette au Sénat. On regardera. Le, sur le coup, ça, ça me semblait tellement uh, what the fuck que je, je me suis gardé la découverte. On a une loi pour nous espionner sur les smartphones qui est en train d'être discutée euh, au Sénat. Bah, pour pouvoir activer euh, les micros et les caméras de vos smartphones. Sans vous demander évidemment votre avis. Pour peu qu'on ait le, le moindre doute. ou et puis ça, la porte ouverte, vous imaginez, à beaucoup de choses. Euh, capitalisme et, et moustache. Ouais, pas tous les types de moustaches capitalistes et moustaches dictatoriales des années 30-40 en Allemagne avec le canard réfractaire. On a cette vidéo et on a aussi celle de Wissam qui s'adresse Kali, aux sionistes de gauche, je crois. Est-ce qu'il s'adresse mm -hmm. à moi Alors Après, de gauche, calmez-vous, de centre-gauche modéré. Mais euh, bah, et étant donné que je suis jamais d'accord avec vous sur ce dossier, on pourrait me qualifier comme un, 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 un centre-sioniste. Non, <laughs> comme on pourrait dire. Ouais. Favorable en tout cas à l'existence d'un État pour les Juifs qui soit sur l'actuelle la, euh, terre, maintenant que euh, voilà ça a été fait ici. Ou ailleurs, on parlait pour rigoler de l'oblast autonome juif où il, il doit y avoir 16 Juifs qui vivent en Russie. Euh, ça pourrait être une piste à creuser, on ne sait pas. En tout cas, sur le coup, ils ont quand même vraiment beaucoup de territoires. La Russie, même si on voit qu'ils continuent d'avoir un appétit, mais leur appétit se fait moins à l'est qu'à l'ouest ces derniers temps. Bah déjà, on, on aura déjà tout ça. Et, euh, et j'ai aussi un petit peu de bonus avec du bégodo. Si on a le temps, bien sûr. Et dans les bien sûrs, vous aussi, vous pourrez participer à la fin de l'émission si vous non. le souhaitez. Il y a un modem dans le chat qui dit Est-ce que vous avez vu l'article de Marianne sur les influenceurs politiques sur internet et surtout sur Twitch. Ça parle d'Aniraz. On voit le lien, moi j'ai pas vu ça, hein, j'ai pas vu du tout ça. J'ai peut-être un accès à Marianne. Si en vous avez le lien, ouais, c'est à l'accès à Marianne, on peut, ça peut être rigolo. Est-ce qu'il euh, parle de nous Avec Wissam ami de Boutelja, filles. oula. Euh, bah Wissam il est influenceur, Boutelja moins, elle est elle est autrice en fait la meuf, non Ouais bah, mais c'est de la. Elle, pas, elle a pas une chaîne. elle cancel mais par association. Artisan, ah. Alors Wissam est proche d'Ourilla, donc euh, voilà quoi. Alors Marianne. On n'a pas Marianne ici. C'est triste. Je l'ai peut-être sur Europress. On va voir, je vous accueille aujourd'hui sur l'instru 2 Hibiscus and Ball of Light, comme vous l'avez reconnu. Europress. Alors désolé, ça me force à chercher, vu que j'avais pas prévu. Avec Wissam, amis de Boutelja. Je sais pas s'ils sont potes, ils sont tous les deux des coloniaux, mais après... Oui, ils sont potes. Enfin oui, ils sont proches, oui. Clairement. Je trouve trouver Wissam plus précis et Ouria euh, plus punchlineuse, mais nécessairement moins précis. Ça, c'est sûr, mais... mais ils sont clairement proches. D'ailleurs, ça... à la base, si je me souviens bien de l'histoire, Dani Raz avait je voulu inviter Ouria, et du coup, Ouria avait envoyé Wissam pour un peu les scanner, tu vois, et voir un petit peu c'était quoi leur délire, et est-ce que c'était euh, est pas des soraliens bizarres, ou est-ce que c'était pas des mecs bizarres, quoi. C'était ça le. De base, le, la, la rencontre entre Wissam et Danira, si j'ai bien compris, c'était ça. Genre, il était en mode. Euh, il était là pour euh, les scanner euh, pour, pour a quoi. Et finalement, ça a été le coup de foudre politique Bah écoute, maintenant, Wissam travaille avec eux, donc euh, ouais. Bah, en tout cas, j'espère que c'est toujours la lune de miel, hein. en tout cas, s'il y a eu coup de foudre à l'époque. Ah oui, oui. Avec ah, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour à gauche, effectivement. Et donc on a un dossier spécial avec un peu moins d'amour aujourd'hui euh, en header de Mediapart. Avec euh, notamment un diptyque d'articles. Alors on va pas lire les deux, mais en fait contrairement à ce que je t'ai dit tout à l'heure, désolé qu'il y scams En fait il y a un des deux articles, il est vraiment bien. Il résume, il résume bien les choses. Un article de Dan Israel, lui, il est toujours sur ce, cette problématique-là. Déjà au début du quinquennat Macron, du premier quinquennat Macron, il faisait des articles sur le sujet. Et, euh, et bien formulé en plus. Donc, si ça te dit. son ah, Macron, on n'a fait que ça. Enfin, la, la, moi, c'est. On va, on va en parler longuement, on va prendre le temps. Mais vraiment, le truc qui me révolte, c'est ces espèces de sketch. Tous les ans, ils nous refont le même sketch en mode la dette. Mais tous les, tous les ans, depuis 20 ans. Hein. Euh, la dette a trop augmenté. Il va falloir réduire les dépenses. Oulala! Et en fait le font, CICE... et systématiquement, six mois plus tard, on nous redit « Oh là là, la dette a explosé, il va falloir... » Mais genre, en fait, vous nous dites tous les mois que vous allez réduire la dette, et tous les mois, elle augmente. Mais allez vous faire enculer au bout d'un moment. Non, désolé, Il y a, je il y y a quelque déjà, chose qui ne fonctionne pas. Ça m'énerve tellement, en fait, c'est un truc de fou, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas encore assez durci les choses pour les chômeurs, monsieur Vision. Justement. Mais il, s'ils l'avaient fait, oui. s'ils avaient fait tout d'un coup... C'est ça qui est rigolo, c'est que... <laughs> on voit que... Il y avait un moment où ils disaient oui on va vous indemniser moins moins d'argent mais plus longtemps et après six mois plus tard ils reviennent ils disent bah on va vous indemniser moins longtemps ouais mais alors du coup on revient à plus d'argent ah non non pas du tout évidemment non <laughs> il mais ils te le font non. par petits bouts à chaque fois comme ça ça passe un peu plus ça. tu vois ce que je veux et, dire c'est vraiment en mode théâtre tu vois c'est vraiment une, de la pause ultime parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font en fait ils sont là pour ça et donc ils vont toujours y revenir tu vois il y aura jamais de fin à ça il y aura jamais de fin en fait ce sera toujours il y aura toujours besoin de réduire un peu plus le chômage de faire d'autres cadeaux aux milliardaires toujours plus tu vois ça ne s'arrêtera jamais c'est ça qui me rend fou c'est qu'à chaque fois ils nous font croire que cette fois c'est la réforme qui va changer les choses mais mais FDP, tu étais au gouvernement il y a 12 ans, Bruno Le Maire, avais, tu faisais déjà de la merde à l'époque, que C'est vous je... en fait les responsables voilà. à la base hein, donc euh... mais par un contre on dit oui, haine ça... record là. Ça, ça cause... oui, Gabriel Attal qui vient dire oui, mais en fait mais il, il fallait faire cette dépense publique pendant la Covid pour aider les gens et tout ça. En fait, genre en remettant tout sur la Covid aussi, bien sûr, évidemment. Et en plus, c'est l'Union européenne qu qui économie, détient mais... la dette, c'est la Banque centrale européenne, la la qu'elle a jeté à la cheminée, il y a plus de dette, c'est finito. Donc euh, arrêtons, arrêtons le sketch quoi en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas tolérable en fait. Qui détient la dette Non, la France a une dette souveraine. Par contre, il, a, il avait été question de faire des eurobonds, mais ça n'a pas été la fait. La dette finalement. Covid a été ah, la émise COVID. par la Banque Centrale Européenne, et c'est de la banque qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. La dette Covid, on peut la foutre au feu, personne n'en a rien à foutre au fond. Ça n'a pas de sens de, de, de se plier en quatre pour une dette Covid. Il y a eu un moment difficile, on a tous eu besoin d'argent pour passer cette, cette période. Oublions ça, ça ne posera zéro, ça posera zéro problème économique. C'est une blague, cette histoire de « il faut rembourser la dette Covid », qu'ils aillent se faire enculer. Merde, j'en ai marre. C'est il il est pas pas du content, bluff, là. de A à Z. Et quand on en discutait en plus tout à l'heure, tu avais une formule qui était pas mal, parce que on, on comparait le stock d'emplois actuellement, parce qu'on dit, oui, il y a des patrons, ils n'arrivent pas à recruter. Alors quels sont-ils, ces emplois Combien sont-ils Sont-ils avec nous dans la pièce mmh. Il y en a 350 000 à peu près, on estime, actuellement dans le pays, sachant que, euh, sachant que moi j'ai regardé les derniers chiffres du chômage en France pour 2024, toutes catégories confondues, on était entre 6 et 7 millions de demandeurs d'emploi, de privés d'emploi, comme ils le rappellent. J'aime bien la formulation qu'ils ont dans l'humanité. Non, là, on est sur, sur l'IB J'ai aussi un article de l'Humanité que je vous proposerai à la même date. Je crois que même c'était. Oui, c'est comme si le non, fait de, de sanctionner les chômeurs un peu plus allait créer magiquement des emplois. C'est genre. Je... Non, c'est à dire ah, que. C est, c est... Non. Parce qu'en plus, les emplois. Euh, en fait, il y a un effet des précédentes réformes. Déjà, on leur dit d'une manière générale. C'est n'importe quoi parce que on n'a même pas encore fini d'estimer les effets des réformes précédentes qui ont l'air pour l'instant soit nuls, soit délétères. Euh, soit euh, un peu 50-50, enfin avec des inconvénients et, 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 et des avantages si le but visé c'est de faire baisser à court terme les chiffres du chômage, mais les emplois qui sont euh, qui sont retrouvés c'est en tendance surtout de l'intérim et des CDD Évidemment. de euh, 2 à 4 Évidemment. mois, donc qui ne rouvrent pas droit à du chômage derrière, donc euh, en fait c'est juste des trappes à pauvreté, la politique de précarisation Vraiment, euh, genre, euh, le B à -B de la précarisation, en fait. C'est ce qu'ils nous font depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, moi, j'avoue, je ne comprends même pas pourquoi, en fait, il n'y a pas des manifestations massives dans la rue depuis un an, tu vois. Parce que les prix de tout ont augmenté. Il y a une crise immobilière, il y a une crise de l'alimentation, il y a une crise de l'agriculture, il y a une crise, tu vois, il y a, des, y a une, une multiplicité de crises. Tu as des millions de gens qui sont étouffés. Mais notre réponse sociale, c'est quoi en fait, tu Qu'est-ce qu'on, qu 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 répond à, à tous ces assauts contre notre vie en fait, tu vois C'est, je ne comprends pas comment les gens tolèrent euh, encore, encore plus de, tu vois, comment ils vivent en fait Les, les gens qui sont à, on, on pourrait se dire euh, bah, on va rétablir peut-être comment ils vivent, C'est, c'est tellement choquant et le, le, ce qui montre la déconnexion absolue du gouvernement c'est que faire ça dans un moment où il y a une précarisation déjà extrême des gens dire ah ben non la bonne chose à faire ce serait de mettre encore plus les chômeurs dans la merde les gens qui vont perdre leur travail voilà ils seront encore plus dans la merde qu'avant c'est vraiment le moment de faire ça sérieusement quoi c'est un truc de fou merci yes, yes, pour le 17e yes, mois le chômage baisse et la pauvreté augmente où va-t-on c'est ah, ça mais oui, c'est réel merco hein. c'est réel hein. le chômage fluctue on est autour de 7% 7 et quelques on, on a on a connu euh, on a connu plus dans ce pays on a connu des chiffres du chômage on a connu euh, à des, des chômages à deux chiffres ju plutôt. Donc. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, bah en fait, il y a quand même quelque chose. Avoir une réponse. Merci pour le follow. Euh, Brick pator je ne sais pas. Euh, on a une réponse euh, euh, légale à un problème conjoncturel. Mais, euh, alors, même s'ils font des petits, euh, des petits trucs, genre, oui, on va, on va fluctuer avec des coefficients de euh, quand ça va bien. En fait, bon, déjà, on ne sait pas trop quoi. comment on détermine quand ça va bien, quand ça va pas oui. bien. Les règles, ça, c'est. Euh, parce qu'au final, l'objectif va... euh, enfin, annoncé depuis 6. des années par les gouvernements, c'est le plein emploi. Et ah. le plein emploi, on sait bien que c'est. Oui, c'est qu un, un, un mirage, C'est le truc qui n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais de plein emploi. Il y a toujours une part de gens au chômage, des gens qui se reconvertissent, on des gens faire qui se le le etc etc. Tu vois. On, pour, on pourrait on faire une euh, arrivée à l'équivalent d'un plein emploi puisqu'on considère que en France c'est 5 le plein emploi donc on n'est pas très loin on voilà, est à 2 3 points déjà mais, euh, le plein on, emploi on 5 arriver... ça veut dire que bon tu vois c'est déjà pas le plein emploi vraiment avec bon, le même. stock d'emploi actuel la seule façon d'y arriver c'est euh, de revoir la durée euh, légale du temps de travail c'est-à-dire mmh. je sais pas faire par exemple euh, les 32 heures et encore même les 32 heures ça suffirait pas parce qu'il y a pas assez d'emplois de, pour tout le monde et tu disais tout à l'heure ce sera un, un, là ce qu'on nous prépare c'est un, un hunger game des rares emplois vacants c'est ça j'ai trouvé, trouvé genre, genre, vraiment, le hunger game c'est vraiment ça tu vois c'est genre ceux qui ne pourront pas trouver de travail vont crever et le gouvernement s'en satisfait ils sont contents c'est tu vois la pression par le, 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 la menace de crever de faim ça leur va pour eux c'est un bon tu vois c'est un bon deal quoi bah, c'est bon de la folie bon en vrai, qui... quand on y réfléchit 2000, c'est vraiment de la folie. C'est même pas, bon point... c est, c est, pas un bon deal pour l'État. C'est pas un bon deal pour les, de les chômeurs. Il rajoute une couche, tu vois, pardon, je parle en toi, pardon et et ça n'est En fait, c'est pas un bon deal pour l'État, c'est pas un bon deal pour les, pour les euh, euh, demandeurs d'emploi, et c'est même pas un bon deal pour les salariés qui sont en activité. Puisque euh, ah bah plus les règles euh, d'indemnisation euh, des privés d'emploi se durcissent, plus la pression se fait grande sur les salariés déjà en activité. Il y en a, je claque des doigts, il y en a 10 euh, qui veulent ton poste. Et ils seront prêts à bosser mmh. pour le SMIC. D'où tu me demandes une augmentation. Oui. oui. Et vous l'avez déjà entendu de vos, dans vos entreprises, ça Mais Évidemment, évidemment. Et, euh, ouais, non, c'est vraiment... En fait, là, le truc c'est que là, ils font un coup de chômage. Derrière, ils vont refaire un truc sur les retraites. Jusqu'à 2027, en fait, on va se faire tabasser. Si on réagit pas, ils vont nous tabasser à mort. En fait, c'est vraiment, on va plus avoir de retraite, plus avoir de chômage, plus avoir de RSA. Bon, on n'aura plus rien à la fin. Plus de, plus d'allocation familiale. Enfin, c'est, on, on va se faire démolir. Il faut bien le comprendre. C'est pas, n'est c'est pas juste une réforme. Déjà, ils en ont déjà fait trois. En, en deux mandats, tu vois, trois réformes du chômage, ils en font une autre et ça se trouve ils en font même quoi, une quatrième avant 2017. Enfin, il, il faut regarder aussi. Euh, parce on, on nous parle de dépenses publiques, toujours de dépenses publiques, mais par contre, est-ce qu'on fait quelque chose pour les recettes publiques, tu vois Est-ce que euh, on continue de ben faire des 140 cadeaux aux entreprises, milliards de manque à gagner pour les grosses entreprises Effectivement, de cadeaux fiscaux, aux grosses entreprises. Ça, c'est un truc. Par contre, il n'en est jamais question. Est, Quand tu regardes les pistes qu'évoque Attal euh, pour euh, réduire les dépenses, il est absolument hors de question pour eux de n'aller gratter, ne serait-ce que 10 milliards sur les cadeaux fiscaux qui sont faits aux grandes entreprises qui n'en ont pas besoin. Elles ont des marges records. C'est vraiment, mais on est un tiers en fait d'injustice qui, qui est vraiment. Qui, qui est déplorable quoi. C'est sûr surtout... on a des entreprises qui font des profits records qui n'ont pas besoin de tous ces milliards, ça veut même pas quoi en foutre, elles rachètent leurs propres actions, mmh. c'est de, 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 de la spéculation qui n'a jamais eu autant tout ce il y a de, de liquidité plus de, pur. de à rachat côté de, de leurs propres actions les gens qui crèvent de faim, ouais. on va leur enlever de, un an de chômage, c'est du délire, tu vois, c'est vraiment c'est Les bourses n'ont <laughs> jamais été aussi hautes euh, dans tous les pays, tu prends le Nikkei, le Dow Jones, euh, tu prends le CAC 40, enfin tu prends les, les bourses principales ouais. parce que les bourses intermédiaires, c'est un petit peu moins vrai, elles sont historiques. Si Là-dessus tu as à côté, de ça, à côté de ça, je tiens quand même à rappeler que les autres, là on nous demande de nous serrer la ceinture, quels ont été les autres actes en termes économiques et fiscales euh, par la Macronie bah, Ça a été Day one, la suppression de l'ISF, ça a été euh, l'abaissement du, euh, euh, du taux euh, d'impôt sur les sociétés qui est passé de 33 un tiers à 25% mmh. et l'objectif c'est encore de le réduire à 20%. Donc on se prive sciemment et... de ressources en fait. Et Bruno Le Maire qui parle de faire une TVA sociale, alors que la TVA est l'impôt le plus antisocial, le ouais. plus injuste, le plus. Euh, le chez qui frappe le plus fort les pauvres. Enfin, euh, et on te dit, oh, ça va être ça la justice sociale, c'est de faire les de les la TVA attends. en plus. Et eh ben c'est génial. C'est vraiment, mais c'est désormais. Oui, les APL aussi, bah, me le rappel. Et il n'y a pas eu que 5 euros sur les APL. Hein, parce que en fait, si on prend euh, en compte ça, euh, plus. Je, je crois qu'ils ont, ils ont tapé deux fois dessus. Euh, pas une seule fois et qu'en plus bah t'as pas une réévaluation ré euh, correspondante à la hausse des loyers. Donc en fait euh, techniquement bah tu perds encore proportionnellement plus d'APL quoi. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce qu'on avait On avait, on avait euh, déjà une courte vidéo euh, avec un résumé, enfin, juste de une minute, avec quelques Moi, je phrases mis un, de Gabriel Attal vidéo de ah. David Guiraud qui parle aussi de ça, de, de, de la dépense publique et tout, et qui tu met en PLS un macroniste ah, sur le sujet. C'est assez vois, jouissif, honnêtement. C'est pile dans le sujet. Euh, ben on pourra sur les regarder... fameux 140 milliards d'aides aux entreprises. On pourra se regarder ça aussi. Euh, hop, Je le rajoute entre deux. J'ai le fil de mon micro qui est juste en plein milieu. C'est super chiant pour taper des choses. Ça fait deux jours, pardon. et eh ben on va prendre le temps. Alors, déjà, on a un sujet de France Info en 1 minute 08. On va regarder ça. Euh, euh, je l'ai juste regardé en diagonale tout à l'heure et il me semble qu'il y avait un peu de. Euh... Quelques phrases qu'il a eues euh, sur TF1 hier. Alors là, justement, j'étais parti faire 2 trois emplettes. En fait, J'écoutais justement l'intervention de Gabriel Attal sur TF1. C'est horrible, c'est indigent. Je ne vais pas vous imposer ça, évidemment, mais je me la suis infligée pour vous. Voici quelques extraits choisis. Cependant, blé le déficit et renflouer les caisses de l'État. Gabriel Attal compte désormais sur le plein emploi et pour y parvenir, une solution selon le premier ministre. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. L'annonce a provoqué la colère. Ça veut dire surtout ouais, qu'il ne veut pas que ça aille, qu aille au-dessus de 12 mois, évidemment. Même avec leur propre coefficient, normalement, on était à 14,4 mois selon le propre barème qu'ils avaient établi. Et là, ils veulent serrer la vis au-delà de leur propre barème qu'ils ont décrété il y a six mois. Des partenaires sociaux pour le principal syndicat des cadres, cette nouvelle réforme est tout simplement du populisme. Le populisme, sa définition, c'est ça. C'est euh, nier la réalité des faits, se contredire soi-même, contredire la réalité et prétendre que c'est une population spécifique qui est responsable en fait de la politique que le gouvernement même. De nouvelles négociations sont prévues avec la ministre du travail dans les prochains mois, notamment sur l'indemnisation des pas seniors. Mais les tractations pourraient en cours. On a l'impression de négocier. Alors, et Modem qui me dit qu'elle m'a mis le lien sur, euh, sur Marianne, mais euh, je vois marqué hashtag inconnu, @Aurélien, le lien pour Marianne, mais je vois pas le lien. Je vois ton message, mais pas le lien. Ou il faut cliquer sur hashtag inconnu. Tu n'as pas accès à ce lien. Bon, bah, quoi qu'il en soit, euh, du coup, je n'ai pas le lien. N'hésite pas à le poster euh, juste avec l'URL tout court Si tu l'as, quelque part. Aussi, avec un pistolet, ah, sur je l'ai euh... oui, Pour être en on a l'impression de négocier avec un pistolet sur la tempe. Donc on se demande encore si on a. C'est ça. Oui, c'est une prise en otage oh, sociale. Ouais, Moi, le titre. le titre de, de l'article de, de Marianne, c'est les anticapitalistes Danny Rase et l'identitaire Cro-Blanc. Voici la carte du Twitch politique français. Ça a l'air incroyable. Ils l'ont mis dedans ou pas Ils ont mis pas dû Ah. Il y a Cro blanc, pas dû Il y a le Raptor dissident. Il est pas, est pas streamer euh, Raptor dissident. Hugo Décry. qui est, il 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 est pas streamer. dans le game. Le mec. Il, il y a fait Usul, Samuel, Etienne. Wissam, Clément Viktorovich. Attends, je veux voir la, car la cartographie, du coup. Wenger, cette carte, envoie-le à Dai, Kali. Euh, ouais, Elle est où la pas. carte comment comment fait Il, est dans, il est dans le truc, il faut que tu cliques, en fait. J'ai cliqué en fait, sur un, en connu, je... un lien vers le... Vers le tu n'as pas de Danieraz, accès à un, un serveur tu... ou un salon auquel tu n'as pas accès. Voilà. Du coup, oui, tu ne dois, dois pas être dans le serveur. J'ai été banni par Dany Eras. Je ne savais pas. Je vais le poster moi. Non, tu n'es pas banni, tu ne dois pas être inscrit sur le serveur, c'est tout. Je, je ne sais pas, mais ouais, si je peux avoir juste une URL, un truc où je peux cliquer. Quelque non, c'est parce qu'il est assez fermé, leur, leur Discord, ils, ils donnent rarement des invites. Ouais, donc, euh, Finissons ça. Je qu'on puisse y avoir accès comme ça si t'es pas déjà dessus, en fait. Encore si on a un véritable pouvoir de négociation sur l'assurance chômage. De son côté, Gabriel ah, Attal semble déjà dans l'après. Une réunion est prévue cet après-midi à Bercy pour trouver des pistes d'économie supplémentaires. D'économie, bien sûr, ce sera sur vous. Alors. Euh... On avait, on avait d'autres choses. Est-ce qu'on est qu finit le sujet sur le chômage et on, le fait... et on fait ça après ou comment tu veux qu'on s'organise Comme tu veux. Euh... Comme tu veux. Moi, il parle pas de moi donc je suis triste donc je m'en fous en fait. <laughs> euh, hop. Normalement, je l'ai téléchargé. Oui. Non. Est-ce que je peux l'ouvrir quelque part Est-ce qu'on peut l'ouvrir carrément On Dans a l'article l'article entier les gars. On va vous lire l'article entier. Vous inquiétez pas. Il est long. Usule le parrain de YouTube. Ça fait 16 pages! Je sais pas si. Attends, Ils ont titré. Ils ont mis et le. Ah, bah, ils ont mis titré... Zio Pour la Radio Livre, ces enfants ils ont pas mis moi. <laughs> Terrible. Ils ont mis du coup. Euh, Usul, le parrain de YouTube. Et après, plus tard, il y a Raptor, le parrain de YouTube. Genre vraiment, mais c'est l'article, il est écrit avec le cul, hein, vraiment. Hein. Genre, ils ont même pas mis plusieurs titres différents. Viktorovich. Bah ouais, Viktorovich, il est sur Twitch maintenant, mais c'est vrai, mais c'est depuis peu. Mais c'est très bien d'ailleurs Victorovic sur Twitch, n'hésitez pas. C'est relativement court, généralement ça fait une heure et demie, deux heures. Bon, on regardera et ça. Mais ben même, on parlait de Dioclo aussi, incroyable. Ouais. À côté ouais. de Cros blanc Entre si... Cros blanc et Baptiste ah, Marchais. <laughs> il me semblait qu'il faisait moins de radio libre justement de clos maintenant, mais mais peut-être. Enfin, during le ouais, coup, Il a fondé un oh, truc d'Aposta en ce moment, c'est ça, ça son, son nouveau lore. Ouais, bon, ça, vous voyez quand même. Jean Massier, le Yann Barthez. C'est le soit, de 80% pour des streamers politiques, là actuellement j'en peux plus. Pauvre jean -Mastien. heureusement qu'ils m'ont pas mis parce que je sais pas quelle quel dinguerie ils auraient dit sur moi. Hein. Mmh. Kali, le parrain du poulet, ouais peut-être. <laughs> le du streaming, je ne sais pas comment ouais. il t'aurait appelé, ça aurait été. Je suis sympa. le vieux sage. Nous, on est, au final, nous on est les OG Diamond en vrai. Hein. On n'a pas le respect qu'on a, mais on, on arrive... Mais, mais on est là depuis le début hein. en fait. Les OG de YouTube, hein, de, de la radio libre sur YouTube et tout, mais bon bref. Une ce journaliste personne de, de Marianne n'a pas de n'a pas de culture, on peut pas lui en vouloir. Hein. Il est nul. En même temps, c'est Marianne. C'est Marianne, oui. que voilà. Ils ont mis une photo de Padu, mais ont... il n'y a pas de truc sur Padu, je le vois pas là. Oui, ça, bah, c'est ring Le coco à la papa. Mmh, mmh, mmh. Ouais, ce, 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 ceci dit, pourquoi pas. Hein. Lui, c'est le marxiste à l'ancienne. Mmh. Okay. Euh, bah, je ne pas pourquoi il y a eu bonne écriture mais bon. Bah il est sur YouTube mais euh, il fait pas de streaming. Bah pas à ma connaissance. La carte du Twitch politique français, bah ouais c'est n'importe quoi. Il y a pas de carte en plus, il y a juste une liste de noms. Bah, T'as la, la carte, elle est incroyable pourtant. Ils nous ont teasé un je truc qui n'existe pas. Euh... Peut-être parce que ouais on a qu'une version texte peut-être parce que ouais. bah, quoi que non. Je sais pas. Je vois si vous avez une capture d'écran de, de la carte si elle existe. Hein Roi sans couronne, effectivement. Eh oui. Bref, comme je vous l'avais annoncé... On, on est va... les kings de l'underground. Un peu trop underground, peut-être. N'hésitez mm. pas. À faire des dons pour que nous sortions de l'underground. Pareil que ça fonctionne. Pareil que ça fonctionne bien même. Euh, je vous invite... Contre... Pour notre article de valeur actuelle. Hein. Comment on veut notre article de valeur actuelle sur ah ouais, vous, pour là, dire bah, qu'on ouais. est le danger, voilà les. les, ça, les, voilà. les, les ces dangereux influenceurs wokisans euh, mm. qui veulent subvertir ouais. la jeunesse. Je... Non. Comment ils formuleraient ça C'est Ce ouais. le de Marianne génial. de quand euh, j'ai pas la date là sous les euh, yeux. Je veux, bien la, je veux bien la date pour. Euh, 2803, c'est ben, aujourd'hui, il est sorti aujourd'hui apparemment. Du 2803, vous. Avez, euh... ouais. 2024. 2024 le, la le numéro de la page L'an de grâce de la page euh, vu que c'est là c'est une copie de ouais. une copie du site en fait bon, hein, les bon, gens sont pas, pas dans le magazine peut-être que la carte elle est dans le magazine d'ailleurs mmh. bah c'est pour ça moi j'ai essayé mais ni par europresse ni par press reader j'y ai accès malheureusement donc Dommage. Euh, bah, on se contentera de la version qu'on a je vais essayer si chercher de chercher de mon pouvoir. côté voir si je peux la trouver en attendant on va rester un peu sur le chômage euh, parce que pour moi je, je... Je vous mettrai quand même pas mal d'articles, mais de tous ceux que j'ai lus aujourd'hui, c'est celui qui est le meilleur résumé. Intitulé euh, oui. Brutaliser les chômeurs, ultime étape du cynisme politique. Et. Bah. On est quand même dans la brutalisation, et euh, brutalité, même sadisme, puisqu'il n'y a, y a même pas de justification, ni en termes d'efficacité, ni en termes de mmh. nécessité. Tu le veux, je peux le mettre sur le Discord. Ah bah ouais, n'hésite pas, HP. Des mots choisis, un ton démonstrativement volontariste. Oui, c'est ce qu'il lui disait, euh, je crois Gilles Le pendant l'interview. Oui, vous dites, euh, votre dogme, c'est l'action, 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 mais ça ne nous dit pas grand-chose de vos convictions. Pour une dialectique tournant à vide et un argumentaire aux fondations aussi fragiles que du sable. Mercredi 27 mars, hier, donc aux 20h de TF1, le Premier ministre a annoncé la mise en chantier d'une troisième réforme de l'assurance chômage en six ans. Alors je me souviens qu'il il, il parlait d'une cinquième réforme, euh, on, on en avait parlé il y a quelques semaines, ou voire un, un mois de ça. Euh, dans le monde. Donc, je sais pas comment. Euh... Parce qu'il y a des ajustements qui se font aussi. Euh... je vois, il y, y, y a des mages entre les 1.0 2.0, quoi. Mmh. L'objectif est inchangé depuis les débuts, le début du premier mandat présidentiel d'Emmanuel Efeistos Ier. Réduire les droits des 5,4 millions de demandeurs et demandeuses d'emploi. Alors là, en février, on était entre 6 et 7 millions, mais ça fluctue. Au nom d'un mantra, mantra éculé. Le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité, comme Helm a le répété, Gabriel Attal. Alors c'est marrant parce qu'on te dit le le travail doit mieux payer que l'inactivité, mais on va pas te proposer d'augmenter les salaires. Non, on va bien toujours niveler non. vers le bas et euh, les ça. plus démunis leur couper le peu qu'ils ont. C'est ça. C'est quand même bien fait. En fait, ça. En fait euh, affamons les pauvres pour les forcer à travailler, quoi. On pourrait la résumer comme ça, hein. ils le diront pas comme ça, évidemment, mais c'est ça, c'est ça au fond. Hein. Affamer les pauvres pour les forcer à travailler, voilà, c'est ça la liberté sous Macron. Le chantage néolibéral dans toute sa splendeur. Refusant de fixer des règles détaillées avant que les syndicats et le patronat été consultés. Ah il dit, elle adore le dialogue, hein. toujours. Ça nous rappelle euh, Elisabeth Borne. On a vu le dialogue d'ailleurs pendant la réforme des retraites. Merci euh, Amandwich yes, pour yes, le 7, 17e yes. mois d'abonnement Daniel Val voilà toi. Merci pour, euh, pour tout votre travail, bah, merci pour ton soutien répété, Amandwich. Euh, donc voilà, on va parler avec les syndicats, on va rien écouter de ce qu'ils disent. Le Premier ministre a néanmoins donné un cadre très clair à la sortie d'un séminaire gouvernemental sur le travail qui s'est tenu toute la journée. Alors, je crois qu'il y a une rencontre qui est prévue le 8 avril aussi. Il souhaite réduire de plusieurs mois la durée d'indemnisation des demandeuses et demandeurs d'emploi, affichant comme souhaitable un horizon de 12 mois maximum. Oui, parce qu'il disait ouais, 12 mois mais, euh, minimum, en fait, mais non, c'est maximum. Contre 18 mois aujourd'hui. Il est aussi appelé à allonger la durée de travail nécessaire pour avoir le droit de toucher la moindre allocation chômage. Bah oui, à une époque c'était 4 mois, maintenant 6 mois, maintenant ça va être plus encore. Cette durée, bah il le rappelle, cette durée de cotisation obligatoire était déjà passée de 4 à 6 mois en 2021. Donc non seulement, en fait, on durcit sur tous les compartiments qui, euh, qui motivent ce calcul, sur, 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 tout, euh, sur tous les dominateurs de l'équation, euh, mais en plus on le fait plusieurs fois. Que ce soit sur la durée, on va le faire plusieurs fois, sur le montant, on le fait plusieurs fois, euh, sur le montant qu'il faut travailler pour pouvoir acquérir des droits, on le fait aussi plusieurs fois. Et ça, en très peu de temps. Le chef du gouvernement veut aller vite, très vite. Il souhaite que les paramètres soient fixés à l'été, pour que la nouvelle réforme puisse s'engager dès l'automne. Les discussions entre la ministre du Travail, Catherine Vautrin, et les partenaires sociaux débuteront dès que ces derniers auront achevé la négociation des règles d'indemnisation des seniors. Normalement le 8 avril. Oui, parce que déjà, en fait, les négociations de la précédente fois ne sont toujours pas terminées qu'on veut relancer des nouvelles. Toujours plus vite qu'on vous dit. Mmh. Le but affiché est d'inciter à la reprise de l'emploi. Alors c'est ça aussi, ça, c'est un des trucs sur lesquels on vous ment. Inciter. L'incitation, ce serait justement euh, bah, rendre plus désirable la reprise de l'emploi si tant est que euh, l'absence euh, d'emploi pour les privés d'emploi ne soit qu'une absence de désir, ce qui n'est certes pas le cas. Mais là, on n'est pas dans l'incitation. Quand tu braques un flingue sur quelqu'un en lui disant ⁇ Creuse ⁇ ça ne s'appelle pas de l'incitation. Officiellement, il s'agit aussi de trouver de l'argent. Nous, on a des recettes pour en trouver. Hein. Euh, le, entre entre l'évasion fiscale, son pendant légal, l'optimisation, euh, on pourrait rétablir l'ISF, on pourrait euh, refaire cotiser un petit peu plus. Il y a plein de choses à faire, que ce soit sur les entreprises ou sur les particuliers. Ça dépend sur qui sur les retraites aussi c'est pareil bah, bah est-ce que le problème c'était bah, est-ce qu'on pourrait pas voilà plutôt que euh, plutôt que de faire trimer les gens plus longtemps faire cotiser un peu plus ou indemniser un peu moins les retraités les plus zélés. des pistes comme ça pour trouver de l'argent alors que la croissance française vient d'être révisée à la baisse, oui, on nous dit on pourrait euh, voilà, voir la note de la France qui se dégrade, et en fait, euh, même sur BFM, ils disent mais on s'en fout, <laughs> j'entendais ça tout à l'heure, ça va faire rire. Que les rentrées fiscales sont moins bonnes que prévues, parce que euh, quand les, les, les Américains, leur note s'est dégradée à double A, l'économie ne s'est pas effondrée, spoiler. Hein. Et que le gouvernement clame depuis un mois qu'il recherche 10 milliards d'économies. Ouais, encore une fois, CICE, entre 100 et 150 milliards par an. Je... Bon. Il y, y a des trucs à faire, vraiment. Cette priorité politique, encore une fois, longuement détaillée mercredi soir, masque mal une destruction de l'état social, comme Mediapart le décrit régulièrement, certes. Et pour qui estimerait que cette, affaire, cette affirmation est exagérée On ne saurait trop conseiller de s'intéresser à la manière dont les bases même de l'assurance chômage. Sont sapés systématiquement depuis 2018, quand le gouvernement d'Edouard Philippe, souvenez-vous, a lancé la première grande réforme dans ce domaine. Et là, ils vous mettent en lien un autre article de 2018, toujours de Daniel Israël, qui chronique ça régulièrement. Les déclarations du Premier ministre s'inscrivent dans une continuité politique évidente, pour ne pas dire un ressassement obsessionnel. Le 30 janvier, dans son discours de politique générale, Gabriel Attal avait déjà ouvert la porte à une nouvelle offensive, c'est le mot, contre les droits des chômeurs et des chômeuses. Afin d'inciter, voilà, ouais, faut beaucoup de guillemets, toujours plus la reprise d'emploi, sans aucun tabou, et déverrouiller le travail <laughs> Libérer les énergies, vous connaissez les bails. Ça fait 20 ans qu'on entend cette, cette propagande même libérale les formules, de merde, oui. insupportable, et qui font tous des réformes, et qu'elles servent tout à rien, c'est un truc de fou quand même. 20 ans, quoi Ah, l'erreur est humaine, hein, mais perseverare uh, diabolicum, hein, comme dirait l'autre. Tu, tu te souviens de François Fillon Je suis à la tête d'un État en faillite. Hein, voilà, il va falloir se serrer la ceinture, c'était déjà ça il y, a, il y a 12 ans, il y a 15 ans. et sous Juppé, c'était le même discours, les gens, enfin bref. Mais bien sûr. Sous Raymond Barre vous allez dire en oui. 78 <laughs> ouais, C'est vrai, en plus, Raymond Barr, tu un discours où il dit... Écoutez, nous avons vécu trop longtemps sur la dette. La dette, elle était genre de 30 milliards ou un truc, un truc ridicule, tu vois, euh, rien à voir avec aujourd'hui. Genre, elle était 100 fois moins élevée que ce qu'elle était aujourd'hui. Tu es déjà en train de te dire, nous vivons au-dessus de nos moyens, il faut serrer la ceinture et tout. C'est une blague permanente, c'est un sketch qu'ils nous font pour juste voilà, couper a dans, les, dans les, dans les ressources <laughs> publiques, en fait. Détruire un peu plus le service ah, public, détruire les, les ressources collectives, c'est voilà. Hein. On connaît, on connaît la chanson, quoi, on la connaît par cœur la chanson. Giscard, c'était le même bail, oui, de bah, toute façon... Ah, 63... C'était sous Giscard, hein, c'était ouais. premier ouais. de Giscard, Rémombard. Puis dès 1973, euh, on a commencé à... Euh, ils, ça, eux, ils disent sonner la fin de la récréation, mais... Euh, oui, je dis de ça depuis 1973, t'as raison, hein, c'est 1973, Rémombard. 1974, après le choc voilà, le pétrolier, tout ça. Et salut la buse, et Mob Deep. Le 25 février ah, à qui il parlait Ah, bah, au JDD. Il avait récidivé, assurant qu'une partie des Français ne supportent plus de vivre de leur travail, de ne toucher aucune aide tout en finançant un système qui permet à d'autres de ne pas travailler. Mais en fait, à tout le monde. Le, le système est financé par tout le monde pour tout le monde. Et, mais par contre, voilà, ça c'est typiquement là, vous le voyez, quand, quand on cherche à horizontaliser une lutte, c'est. Regardez les, les travailleurs pauvres. Il y a des gens un peu plus pauvres que vous. C'est à cause d'eux, on est d'accord, tous vos malheurs. <laughs> clin d'œil, clin d'œil. Et le problème, c'est que ça, contrairement aux retraites, où c'est vraiment relativement impopulaire, sur euh, ce discours, il fonctionne euh, sur, euh, sur euh, les travailleurs pauvres. Quand on leur, quand on leur dit, bah c'est en fait justement, c'est à cause là, toi, tu cotises, c'est pour ça ton salaire il baisse parce que tu cotises pour ces feignants qui ne veulent pas travailler. Justement, la, la conclusion de l'article remet un petit, euh, un petit point, re, remet les points sur les i par rapport à ça. Déjà. Il évoquait la possibilité de réduire la durée d'indemnisation. Vous prenez le risque de réveiller la colère sociale, interrogeait le JDD. Oui, et avait-il ré rétorqué. <laughs> la vache. voilà Qu'ils viennent oui me chercher, et... le qu'ils viennent me chercher pas loin. Ah ouais. <laughs> Facile ah, de dire ça dans les médias hein. de Bolloré. Hein. Énergie de tocard, hein, vraiment. Même volonté affichée le 27 février au micro de RTL, puis le 1er mars lors d'un déplacement dans les Vosges où il se disait Prêt à prendre des décisions difficiles pour vous, pour inciter au travail. Toujours les, les éléments de COM qui reviennent. Hein. On a bien expliqué pourquoi c'est pas une incitation. Les mots du Premier ministre sont identiques à ceux du Président de la République. Le 16 janvier, à l'occasion d'une rare conférence de presse, Ephaïstos avait annoncé pour le printemps un acte 2 de la réforme du marché du travail. Le lendemain devant le gratin de l'économie mondiale réunie à Davos, il avait confirmé vouloir durcir un deuxième temps sur la réforme de notre marché du travail en durcissant les règles... Excusez-moi, on repasse pour la, seconde, la deuxième couche. Tout est donc prêt pour continuer de démanteler les droits des chômeurs et des chômeuses, les uns après les autres. Le gouvernement a le champ libre depuis qu'il a supprimé le 1er octobre 2018 les cotisations chômage payées par les salariés pour quelques euros de salaire net de plus. En plus, la, la carotte est faible. Les travailleurs et travailleuses ont perdu le droit de dire qu'ils et elles payent pour s'assurer le droit à une allocation chômage décente. Et ça, après, du coup, c'est un élément de rhétorique qui revient. Les réformes engagées avant 2024 ont déjà tapé très dur. Le 1er février 2023, la durée d'indemnisation a été amputée de 25%. Un quart, quand même. Hein. C'est pas rien. La durée maximale de a versement. Ouais. ouais. Tous les ans, ils nous enlèvent un truc et l'année d'après, ils nous refont le même sketch. quoi. C'est insupportable. Ouais, on augmente le prix du tabac et on vous baisse le chômage. Bonne année Je... mmh. 1er février, on peut encore dire bonne année oh, Tant mmh. pis. La durée maximale de versement ver passant de 2 ans à 18 mois. Donc là, on l'a déjà réduit. Et maintenant, ça va être 12 mois. Alors, on, on, là, c'est divisé par 2. Ouais. Et en 2021, avec deux ans de retard sur le calendrier prévu parce qu'il y a eu la Covid, puis de, camou euh, de camoufler devant le Conseil d'État, la première réforme du système avait déjà réduit très drastiquement les allocations chômage des travailleurs et travailleuses ayant des parcours professionnels fractionnés. Souviens la modalité des règles de calcul de oui mais si euh, j'ai euh, bossé, j'ai fait une saison, après j'ai eu deux mois de chômage, après Eh bah, eux c'étaient les plus perdants. C'était une redéfinition très sévère des règles de calcul en vigueur depuis 40 ans. Ah, regardez à quel point, voilà, des règles qui sont là depuis 40 ans et là on les retouche tous les 6 mois. Toujours dans le même sens. Hein. Les premiers bilans sont, on ne peut plus, clairs. Un peu plus de la moitié des inscrits à Pôle emploi se voient verser moins d'allocations. Elles ont baissé en moyenne de 16 et de 20% à 50% pour 15% des demandeurs et demandeuses d'emploi. L'effet est certes radical sur la reprise d'emploi, mais il est éphémère, voire délétère. Selon la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, la fameuse DARES, l'Institut statistique du ministère du Travail, la moitié des demandeurs et demandeuses d'emploi retrouvant un travail n'ont droit qu'à un CDD de moins de deux mois, je disais de deux à quatre mois tout à l'heure, j'avais mal retenu, moins de deux mois, ou une mission intérim. Donc ça ne te rouvre pas des droits au chômage, c'est ça qui est bien fait. En revanche, les effets pour les caisses de l'État sont extrêmement puissants. Les deux premières réformes rapportent déjà plusieurs milliards d'euros par an. Et selon l'UNEDIC, l'organisme qui gère les caisses de l'assurance chômage, une fois qu'elles auront atteint leur plein régime en 2027, elles permettront d'économiser. Voilà, à tout, toutes vos souffrances, pourquoi 6,7 milliards par an. Bien utile pour un gouvernement en quête d'économie budgétaire. Ouais, mais. Quand on le met encore une fois au regard du CICE, de la suppression de l'ISF, de l'allègement euh, de l'IS, de toutes euh, de, euh, des concessions autoroutières euh, qu'on accorde aux privés euh, contre le mmh, boucher de pain... Bah, de la privatisation de les... la FDJ, euh, on peut en citer un. Hein. Toutes les recettes euh, qui existaient... Euh, tout... Toutes les choses en fait qui avaient été euh, euh, des infrastructures bâties en, sur plusieurs décennies, mais qui voilà commençaient à être rentables. Et au moment où elles deviennent rentables, vous connaissez les bails. mutualiser les pertes, privatiser les profits. Bah, à partir mmh. du moment où ça devient rentable, et c'est en plus c'est souvent c'est comme ça. fret SNCF. On va oh non, vous inquiétez pas, on va pas tout vendre. On va on, on va donner accorder au privé pour une bouchée de pain seulement les portions les plus rentables de notre activité. C'est mmh. bien, non C'est une bonne nouvelle. Bah, c'est ça. c'est l'enfer. Enfer macroniste. Une telle perspective mérite bien de jeter par-dessus bord toute rationalité et d'oublier les faits. Qui, qui plutôt, au sein de l'exécutif a pris la peine de rappeler que seuls 36% des personnes inscrites à France, travaille Franck Rush, comme on l'appelle ici, qui a remplacé Pôle emploi le 1er janvier, touchent une indemnisation d'un montant moyen de 1033 euros. Ah oui, c'est oui, bah, très, ouais, très incitatif. Euh, ouais, et qui, qui sait qui, euh, du coup, à 1033 euros, c'est la moyenne, et ils sont, sont censés gagner euh, plus que ceux qui travaillent, d'après Gabriel Attal Ce qui nous dit, oui, il faut que ça rapporte plus de, euh, de travailler que de ne pas travailler. Avec une moyenne à 1000 ah, balles. en fait. C'est déjà le cas. Euh, en fait. déjà bah. le cas hein. Et parmi les inscrits et inscrits mytho, en catégorie A qui ne travaillent pas du tout, seuls 46 touchent une allocation 46%. Il y, y a même pas un sur deux dans ceux qui travaillent pas du tout qui touchent une alloc. Incroyable. Et je regarderai ça tout à l'heure. Euh, merci HP. Au vu de ces chiffres, comment croire qu'un nouveau tour de vis va changer la donne et précipiter des centaines de milliers de chômeurs et chômeuses vers l'emploi, même des millions Alors même qu'on comptabilise. Et encore une fois, on élargit l'assiette quand on fait la réforme chômage. Et ben y a des gens qui la réforme retraite. Il y a des gens qui devraient être en retraite qui du coup sont toujours euh, considérés comme des actifs. Et du coup, on bah, a encore plus d'actifs euh, pour bah, toujours le même stock d'emploi. Hein. Et quel est-il ce stock d'emploi Moins de 350 000 postes vacants. Loin d'ailleurs d'être tous à temps complet. Donc si on est avec on est entre 6 et 7 millions de chômeurs. Hein. Mmh. Comment c'est... Tu nous dis bah on va aller vers le plein emploi. Ah bah les gens ils vont se créer leur propre emploi, t'inquiète frère. Et, et au pire ils meurent. et que quand les chômeurs sont morts, eh bah, ça fait moins de chômeurs. Je, mmh. Des même d'un point de vue économique ça fait pas sens parce qu'au final l'argent, le peu d'argent qu'on gagne quand on est au chômage, ben on le dépense en fait tu le dépenses dans ton loyer, tu le dépenses pour la bouffe tu, le... tu vois ce que je veux dire, tu sens. vas pas économiser et thésauriser l'argent que tu gagnes avec le chômage, dans les mille boules que tu as tu vis à parce peine avec dépense, ça donc euh, oui. tu vois c'est de l'argent qui va retourner dans l'économie quoi qu'il arrive, donc en fait la logique en elle grand serait parti. même mieux de rehausser ces, ces minima là, augmenter les salaires de tout le monde pour créer plus d'activités économique parce que si tout le monde a plus d'argent, et eh ben il y a plus d'économies qui se développe en fait. Donc vu que, que, que la soit ont pour les entreprises et que les entreprises après du coup bah, vont payer plus d'impôts euh, ou que ce soit directement sur la TVA sur les produits achetés, puisque voilà, puisqu'on est dans un bail. C'est ça, le ruissellement s'il est quelque part, euh... il est là, tu vois. Mmh, si on donne oui. de l'argent à tout le monde et effectivement ça, tu vois, ça déborde dans la société, c'est normal. Euh, le ruissellement, il est, en fait, il ne peut... devrait pas être top down, le... il est forcément bonhomme hein, parce que c'est. Mais le, le problème, il peut arriver si les gens estiment que cet argent, ils n'ont pas envie. Ils vont pas le dépenser, ils n'ont pas besoin de le dépenser, ils vont le mettre à la banque et le garder à la banque. Et c'est vrai que là, ça peut créer des problèmes économiques. Mais ah, ce ne sera, sera pas le cas actuellement, tu vois. Ce ne sera pas le cas actuellement, les gens vont le en dépenser tendance. actuellement. Ils ne vont pas du tout le thésauriser. Et alors, que pensent les, économies de, les économistes de ça et bah, Il se trouve qu'on n'en trouve à peu près aucun pour accorder du crédit euh, à la version euh, de Hephaistos et ce son Gabriel. Ah, vraiment étonnant ça. Dès novembre 2022, Esther Duflo, alors, qui n'est pas une euh, meuf avec euh, un coup oh, coup allez, coup, prix entre Nobel les dents, euh, l'équivalent voilà. hein, de prix par... Nobel d'économie que considéré comme étant de centre-gauche, rappelait mmh. qu'on ne voit absolument pas la preuve que la baisse des allocations incite les chômeurs. Et chômeuse à reprendre un emploi. Un court extrait ici de son intervention sur France Inter. Vrai, c'est vraiment incroyable. étonnant parce que, euh, encore un sujet sur lequel les experts disent exactement l'inverse de ce que fait le gouvernement. Ça fait quand même beaucoup de sujets. Hein. La dernière fois, oui. on parlait du trafic de drogue, c'était la même chose. Là, on parle de, de l'économie, c'est la même chose. Sur tous les domaines économiques. En fait, tout le temps, le gouvernement prend les pires décisions. C'est quand même. Euh, la constance là-dedans, elle est quand et même folle. C'était pas ruisselé sur l'émission. Alors, du coup, Esther Duflo... Et en plus, on verra que même euh, euh, France stratégie, là, qui dé dépend directement du, euh, du euh, cabinet du Premier ministre, eh ben, ils disent exactement l'inverse de ce que dit le Premier ministre. Et ça, quand même, je trouve, encore une fois, je le répète, désolé, que c'est bien fait. En ensemble, on trouve... Et on n'entend rien, évidemment. Très, évidemment. très peu ou pas euh, d'effet sur euh, la générosité des, des allocations euh, chômage. Euh, ou en général de la, la générosité, de la protection euh, sociale sur euh, la euh, sur l'emploi. Oui. C'est-à-dire il y a un désir très profond euh, chez beaucoup de gens de trouver, un, de travailler et en particulier de travailler dans des emplois qui leur apportent du sens, qui ont du sens, de la dignité, etc. Et... Oui, là par contre, là où ils veulent vous envoyer, c'est pas vers des emplois où vous allez garder votre dignité. Vous inquiétez et pas. En fait, ah. les, les... Va bosser dans les restaurants, va bosser comme aide-soignant, ce genre de trucs. Les hein. hommes et les femmes politiques, là, où nous, là aussi, c'est très répandu dans le monde entier, c'est pas spécialement franco-français, ont une, euh, à nouveau une méfiance vis-à-vis -vis, euh, des chômeurs ou de ceux qui ne travaillent pas en mmh. disant ou si les allocations. C'est ah, un feignant. de il faudra leur mettre des coups de fouet quand même pour qu'ils se. Et merci Gosta Curie, celle pour un 15e mois en direction de cette émission. Daniel, voilà, toi. Euh, ou le chômage, ou les, les allocations sociales sont trop généreuses. Euh, ils vont pas vouloir travailler, ils vont devenir paresseux. Mais en fait, on n'en voit absolument pas la, la preuve. Mais en ensemble, on trouve. On en voit absolument pas la preuve. Donc, euh, en plus tout ça pour rien. C'est ça qui est beau. C'est De la souffrance inutile. J'appelle ça du sadisme. Oui, effectivement. Et surtout que, du, du coup, sadisme vu que ça va servir à rien, que ça va pas du tout régler les problèmes qu'ils prétendent régler, dans six mois, ils vont nous dire Ah, bah regardez, l'assurance chômage n'est plus au niveau, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que, en fait, vous avez fait une réforme de merde qui a aggravé la situation au lieu de la, au lieu de la régler, quoi. Mmh. Ah oui, comme quand ils euh, il baissent euh, les cotisations. Mmh. Exactement. Et qu'après, ils chouinent. Et c'est ce, toujours ce même truc hein. tu défonces le service public, et après, tu dis Oh, regardez, ils ont tout défoncé, le service public. On va le privatiser, ce sera mieux. Oui, voilà. Une fois, fois qu'on l'a bien défoncé, on lui a dit Regardez à quel point c'est bien inefficace. Autant confier mmh. ça au marché, quoi. C'est ça. ça, ça coûte un pognon de dingue, quand même. Qui en a d'autres Bruno Coquet, spécialiste des politiques de l'emploi qu'on peut difficilement qualifier de gauchiste, martelait encore ce 26 mars sur France Info que durcir les règles de l'assurance chômage ne crée pas d'emploi. Alors, ah ça met la pression aux gens, mais en fait, il n'y a pas plus d'emplois qui sont créés. Il y a toujours le même stock. C'est un truc de fou. Hein. Et en fait, vieux, vous, vous, vous vous souvenez du, du jeu vraiment... des chaises musicales Mais en, en fait, euh, si euh, vous euh, mettez un flingue sur la tempe euh, des gens mm. en disant si à la fin de la musique tu n'es pas assis sur une chaise, je te bute. En fait, il y aura ouais. toujours autant de chaises pour si tout le monde. en sont cinq et qu'il y a quatre chaises, il y aura toujours un qui restera debout même si tu menaces de le tuer. Effectivement, oui, c'est oui. Une affirmation oui. reprise sans frémir par certains de ses confrères carrément classés à droite, comme Bertrand Martineau, économiste à l'Institut Montaigne, qui déclare à la tribune, pas un journal de gauche, enfin, hein, on ne répond pas. l'Institut Montaigne, Montaigne c'est des turbo-libéraux. Genre que même eux disent ça, ça montre à quel point le gouvernement est éclaté au sol. L'Institut Montaigne, c'est vraiment les turbo-libéraux. Ils sont macronistes as fuck. Hein, donc, euh, et eux, ils sont pour le coup pour euh, voilà, réduire au maximum euh, les trucs et tout. Donc si même eux le disent, franchement, c'est juste délirant. Hein, c'est vraiment délirant. Et alors qu'est-ce qu'il nous dit On ne répond pas à une situation conjoncturelle d'augmentation du chômage par une réforme de l'assurance chômage. Les gens ne sont pas devenus paresseux, c'est juste qu'il n'y a plus de croissance, donc le chômage augmente. Yannick Lorty, qui a souvent défendu les réformes du marché du travail, n'y croit pas non plus et suggère au monde que le gouvernement cherche en fait à parler à un électorat qui a une surreprésentation des ménages à bas revenus et des chômeurs assez éloignés de la réalité. En fait, c'est simplement ça. du populisme, c'est même pas... C'est ça C'est même le pas côté, pour... ces gens qui ne travaillent pas et qui gagnent de l'argent, mais c'est en plus là-dessus que repose le FN aussi beaucoup ouais. dans sa rhétorique sur la cistana, bien sûr. C'est ça, la cistana, exactement. En effet, le discours anti-chômeur est une constante du récit gouvernemental. Dès décembre 2019, dans une étude consacrée au RSA France Stratégie, organisme placé sous l'égide du Premier ministre, établissait que le travail paye significativement plus qu'une situation d'inactivité, même pour de très faibles niveaux de, ré, de rémunération. 2019, Mediapart démontait l'arnaque intellectuelle permettant d'affirmer l'inverse. Et alors, moi, je, on va pas le lire en entier, parce que là, on, on a déjà beaucoup de trucs à lire, mais je voulais quand même lire au moins la conclusion euh, de cette note du cabinet du Premier ministre, hein, plus ou moins. Qu'est-ce qui conclut là-dessus Bon, il y a 8 pages, on va pas lire les 8. Mais... Euh, la conclusion me semble assez éloquente. C'était juste la dernière page, oui. On va agrandir un peu si on peut. Il n'y a plus aujourd'hui de situation où travailler entraîne, il n'y en a plus, peut-être qu'il y en a eu par le passé, une perte de revenus disponible pour un ménage allocataire du RSA. Le travail donc paye significativement plus qu'une situation d'inactivité, même pour de faibles niveaux de rémunération, hein, même pour des emplois au SMIC. Cela s'explique à la fois par les réformes successives des prestations visant à davantage inciter au, inciter au travail, mais aussi pour la faible revalorisation des prestations servies. À ceux qui n'ont aucun revenu d'activité en euros constants, le revenu disponible des ménages sans activité évolue moins vite que le seuil de pauvreté. il bah, y a de plus en plus de gens qui passent euh, du coup sous le seuil de pauvreté et encore là on est en 2019, on était avant l'inflation. Au en final. Enfin oui. mmh. avant l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Au final, si on considère les personnes sans enfants, une personne seule sans emploi ne bénéficiant que des dispositifs universels de soutien aux ménages modestes est toujours sous le seuil de pauvreté en 2019. Elle en est même plus éloignée qu'en 2000. Un travailleur à mi-temps au SMIC se situe au, ni au niveau du seuil de pauvreté en 2019, alors qu'il était très en dessous de ce seuil en 2000. Enfin, un travailleur à plein temps au SMIC a un niveau de vie très supérieur au seuil de pauvreté en 2019. Bon là, voilà, ça, euh, ça, c'est la contrepartie, alors qu'il était à peine au-dessus de ce seuil en 2000. Bon, très supérieur. Euh, sachant que le seuil de pauvreté, il, il est calculé sur un pourcentage du euh, salaire médian. En revanche, dans toutes les configurations familiales, sauf celle d'une personne isolée avec un enfant, un travail au SMIC à mi-temps ne permet pas de sortir de la pauvreté. Quand un emploi au SMIC à temps plein... S'il permet aux célibataires, avec ou sans enfants, de sortir de la pauvreté, il ne préserve pas aujourd'hui les couples. Là, on est que dans les stats, hein, mais il ne préserve pas aujourd'hui les couples, là encore, avec ou sans enfants, du phénomène de pauvreté laborieuse Tu travailles Et pourtant, tu es pauvre. Mmh. L'accroissement des gains à l'emploi, c'est donc accompagné d'une meilleure protection contre la pauvreté des travailleurs, mais d'une dégradation relative de celle des ménages sans emploi et ne bénéficiant pas de l'assurance chômage. Si le travail paye désormais dans tous les cas, il ne garantit pas toujours de sortir la pauvreté. Donc, ils te disent bien. Oui, en fait, travailler, ça rapporte euh, évidemment plus euh, que l'inactivité, mais pas assez pour, euh, pour ne pas être pauvre. Il y aura peut-être un truc à faire là-dessus. Et justement, c'est le dernier paragraphe qui est incroyable. Pour imaginer des dispositifs efficaces et justes de soutien aux revenus des plus modestes, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre deux objectifs difficiles à concilier pour des ressources publiques limitées. Bon, là, on a vu que nécessairement, volontairement limitées, hein. faire en sorte que le travail paie suffisamment protéger contre la pauvreté les ménages et aux ressources les plus faibles ceux qui sont sans emploi il faut les protéger c'est la note du cabinet du premier ministre qui dit ça j'en ai marre ce type d'arbitrage est au cœur des réflexions non, et des concertations moi. sur le revenu universel d'activité du coup vous savez la refonte du RSA alors moi au début j'ai dit quoi revenu universel non revenu universel d'activité c'est un truc macroniste ouais, non, de on la, regroupe de toutes les aides toutes les aides et, et travail 15 heures par semaine connard voilà en gros c'est ça. ça mais à la conclusion et c'est incroyable ils nous disent donc il faut Augmenter les salaires et protéger ceux qui n'ont pas d'emploi. Et pourquoi on fait exactement l'inverse mmh. oui. Encore une fois, c est, c est, c est, là, c'est pas des gauchistes, c'est littéralement, les, littéralement le, le même gouvernement. Enfin, c'était... Il y a eu euh, des remaniements et tout ça. Je sais pas, pour France Stratégie, euh, s'il si, euh, y a eu des têtes qui ont changé, tout ça. Mais à l'époque, quand c'était Édouard Philippe, Jean Castex, c'était à peu près ce père-là. Là, on est fin 2019. Je sais plus, c'était peut-être déjà Jean Castex Je sais plus. Ouais, euh, ah, je, Non, c'était pendant le Covid que ça a changé. Mi-2020. Oui, mais euh, Covid. Oui, enfin, ça a commencé chez nous en 2000, début 2020 plutôt, ouais. Oui, c'était mi-2020 que ça a changé, le gouvernement. Ouais. Donc bon. Là, c'est quand même énervant de voir que même leurs propres services disent le contraire. Hein. Le mythe du chômeur optimisateur qui jouerait savamment des paramètres de l'assurance chômage pour jouir au mieux des allocations avant de reprendre le travail quelques mois, puis de se replonger avec délice dans le bain du chômage, s'effondre également mmh. dans toutes les études scientifiques s'étant penchées sur la question. Travailler rapporte plus qu'être au chômage et l'immense majorité des demandeurs et demandeuses d'emploi ne le sont pas par choix. Ces évidences n'empêchent pas le Premier ministre de répéter à chaque intervention que le travail doit payer davantage que l'inactivité, comme si ce n'était pas toujours le cas. La vérité du discours gouvernemental est à chercher ailleurs. Taper sur les chômeurs et les chômeuses est un moyen commode de faire oublier à celles et ceux qui travaillent que, malgré les promesses et les discours, elles et ils ne seront jamais les bénéficiaires de sa politique. Là où la valeur-travail, dès, dès que vous voyez valeur-travail, vous savez que c'est de la saloperie, hein, étant valorisée, elle n'est en fait pas rétribuée à sa juste valeur. Rappelons une réalité, encore pointée dans la dernière note de conjoncture de l'INSEE. Sur la période 2022 et 2023, durant laquelle l'inflation a été intense, vous n'avez pas manqué de le remarquer, les salaires réels ont reculé de 2,5%. Bah, on gagne moins qu'avant. Oui, c'est quand même bien. Non seulement les salaires n'augmentent pas, mais en fait, ils diminuent. <laughs> Après, on dit, oh, il faut que... Oui, euh, euh, le RSA aussi il diminue. Sur le papier. Ils ont bien augmenté, mais moins vite que les prix. Enfin, ce n'est pas le RSA qui diminue, c'est les conditions et puis... Et c'est sur la RE, vous avez compris. Donc les salaires ont bien augmenté, mais moins que les prix. Donc voilà, baisse du pouvoir d'achat. Ce chiffre. Appauvrissement général de la population, on peut le dire comme ça. Concrètement, fait. oui, bah quand vous faites les courses, vous avez euh, avec euh, la même la même quantité d'argent, à peine supérieure à avant, vous avez des ah prix qui sont bien supérieurs, et bah du coup vous avez encore moins. Bah, euh, non, vous avez encore moins d'argent si vous en restez à la fin du mois et que vous faites partie des trois quatre Français qui restent de l'argent. Euh, par exemple, vivez. un 28 mars, n'hésitez pas, s'il vous reste de l'argent un 28 mars, à faire des dons. <laughs> Mais euh, bah en fait, là, surtout la plupart des gens pour qui la fin du mois arrive encore plus tôt. Mm. Ce chiffre, l'exécutif se garde bien de le claironner sur tous les toits. Pourtant, il renseigne exactement sur la place que le pouvoir accorde aux travailleurs et travailleuses face aux entreprises et aux détenteurs du capital. Oui, qui, eux, ne se sont jamais... Voilà, le problème c'est celui qui, euh, de ceux qui se gavent. Eux ne se seront jamais autant gavés. Merci de vous inquiéter pour eux. Et ça n'est pas la croissance atone qui permettra de changer la donne tant l'activité économique tourne au ralenti. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une liaison qui n'existe pas. Le gouvernement l'a démontré à plusieurs reprises n'entend imposer aux entreprises aucune hausse de la rémunération de leurs salariés, hors des hausses automatiques du SMIC. Donc le minimum de toute façon qui est prévu euh, d'augmentation. Pas question de lester les employeurs de supposer poids supplémentaires dans l'interminable course mondiale à la compétitivité. Comment alors ne pas désespérer les salariés Comment leur donner l'illusion que leur situation ne se dégrade pas Pas. Mmh. Pour Ephaistos et ses troupes, la solution est toute trouvée. Faute d'améliorer le sol, le sort des fameuses classes moyennes. Merci de le mettre entre guillemets parce que ça n'existe pas, <coughs> dont ils ont pourtant fait officiellement leur boussole. Il faut dégrader la situation des privés d'emploi. On appauvrit les plus précaires plutôt que d'améliorer le destin des mieux lotis. Le travail n'est pas récompensé par. Enfin, ça dépend. Les, les mieux mieux lotis, eux, ça c'est bien amélioré pour eux. Pareil. Merci de vous inquiéter pour eux. Ça ne s'arrête euh... pas de s'améliorer pour eux, vraiment. Ouais. Euh ils ne savent même pas quoi faire de leur pognon hein, les lotis donc euh, vraiment ouais bravo à eux le travail n'est pas récompensé par des hausses de salaire c'est le non travail qui est sanctionné donc, arrêtez de parler d'incitation ah, j'aime bien la, la formulation moi voilà résume bien tout pourquoi se priver taper sur les plus précaires n'a aucun coût politique voire est une mesure populaire comme nous l'avait confié l'ancien dirigeant de la CFDT Laurent Berger lors d'une conversation où pointait la désillusion les Françaises et Français ne sont pas seulement indifférents au sort des chômeurs et des chômeuses il et elle sont même d'accord avec les mesures qui les stigmatisent. Et d'ailleurs, il se réfugie derrière ça. Mais... Oh, la ce plupart des gens d'accord avec pas, ça. Donc... Hein. Oui. Jusqu'à ce que ces Françaises soient même au chômage. Et là, ils disent « Ah, bah, c'est dur quand même, en fait. fait »« Anée hein. en fait. Je... » bon. Bon. Oui. Année après année, le baromètre de l'Unedic le confirme. La moitié des Françaises et des Français pensent que les chômeurs et les chômeuses sont responsables de leur propre situation. Horizontalisation des luttes, again. Un sentiment qui est facile à décrypter. Plus on se sent proche du chômage ou de la précarité, plus on a besoin de se dire qu'on est différent de celles et ceux qui les subissent déjà. Cela le mériterait, se dit-on, là où moi, j'ai les ressources et la volonté nécessaires pour me sauver. En jouant sur ce ressort, pour détourner l'attention des effets réels et de leur politique, Emmanuel Ephaistos et Gabriel Attal utilisent les armes des populistes qu'ils clament à longueur de temps vouloir combattre. Pourtant, toute la théorie économique le rappelle. Attaquer l'assurance chômage, diminuer le montant ou la durée de l'indemnisation, cela fait du mal non seulement aux demandeurs et demandeuses d'emploi, mais aussi à toutes celles et ceux qui travaillent. La répression des chômeurs et des chômeuses est en effet l'une des clés principales si l'on souhaite s'assurer que les salaires des employés n'augmentent pas. Une pression à la baisse sur les rémunérations d'autant plus efficace qu'elle est invisible. Surtout lorsque le chiffon rouge des chômeurs et chômeuses prétendument paresseux est agité jour après jour. Article voilà qui est un peu long mais qui je trouve résume bien le game de Dan Israel force à lui lisez Mediapart. Qu Question la pensée quel qu'elle as est-ce que t'as des commentaires avant qu'on garde Guiraud Ben ouais non c'est très bien résumé c'est en fait c'est vraiment aberrant à quel point que, je ne sais même pas comment ils font pour être aussi nuls en fait pour être aussi à côté de la plaque mais et sont aussi j'ai même envie de dire cruel tu vois Il y a une, hum, je vois je une forme que, de cruauté cruel, moi, hein. et de vraiment de, de déshumanisation absolue euh, C'est-à-dire voilà les pauvres, euh, ils peuvent crever la gueule ouverte, on s'en bat les couilles, on va continuer de leur mettre la tête bien sous bien sous l'eau quoi. Et ils peuvent être 3,5 millions dans les rues, de toute façon, on continuera juste de les mutiler euh, jusqu'à ce qu'ils se calment. Et c'est tout. C'est à vomir. Franchement, euh, juste à vomir, j'ai pas d'autres mots, c'est. Parce que notre projet Voilà, superbe projet. <laughs> Pardon. Non mais. Mais c'était quand même ça, hein, donc. Euh... C'était ça. Pourquoi la lumière ne veut plus revenir en bleu vous avez fait bugger la lumière. N'hésitez pas à lancer un train pour faire euh, refonctionner la lumière. On va voir si j'arrive à le refaire fonctionner. Ma... Ah. Ah. ah non, c'est mes, mes LED qui déconnent. D'accord. J'avais pas vu. Alors attendez, je les déconnecte, je les reconnecte. Et normalement, ça refonctionnera. Et merci notre yes, Drift yes. Qui veut refaire fonctionner les lumières en s'abonnement pour la première fois Soit le bienvenu. Profite d'une émission sans publicité et d'emoji. Basé. Merci Drift. Alors donc nous avions David Guiraud euh, qui va peut-être nous éclairer de ses lanternes. Je suis pas abonné à sa chaîne concernant euh, ce non sujet en fait qui devrait être un non sujet. Écoutons. Bonsoir. bonsoir, député de La France Insoumise du Nord, merci d'être là. Louis Marguerite, bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance de Saône-et-Loire, merci également à vous d'être là. On va, on va revenir à l'achat chômage dans un instant. Mais, mais d'abord, ce déficit plus, plus important bien. que prévu. Je vais vous poser une question simple. David Guiraud, la faute à qui Au gouvernement Moi, je vais vous dire des choses euh, qu'on ne dit pas euh, en ce moment dans le débat public. Donc, euh, j'espère que tout le monde a accroché sa ceinture. Parce que moi, j'observe quand même quelque chose. C'est que la France n'a quasiment jamais eu autant de rentrée fiscale de son histoire. Elle est riche comme jamais. Où va l'argent La question, elle est là. Où va l'argent L'argent de la TVA, par exemple, dont on nous parle là, récemment, c'est plus de 200 milliards d'euros sur l'année. Et puis, si les salaires n'augmentent pas, que tu as de plus en plus de, euh, de chômeurs et de travailleurs pauvres sous le, euh, et de personnes sous le seuil de pauvreté tout court, alors que les gains de productivité continuent de s'accroître, c'est bien qu'il y a de l'argent qui n'a pas été ou très peu équitablement redistribué. L Année 2023. Euh, c'est un argent on n'a jamais atteint, c'est ça moi, quasiment de l'histoire du pays. Hein. On donc, imagine que l'argent a servi, notamment pendant la crise du Covid, à soutenir non. les entreprises, à d'autres choses comme ça. Mais mais non, non, mais non. Mais Regardez, je vous ai pris. Un... Justement, les, les, pendant le Covid, c'est là où les entreprises se sont fait des couilles en or mmh. comme Jaja. Hein, donc, ça dépend euh, les entreprises, non, mais... C'est l'inverse. Hein. Les, grosses, les entreprise. grosses entreprises. Les total et autres. Amazon, ils sont mis bien. Ça. Oui, voilà. Ah, ça, Amazon, en fait, je ne si pas si on voir mais. Donc En rouge, c'est l'argent de la TVA qui va dans le budget de l'État. Ce qui n'est pas en rouge, c'est-à-dire plus de la moitié, c'est de l'argent de la TVA qui ne va plus dans le budget de l'État. Vous savez, par exemple, quand Emmanuel Macron il est arrivé en 2017 euh, en, en tant que président de la République, l'argent de la TVA allait dans 90 dans le budget de l'État. C'est-à-dire quand, quand l'État récolté 100 milliards d'euros, sachant que la TVA c'est le plus gros pôle de recettes fiscales euh, euh, à l'échelle nationale. On avait 90 milliards d'euros pour et lui. Et aussi et le plus et, injuste. Oui. Puisque au prorata ton budget, hum. plus tu es pauvre, plus la TVA pèse dans oui, ton budget. Il n'y a, y a pas de progressivité riche, moins, de l'impôt voilà. sur la TVA. Tout le monde paye la, me, euh, la même TVA, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. 10 milliards, est haute part, parfois des mesures de solidarité ou autre. Là, c'est plus que 50%. C'est-à-dire que vous avez 100 milliards d'euros qui se volatilisent. Donc vous dites plus de la 100, 100 du milliards d'euros. C'est un on... déficit qui se creuse. Et je dis déjà, on n'a pas de problème de recettes. Il y a plus de 100 milliards d'euros qui sont partis, où Qui sont partis dans le budget de la Sécu, dans le budget des collectivités territoriales. Pourquoi parce que pendant des années sous le mandat Emmanuel Macron, on a fait des exonérations de cotisations sociales. Ah, on a fait le CICE qu'on a balancé sur la sécurité sociale. Et comment on fait financer ça avec l'argent de la TVA On a supprimé des impôts de locaux, des impôts de production, la taxe d'habitation pour les collectivités locales. Ça représentait l'argent moins pour elles. Comment on a financé ça Avec l'argent de la TVA. Donc en fait, on fait financer avec l'argent que les Français payent au caddie. Hein. On fait financer avec l'argent des classes populaires et moyennes des mesures politiques oh non, ouais, qui sont on des mesures qui favorisent match. le grand patronat de ce pays. Louis Marguerite. Merci Manta pour le follow. -up. Oui, non, mais euh, la démonstration de M. Guiraud est absolument passionnante. Ce qu'il oublie de dire, c'est que euh, d'une part, à la fin, ah, c'est est pas. Est-ce qu'elle est, est, qu est passionnante ou pas Est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est fausse Qu'est-ce qu'il faut Il y a quand même un déficit de toute la dépense publique. La dépense publique, pour que les gens aient en tête, c'est 1500 milliards. C'est plus de la moitié de ce qu'on produit, ce qui est généré comme richesse dans le pays. Euh, et c'est un taux qui est très élevé parmi les pays de l'OCDE. On a un taux de dépense publique qui est, très, qui est très élevé en France. Et on a un déficit. Ça a été évoqué sur en introduction de 150 milliards. C'est un député macroniste. Donc à la fin, peut-être que euh, des rentrées fiscales augmentent et elles n'ont pas autant que ce qu'on aurait espéré, c'est ce qui explique le, le, dé, le dérapage, un décalage, décalage de recettes, absolument, recettes en moins en 2023. Et, et à la, absolument, et, 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 et par ailleurs les dépenses elles augmentent aussi, parce qu'il y a des dépenses de santé qui augmentent, parce que le prix des médicaments est le plus élevé, parce que pour tout un tas de raisons. Et ce qui explique ce décalage en par rapport aux prévisions, effectivement il y a un décalage. Encadrez-les les prix des médicaments, vous avez la puce, la, le pouvoir de le faire en soi et c'est ce qui nous oblige... Pas forcément sur tous les médicaments, mais je pense qu'il y en a plein qui seraient nécessaires de le faire. Plutôt que de nous dire, euh, bah, on va moins les rembourser du coup à partir de maintenant. Et ce qui explique ce décalage oh, par rapport aux prévisions, effectivement, il y a un décalage et c'est ce qui nous oblige à être sérieux dans les prochaines, prochaines semaines ou les prochains mois. C'est ce lié, lié notamment... On te dit, on vous parlera toujours de sérieux pour vous parler de cruauté, hein, bien sûr. Non. Justement, un manque de sérieux. Il y, a eu, il y a eu, non, non, parce que on a basé euh, le examen du budget euh, en fin d'année dernière sur des hypothèses qui dataient de août, septembre, et qui à l'époque faisaient consensus. Donc à ce qu'on dit, non. si c'est dit, parce qu'au mois d'août, il ah, n'y a pas un économiste qui disait qu'on n'était pas à 1,4 de croissance, ah, si, si. Il n'y a pas un économiste qui valide la, actuellement vos réformes. C'est au CDE, le président vous, de non, la. Il de France. Je vous le je vais vous le dire. j'étais au CDE. Non, ça a été Président de la Commission des Finances. Je vous ai Monsieur je vous, ici, écoute, je conseil conseil vous, vous ça fait du monde non et il y a eu effectivement à partir du mois de novembre décembre des moindres rentrées fiscales par rapport à ce que nous espérions pour une raison c'est que l'inflation a reflui. Alors, je sais que ce n'est pas ressenti par beaucoup de nos concitoyens que nous... je suis détour anxieux Écoute mais il se trouve c'est ouais. vrai, y compris à commencer par mon département, c'est très mm -hmm. clair. Pour autant, a, ça a plus plus rapidement reflué que ce qu'on imaginait et donc il y a eu moins de rentrée fiscales, moins de cotisations qui sont rentrées dans la caisse de table. Donc à et la fin, la, y a la démonstration sur la, la TVA, elle est, elle est passionnante, mais c'est juste qu'à la fin, oui, parce ce qui que compte, ce qui dépensé. compte non parce que ce qui compte ah, à la, si la si. fin, c'est les recettes et les dépenses. Et il se trouve qu'on a moins de recettes que de dépenses. Alors moi donc, je viens d'expliquer que par exemple, sans aucune dépense supplémentaire, il y a 100 milliards d'euros. Justement parce Encore une fois, on vous présente le budget de l'État comme si c'était le budget d'une entreprise ou pire, celui voilà, la au bon père de famille, merci Manta. Manta qui sub pour la première fois, Daniel Valatois, et soit le bienvenu. qu'est-ce oui, hein, qu qu'on fait On baisse les dépenses, on augmente mais les recettes on veut dire les impôts. Hein, non, non, il n'y a même pas besoin de. Y a... Là, on a 100 milliards d'euros qui sont partis dans des politiques euh, pro-entreprise, pro-grandes oui, entreprises. Qui a, pense... mais... qu a créé 16 emplois, ça nous a coûté 150 milliards. Ferme ta gueule au bout d'un moment. 100 milliards d'euros, et là, votre emploi. modèle économique est en échec. On pourrait juste. Franck, prendre... mais disons, allez. Si vous voulez à la limite Quels faire des, des, des politiques pro, grandes entreprises, etc., libre à vous. Mais moi je vous dis dans ce cas-là, assumez politiquement... De... Et oui, c'est pareil, les dispositifs comme le CICE, on se dit, oui, c'est toujours pour aider les petites entreprises. En fait, quand tu regardes sur le global, c'est principalement les grosses qui, euh, qui se gavent là-dessus, tu vois. De pas le faire financer par la TVA, c'est-à-dire de ne pas le faire financer par les, par, les, par les petites gens, voilà, ceux qui galèrent quand, y a le, quand le prix des pâtes augmente avec l'inflation et que la TVA rentre plus, bah, pas par eux, mais par, par exemple, les, les plus fortunés. Ça, ça sera un choix. Mais après, il y a autre chose. C'est que, bon, imaginons que vous avez raison. des emplois répétés les de la réalité. Moi. Mais imaginons. Tu as été modéré, du coup, euh, c'est recte. Non, les, les bourgeois s'accaparent la, la valeur ajoutée euh, créée par les personnes qui occupent ces emplois. Après, il y a autre chose. C'est que, bon, imaginons que vous avez raison. On est loin de la réalité, mais imaginons. Euh, vous nous dites, bah, du coup, il faut faire des économies. Alors, on cible. L'assurance chômage, vous en avez parlé. Euh, L'école, l'éducation, tout ce que vous voulez. Il y a quand même un truc, moi, qui m'étonne. C'est que la première mission du budget de l'État, elle s'appelle la mission remboursement et dégrèvement. C'est la mission des niches fiscales. Cette mission-là, c'est 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros. On nous dit qu'on prépare 50 milliards d'euros. C'est ça, d'économie. J'appelais tout à l'heure l'optimisation fiscale. 140 milliards d'euros. Et dans ces 140 milliards d'euros, vous n'êtes pas capable d'aller chercher un centime d'économie. Vous voyez, donc en fait, on gratte dans les pupitres des salles de classe, on gratte sur les brancards des lits d'hôpitaux. Mais par contre, 140 milliards d'euros qui sont distribués comme ça, on n'est pas capable de faire ça. Vous dites augmenter les recettes, mais il faut aller chercher. au bon endroit. Attendez, il y a encore pire là-dessus. C'est que Tu peux me poser une seconde, Mais le truc, c'est que. En fait, voilà, c est, c est, si tu veux faire des efforts sur le budget, en soi, même si pour moi c'est du bluff et c'est de l'arnaque, il faudrait changer tout ça et arrêter de descendre de, de ces logiques-là. Mais bon, en prenant leur logique à eux, tu veux réduire le budget, ben tu fais des efforts en fait qui se répartissent sur tout le monde. Pourquoi c'est toujours aux pauvres de, de prendre cher Pourquoi c'est toujours tu vois, aux étudiants de, de voir leur bourse réduite euh, de, de voir le, tu vois, le nombre d'argent euh, qui est mis par étudiant en France est en baisse constante alors que le nombre d'étudiants augmente donc, c'est toujours les publics les plus précaires qui sont oui, ciblés. Si les étudiants Par ne prennent pas d'emploi, faut faire Monsieur des économies Vizion. sur les milliardaires. Là, il n'y a, a plus personne. tu vois. C'est ça qui est… Il a raison, euh, Guiraud. On gratte sur les publics des élèves. Il de y a des gens qui crèvent à l'hôpital public français parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Et pendant ce temps-là, il y a 140 milliards de niches fiscales qui, au fond, ne servent à rien parce que les gens qui ont les moyens de mettre leur sous dans, les, dans ces niches fiscales-là, en Et fait, c'est un si ils, ils sont malades, ces gens-là. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Ils sont malades, donc il faut les, il faut juste les mettre les dans un HP qui se les repose des autres, hein, dans une la maison de repos, la repos qui prennent du temps pour eux, et leur, les 140 milliards par an, par an, 140 milliards, ça veut dire depuis 2020, ça fait 140 milliards x 4 depuis 2020. Donc ça fait combien de, de centaines de milliards en fait. Donc et, effectivement et ces gens-là, il faut quoi, leur prendre 140 milliards, les mettre dans une maison de repos, voilà, légaliser le cannabis pour qu'ils puissent se détendre un peu, et, et on est bon. Et on est bon en fait, il n'y a plus de problème d'hôpital public, il n'y a plus de problème d'école, il n'y a plus de problème. 140 milliards par an. Tu veux faire un centre Donc, de euh, désintox qui on fumerait de la weed Oui, il faut légaliser la weed aussi, oui. J'ai pas... placé ça au passage. On n'en avait pas parlé ce soir, effectivement. Évidemment. Non seulement vous n'avez pas fait d'économie sur les 140 milliards d'euros, déniche fiscale, grosse mission de l'État, mais en plus de ça, en plus de ça. À la fin de l'année dernière, vous nous avez augmenté les crédits ouverts sur cette niche fiscale de plus de 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que non seulement vous ne faites pas d'économie sur les niches fiscales, mais en plus vous augmentez les manques à gagner de l'État sur les niches fiscales. Oui, alors ah, là, on oui. est... Euh, que je veux dire, vient nous dire, oui, mais nous sommes en déficit, vous comprenez, il faut être sérieux. Mais est-ce que c'était sérieux d'organiser la faillite de l'État comme vous l'avez fait Non Pas trop C'est ça la responsabilité Comment on fait? Comment ah on fait? Qu'est-ce qu qu'il faut faire? Alors, mais en fait, il y a trois grandes zones. Le gouvernement dit qu'il ne veut pas augmenter ce qu'il qu faut. C'est qu'après qu d'économiser qu des bouts de chandelle sur Les années nos 80 américaines, en France, en fait, tu vois. Les années 80 sous Reagan, ça a été ça. Euh, tu vois, le, la grande libéralisation, même l'Angleterre de, de Thatcher. Euh, des, tu vois, la, la grande libéralisation, la grande privatisation, euh, ça a donné des morts. Je veux dire, la privatisation du réseau ferré en Angleterre, c'est des accidents euh, ferroviaires oh, ouais, là, graves, hein. tu vois, ce qui, qui ont fait des dizaines, voire des centaines de morts. Donc, euh, c'est ça qu'on vit. 40 ans plus tard, en France, en mode, voilà, Tina, des risques non alternatifs, on doit réduire les budgets. Et s'il y a des gens qui crèvent à l'hôpital français pour ça, eh ben tant pis, ils crèvent. Quoi, voilà. Ça n'est pas pragmatique, c'est idéologique et en plus, ça nous fait gagner des points dans les sondages. Donc, c'est pour eux, ils se disent c'est gagnant-gagnant, tu vois. C'est comme ça. On peut continuer à faire des cadeaux aux riches. Truc, là, mets, Diamond, des que... cadeaux aux riches à qui on doit tout. Euh, euh, on on retape les pauvres, mais en plus c'est bien vu et euh, du coup on est réélu. Du coup, limite ouais. ils auraient même pas besoin des riches, ils auraient juste besoin de. <laughs> C'est vrai que ce qui est terrible, c'est les gens des qui sont. Ah bah oui, c'est vrai point. que les chômeurs, ils ont la vie facile. Tu vois, qui sont, qui sont, qui valident cette, cette démarche là. C'est ça qui est terrible. Hein. Tu, as, tu as assassiné la moitié de la planète. Un petit prix à payer pour 2,3 de, euh, de PIB. De, de, PIB de, de PIB, de croissance du PIB dans le troisième euh, trimestre. Troisième trimestre, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Au fond, c'est ça. L'horizon n'est que trimestriel. Ils sont prêts de à de détruire la vie littéralement de gens pour une augmentation d'une courbe dont on se bat les couilles en fait, c'est un truc de fou quand même. C'est assez éloquent. On va retweeter. Reposter maintenant il faut dire. Ah, 600 parler. likes, il a percé le tweet hein. J'avoue, 664. Alors qu'il est en anglais en plus, je pensais vraiment pas que ça... celui-là il allait percé tu vois, mais bon bref. Tu l'as envoyé quand Tu l'as envoyé ce matin Moi je crois, je sais plus. Oui. Ah t'étais du matin aujourd'hui aussi. J'ai été du matin oui. Incroyable. Je fus du matin. Bon, après, il y a 10 heures, était... il était 9 h ouais, ouais, 9, 9 heures du matin, t'es déjà, déjà en train de tweeter. C'est le stream qui se lève tôt, là, ou pas, là Faites Ah ouais, non, ou... je... je crois que je me suis rendormi après, donc c'est pour ça que je, je suis un peu pas, en mode bon, oui, oui et non, quoi. <laughs> Ah, oui, mais bon, mais ouais. je partage ouais. ce point de vue. La première option, c'est de laisser filer la déficit, le déficit et de la dette. Il euh, y en a chez vous, c'est peut-être pas votre cas, monsieur Guiraud, mais qui, 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 qui nous explique encore ce matin, je crois que c'était Manuel Bompard, qui expliquait qu'on pouvait ne pas rembourser une partie de la dette. Je crois la dette Covid. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui, tous les jours. Il raison, bien et oui, sûr que Faisons oui. des haircuts. Oui, oui. Non, mais let's go. Surtout, tout partie de la Enfin, il y, y a bien une partie qui. Justement, en plus Gabriel Attal qui en plus avait l'audace sur, euh, sur TF 1 de euh, se plaindre du fait qu'il y ait autant d'argent qui passe dans le remboursement des intérêts de la dette même pas le nominal c'est oui hein. c'est oui, j'aimerais bien cet 70 argent il aille dans l'hôpital à l'école plutôt donc il faut et être sérieux il y a un truc précis aussi dont on n'a pas parlé je sais pas si le, dans l'article de Danisrael je crois pas qu'il en ait parlé mais c'est que Macron euh, a quand il est arrivé au pouvoir en 2017 il a pris des dettes il a pris de la dette française du, du crédit indexé sur l'inflation parce qu'en fait en 2017, 2018, 2019, il y avait quasiment pas d'inflation. Donc à ce moment-là, tout allait bien, on payait pas plus cher et c'était même euh, voilà, c'était même plutôt plutôt bénéfique pour la France. Problème en 2020, c'est mis à avoir énormément d'inflation. Donc cette dette contractée avec une indexation sur l'inflation, elle condamne la France à rembourser à ses créanciers non seulement la dette, non seulement les intérêts, mais aussi l'inflation. Les intérêts refus, revus à la hausse ouais, du coup. On doit rembourser l'inflation à nos putains de créanciers. C'est-à-dire que eux, l'inflation, ils ne vont même pas la sentir, parce qu'on va leur payer la putain d'inflation pendant que nous, on en crève. Tu vois, c'est ça le, c'est ça le délire. Et Macron, du coup, ses décisions de merde, ces décisions de merde, nous, ont, nous amènent nous amène dans la situation dans laquelle on est. C'est sa faute à lui. C'est pas à cause des chômeurs, c'est pas à cause des gens au RSA, c'est pas à cause des mères de familles célibataires qui touchent l'aide, pour les mères, tu vois, pour les allocations familiales. C'est pas ça le problème. Le Problème, il n'est absolument pas là. C'est ça, ouais. c'est normal. C'est pour qu'une société fonctionne bien. Comme le, quand le on. Euh... C'est les 140 milliards, c'est les, les super profits de Total, de Dev, de qui tu veux. Est, il est là le problème de Carrefour qui, qui nous saigne à blanc, tu vois, qui saigne les agriculteurs, qui saigne les consommateurs. C'est ça la, la réalité. C'est comme quand on pointe du doigt euh, euh, la fraude fiscale, euh, la fraude sociale, euh, et qu'on qu ne la met pas au, en rapport avec euh, l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale qui est bien supérieure. Genre, mais genre 10 fois supérieure. Hein. Euh. Je crois que ça, ça se compte en oui. millions, voire un milliard pour la, euh, la fraude sociale, et que c'est estimé à 100 milliards par an toujours euh, pour euh, l'évasion fiscale. Et au mieux, on vous dit euh, oui, on va faire 50-50, euh, on, on va mettre nos agents euh, 50% sur les pauvres, 50% sur les riches. Bon, on attend de voir. Mais en plus, en plus, même, ça, même dire ça, c'est trahir la vérité. Même là, ce que je viens de vous dire, parce que la fraude fiscale, en fait, la, la fraude sociale, c'est pas les pauvres qui trichent globalement. En fait, il y a ça se, ça se ventile de plein de façons différentes on se rend compte que l'essentiel de la fraude sociale c'est des surfacturations d'actes d'honoraires euh, notamment par les médecins mmh, ouais, ça c'est grave aussi oui. et donc Avec ça c'est pas les pauvres qui c'est ou... un vrai truc hein. j'ai connu des gens qui travaillaient dans le secteur hospitalier qui m'ont raconté ces trucs là c'est un truc de fou parce qu'en plus, ça met en danger parfois la vie des patients parce qu'en fait, on va faire des actes sur les patients qui ne sont qui pas nécessaires pas des besoin fois. parce mmh. qu'on fait un acte pour le truc et derrière, on va empocher une partie. Primum enfin, non a des, nocere, a arnaques, un acte a qui n'est pas trucs, nécessaire et forcément de zinzin, délétère. Oui. Mmh. Pardon Primum non nocere en plus, tu vois. Donc, ça, 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 mmh. ça, ça contrevient euh, non seulement à la grave. logique fiscale, mais à la logique médicale. Donc, euh, c'est vraiment à pointer du ouais. doigt, à double titre. Et Oedem qui dit Ah bon, bah oui, j'ai entendu ça à propos de l'hôpital de Bastia. Apparemment, euh, il voilà, y a des gens qui font des trucs sales. Après, je n'ai pas, pas cité de nom ou quoi que ce soit, mais, mais j'ai entendu des histoires vraiment, vraiment sales de euh, chirurgiens, de médecins qui euh, demandent des actes, en fait, et même demandent des opérations lourdes qui vont du coup coûter cher. Et après, ils font une opération moins lourde et ils empochent la différence, en fait. Ce genre de choses. Des, des, des arnaques comme ça, des, des, des scams dont on parle, en fait, très peu, mais qui sont réels. Parce que c'est vrai que personne n'a envie de taper sur les médecins. Euh, ou quoi que peut-être certains ont envie de taper sur les médecins. Mais vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas le métier sur lequel on va taper le plus vite. Ils se plaignent en plus d'être trop pauvres, etc. Mais tu as des médecins et qui font dit... des dingueries, et des saloperies, vraiment. On ne hein, désigne ouais. jamais, genre quand ils font grève pour avoir une revalorisation du euh, prix de la consultation. Euh, et encore, ce pas les généralistes qui sont le plus à blâmer. Hein. Mais, euh, et là, par contre, jamais les journalistes euh, les désignent comme une prise en otage, tu vois. Les grèves euh, bah, d'une catégorie socioprofessionnelle proche de la leur. Mmh. Hein. Euh, alors, euh, Marski, du coup, oh, oh, tu, tu comprends pourquoi la première partie de ta phrase est doublement fausse. On vient de l'expliquer Les pauvres égalent quelques milliards de fraude. C'est pas quelques milliards et c'est pas euh, nécessairement du fait des pauvres. Donc, mmh. voilà. Histoire de rétablir un peu de vérité. Aurel. Excusez-moi, les, les gars. Sans parler des labos pharmaceutiques, hein, pardon, Aurel. Mais les labos pharmaceutiques aussi qui surfacturent les médicaments et tout, on peut aussi parler de ça, mais bref. Bref, euh, euh, oui juste euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que le modèle euh, De Cuba il est intéressant Les médecins euh, au SMIC Comme tout le monde bah, En tout cas Je connais pas le médecine, détail mais on a des ils choses ont de à apprendre, très bons tout, médecins ça, sûr, hein. Ils ont une des meilleures médecines au monde apparemment D'ailleurs euh. ben, ils ont envoyé leurs on... médecins Pendant la Covid un peu dans toute l'Amérique du Sud Pour aider les pays euh. Dans le monde entier hein. Les médecins cubains sont toujours les premiers à aller sur une catastrophe naturelle Dès qu'il y a besoin d'eux de... ils sont là hein. J'aimerais quand même avec... un petit truc, euh, bon, parce que là, je suis en train de regarder les chiffres du PIB mondial. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était euh, peut-être 2018, 2019. Euh, après les Panama Papers, il y avait les Pandora Papers. Donc, euh, à l'échelle mondiale, on a pu, pas estimer, mais deux fraudes avérées, donc sans tout connaître, on avait avéré 13 000 milliards. De et fraude là. fiscale à l'échelle mondiale. Le PIB mondial à cette époque-là il était de 80 milliards. Et ça, c'est juste. 80 ce 000 milliards. De quoi 80 000 milliards. Le PIB mondial était que... de 80 000 milliards. Tu as dit 80, 80 milliards, milliards. c'est pas la même oui, chose. 80 000, oui. 80 000 milliards, oui. 80 000 milliards. Sur les 80 000 milliards de PIB mondial, il y a Obama, 20%, qui sont. De la fraude, de la fraude fiscale, que... sans parler en plus, avéré, parce qu'effectivement, on ne parle pas du shadow banking, on ne parle pas de, de tous les aspects sombres et absolument inconnus de ça, sur lesquels on n'a aucun contrôle. Oui, parce que le, le shadow banking, c'est aussi Papelle. tout un lore. Hein, voilà, mais bon, ouais, les dépendants de Rawpapers, ce n'est pas tous les groupes de sociétés offshore. C'est ouais, juste, oui, juste, juste, juste un truc une petite ouais. partie. Donc, euh, il ouais. y a un moment, les gens, il faut arrêter de vous voiler la face, que ça soit à l'échelle mondiale, que ça soit à l'échelle française ou quoi, c'est toujours pareil. Les vampires, mais, les parasites, Il y a largement de la société, assez de ressources, d'argent, de nourriture, de bien. logement pour tout le monde. C'est simplement mais, une volonté euh, d'en provoquer la pénurie et l'accumulation délirante de l'autre côté. Non, et mais d'ailleurs, l'ours, les gens dont tu parles, tu vois, qui ont mis ces 13 000 milliards dans les Pandora Papers, dans les Panama Papers, etc. Au final, Macron, les gens qu'il défend objectivement, c'est cela là C'est pas pour rien qu'il était à Rothschild. Tu vois, à Rothschild, il faisait quoi il travaillait bah, il pour ces gens-là. Il est il il était était devenu riche grâce à ça. Tu vois donc évidemment que maintenant qu'il est au pouvoir, il sert ces gens-là. C'est évident. C'est juste ça crève les yeux. Et, et quand et bien toute même ce serait politique pas, politique s'explique par ça. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Quand bien même ce serait pas un système de euh, renvoi d'ascenseur, une fois que tu passes du privé au public, euh, du pantouflage au plus haut niveau de l'État. Euh, quand bien même ce, ce serait pas ça, il y a quand même une. Euh, une praxis et aussi bah tu vois une mentalité induite par la pratique de, de travailler que dans des banques d'affaires pour des ultra riches en se blindant soi-même quand même pas mal au passage même si on ment pas mal sur son patrimoine hein, on se souvient euh, et, euh, et, et simplement bah voilà évoluer dans un, dans un milieu un peu en vase clos où tu ne connais que des milliardaires finalement donc et par contre tu vas administrer la vie euh, de, euh, de dizaines de millions de de smicards ou pas loin on moins... ne sait ni bord de la ville, l'exemple opposé de Robert Desbois. quoi. Il prend pauvre pour devenir riche. Ah ça, on, on le savait, Daywan. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui, tous les jours, sur les, sur les marchés, et ce n'est pas fait. que des grands financiers, nous prêtent. Ça peut être effectivement la Banque Centrale, mais ça peut être aussi des institutions financières, etc., qui nous prêtent. Et qui nous prêtent elle parce qu'elles qu nous font par qui confiance. Non mais, non, mais de si. La dette Covid, elle est détenue par qui Mais il n'y a pas une question. de la Elle est détenue par. La Banque Centrale. Attends, attendez, attendez. Elle est détenue par la Banque Centrale Européenne. C'est quoi la Banque Centrale Européenne Elle est détenue par des tas d'investisseurs, que ce soit la Non, 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 La dette Covid, je crois qu'il y a peut-être quelques années. La dette Covid, allez. Mais au 3/4 ah, même, en parlez tout à l'heure Kelly. Plus je pense, c'est ouais, si si dû par la Banque centrale européenne. De... Donc, Donc, Donc la Banque centrale européenne, monsieur, c'est quoi C'est oui, je... l'ensemble des banques vois, nationales. À peu près Donc près en fait, c'est la banque qui refonde la dette Covid, bon. vous savez par non. qui elle est détenue par nous, par la France. Ah. Donc oui, effectivement, Donc, ça marche mieux pas pas parce qu'on est en train de comprendre votre raisonnement et dites-nous sur tout comment on fait pour régler ça. Et c'est ce que propose monsieur Girot, mais je l'entends, à la limite ça fait sens. Mais nous on pense que c'est une mauvaise méthode, c'est d'augmenter les impôts. ce que monsieur Girot pointe Vous avez dit il faut aller chercher les niches fiscales. Mais en fait, réduire les niches fiscales et je dis pas que c'est très léger. Voilà, là on essaie de faire peur de oui, vous voyez si c'est l'FIFI, ils vont vous prendre votre argent. Le prendre à qui en fait Est-ce que vous êtes concerné par euh, euh, les gens qui euh, qui euh euh, se verrait avoir plus de prélèvements ou plus de participation au budget de l'État. Ça c'est vrai, c'est pas toujours très lisible. Ah, mais, 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 mais je le reconnais, mais ça c'est de la faute de tout le monde, hein. gauche comme droite. Et non, non, mais personnellement, ça. je suis pas. Non non non, mais peut-être. Pe peut je voulais que je, je... je vous l'explique. Oui. Euh, et, 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 et ça c'est. Ouais, si tu considères que euh, François Hollande c'était la gauche, euh, bon, on te renvoie chez Badmulch, mec. Hein. Augmenter les impôts. Et ben nous nous pensons qu'il faut pas augmenter ça. Non non non. Homme de paille, il a pas. Là on fait ce que nous avons commencé. Je juste... arrêter de faire cadeau. D'exonération euh, de euh, cotisations et d'impôts, c'est pas augmenter les impôts, c'est rétablir la normalité. C'est pas toujours simple. Je suis d'accord, mais on fait ce que nous avons commencé à faire, ce que le gouvernement a commencé à faire au mois de février et au mois de mars, c'est-à-dire effectivement euh, faire attention en, en faisant des moindres dépenses sur un certain nombre de dépenses qui sont un peu, un peu effectivement pas toujours efficaces. Euh, je prends les Pour pouvoir continuer d'arroser de milliards les régions. C'est pas toujours les... simple. Par exemple, la franchise des médicaments, c'est pas très populaire d'expliquer de refuser leurs milliards, l'occurrence. On va, je, je, je prends et donc d'abord. Enfin, donc euh, vous, vous avez décidé de chercher l'argent sur les de moins douloureux, maladie sans chômage non, pas c est, c est, il faut que ce soit le moins douloureux possible je prends cette mesure parce qu'elle est le moins pas... douloureux possible pour les riches c'est pas des formes populaires. Bien sûr, mais il faut avoir le courage aussi d'expliquer ce qu'on fait. D'abord, on préserve ceux qui ont des affections longues durées. Donc, je rappelle, il y a des systèmes de double franchise. Donc, pour ceux qui ont des médicaments. Oui, vous vous en donc, on, je vous Attendez, est... je vous explique, monsieur Guillaume. C'est pas son. à vous, je vais d'expliquer. Bah, C'est oui, à ceux qui nous. Peut-être que toi qui nous entends, y a une affection longue durée, tu vas pas crever tout de suite. Ce sera d'abord les autres qui vont crever. Et dans six mois, on refait une réforme où toi, tu crèveras. Écoute, bah, on a vu la logique. Ceux qui ont effectivement acheté deux, trois, quatre fois dans l'année des bonnes de médicaments, une franchise qui n'avait pas augmenté pendant huit ans. 8 ans. Si tu veux dire un truc, tu Kali Arrive en courant pour mettre pause. Où tout le monde comprend qu'il qui n'existait pas à un moment donné. Hein. Non, mais qui <laughs> n'a pas augmenté pendant 8 ans. On peut se mais poser vous voyez, la question si on peut passer vous voyez, de 50 000 à 1 euro. C'est ça le point. Donc on regarde effectivement alors, comment que ce soit le moins de l'euro pour... vous rassembler, non, là, Majorité parce opposition, c'est la proposition du Modem sur les super profits. Oui, alors ça oui, c'est vrai. Mais là, j'entends. moi, moi ce que j'entends, ça serait à sorte de rire si c'était pas aussi grave pour les Français ce que vous disiez. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de pinailler sur les boîtes de médocs qui cacheraient dans leur, etc., les, les, tel ou tel médicament, etc., alors que moi, je vous dis, il y a 140 milliards d'euros qui sont disponibles. Et quand vous me dites, euh, euh, monsieur. Bruno Le maire a dit, c'est pas open bar, hein, aujourd'hui, sur les médicaments. Open bar, 140 milliards d'euros. Ah non, 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 euh, sur les boîtes de médicaments, il a dit aux Français, c'est pas, pas open bar. Vous, vous faites une bien. confusion, mais d'ailleurs, je non. pense que vous faites exprès. Vous dites, si jamais il y a moins de niches fiscales, c'est augmenter les impôts. Non, monsieur. Un crédit d'impôt, c'est pas une augmentation d'impôts. Si. C'est quand même open bar, du coup, sur euh, ce que vous générez comme production si vous êtes salarié et euh, sur euh, le peu de filet de sécurité qui vous restait si vous êtes privé d'emploi. Que l'État, à un moment, décide volontairement à la fin, pour une boîte. Mais attendez, le crédit impôt recherche, qui est la première niche fiscale de ce pays, avant que le CICE ait été balancé dans la sécu sociale et qu'on fasse financer le CICE par la TVA des Français, hein. bon, 60 milliards d'euros. Bah, avant de faire ça, mais le, c, le, le crédit impôt recherche, il profite à qui Il profite au boulanger du coin Non. Est-ce que vous avez des fleuristes qui touchent le crédit impôt recherche Non. Est-ce que vous avez des PME qui touchent le, le crédit impôt recherche Non. D'ailleurs, on avait proposé à l'Assemblée nationale de recentrer le crédit impôt recherche juste sur les PME. Alors c'est qui C'est les grandes boîtes. Euh, notamment Sanofi. Sanofi, qui touche des milliards d'euros du crédit impôt recherche pour ensuite licencier des salariés dans la recherche. Il y a eu des mobilisations à ce sujet au dernier quinquennat. On, on a cas. compris en votre cas, en fait, proposition. Non, mais vous voyez, ce qui est fou, ah, c'est que... Ben, T'as vu qu'Ali il dit bien tous les trucs qu'on avait résumé avant Et il arrive ouais, à le oui. résumer sur un plateau de télé face à, euh, face à un macroniste Et un journaliste qui a pas spécialement l'air De vouloir lui passer les plats non plus Et tout ouais. ça en moins de 10 minutes je trouve que c'est beau ouais, Venez-en ouais, à la proposition du modem édité... Tout ce que vous en pensez avant d'entendre Louis Marguerite sur les super profits. Est-ce que taxer les super profits bon, Vous n'êtes pas contre à la France Insoumise Ah ben on l'avait proposé oui. d'ailleurs, on l'avait proposé depuis longtemps. Les oui, profits tout court euh, d'ailleurs, mais euh, c'est euh, un autre euh, débat. Mais déjà les super profits, parce que si vous voulez, il faut, faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, vu que l'argent de la TVA il a été balancé comme ça à moitié dans d'autres dans d'autres sujets que celui du budget de l'État, qu'est-ce qui reste à l'État français pour se financer Il reste l'impôt sur les sociétés. Vous êtes dépendant en fait d'une situation ou justement les super profits des entreprises, les dividendes, les bénéfices qui ont été versés comme jamais auparavant, vous permettent aussi en fait mais ces super profits sont faits sur le dos des français hein Je veux dire c'est pas c'est pas c'est pas de l'argent, il y a pas d'argent magique hein Donc donc vous bénéficiez de cette situation pour engraisser les caisses de l'État, mais vous rendez pas cet argent non, aux français. Non. Non. Alors si super profil, non, oui, marguerite. les super profits en une minute parce qu'on arrive pas. En un une en minute, minute simplement. Il y a il y a un sujet sur ce qu'on appelle les rentes, inframarginales, je je veux pas être excessivement technique mais sur les énergéticiens. Je rappelle qu'on a été un des pays à avoir poussé à pousser ce sujet-là au niveau européen et effectivement elle a rapporté moins que qu'on pensait. donc moi je suis ouvert à ce qu'on ait une discussion sur l'assiette, c'est-à-dire augmenter ce là en revanche, d'une manière générale, les profits des autres entreprises, d'abord, il y, y a une grande partie de ces profits qui ne sont, sont pas réalisés en France. Et comme, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays européens, ces taxes ne rapportent jamais autant que ce qu'on imagine qu'elles rapportent. Donc moi, je pense que c'est... C'est la, 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 fa la, la, faire... la fausse bonne idée oui. du moment. Et par ailleurs, moi, je précise, vous mettez Les super vous, vous, profits, c'est la fausse bonne idée du moment. En tout cas, on pourra avoir ce débat. Mais en tout cas, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent... que... La majorité n'ira pas vers ça, selon vous On aura cette discussion. Ça fait débat au sein de notre majorité. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et pour une raison simple, c'est que vous jetez en pâture certaines des entreprises. Qui il y, y a 10 ans, pas bah vous spécialement, mais certains de vos amis, et qui il y a 10 ans n'étaient pas en situation de dégager des profits, donc moi je... ça fait c'est le deuxième coup qu'il dit pas vous spécialement, mais je suis quand même content qu'elle dégage des mmh. profits maintenant alors qu'elle pas. non de pas ça ne de vous parlez des non vous je parlais de bénéfices mais... Mais, 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 mais rien mais... à voir ça ne Sanofi. vous êtes pas de dire on va faire des profits parce que je, je trouve ça très parlant on serait très content qu'ils réalisent encore plus de profits si on les taxait de façon équivalente Voire, étant donné que la conjoncture est plus compliquée, justement, est-ce que quand la situation est compliquée, on ne pourrait pas demander un peu plus d'efforts aux entreprises et faire s'adapter, là, un coefficient multiplicateur à eux plutôt qu'à nous Comme exemple, non. vous êtes en train de dire sur on les fait, de médicaments des vois, gens vois, qui le cachent le dans leur. On partage et on rétribue, tu vois, en mode euh, chacun selon ses besoins. Euh, ouais. évidemment les gens qui sont pauvres on les voit ouais, moins les, les, les frapper que euh, les entreprises multimilliardaires qui ont fait des turbo-profits records comme on n'en a jamais vu de l'histoire tu vois effectivement je pense que chacun selon ses moyens peut contribuer tu vois un truc équilibré mais effectivement là tout le poids est sur pour aller parler vite la classe moyenne en réalité sur les plus pauvres hein. en réalité c'est sur les 50 les plus pauvres que, que le poids se, de, de ces baisses d'impôts et tout va se va, va chuter sur les gens oui, mais qui sont Vizio, dépendants vous allez du faire public, fuir les sur les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une, une assurance chômage sur les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une assurance maladie c'est eux qui vont prendre cher n'est pas les entreprises milliardaires ça c'est évident donc euh, le poids est atrocement mal partagé d'une injustice Rare en fait. Oui, mais ne serait-ce que demander à ces courageux capitaines de cordée ne serait-ce que de payer un euro de plus, Et eh bien, c'est odieux, c'est odieux pour eux. C est, c est ils ne le supporteront Honteux. pas. Ils ne le supporteront pas, et vous savez ce qu'ils vont faire, monsieur Vision. Ils vont partir de ce pays avec leurs bons capitaux, avec leurs bonnes industries, avec leurs bons emplois. Ils arrêteront de vendre des médicaments en France. Ils ne vendront plus d'alimentaire en France. Ils ne le vendront que dans les autres pays. Et nous, nous n'aurons plus à manger. À cause de vous, monsieur Vision. Ça me semble assez, une perspective assez probable. Bah, ouais. Oui des ah, gens qui cachent dans leur travail parce qu'ils en ont deux. On mélanger les deux soucis, on, va, ça on, va, ça on va faire des économies là j'expliquais Mais une dépense contre. qui est pas à difficile à Le premier Oui, je t'entends crier au ouais, mais, mais, mais 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 attends, euh, mais tu dis ils partent vont partir. Alors déjà qui part Déjà la porte ouverte. Dire c'est pourquoi parce qu'ils partiront pas avec les employés, ils partiront pas avec la force de travail français, ils partiront pas avec les machines. Partiront pas avec les, les entreprises. Ah, avec si les on entreprises, les laisse faire, ils partiront avec les machines, si. Mais... Eh ben, tu sais quoi, on les tirera avant de partir. De toute façon, on les reconstruira. On n'a pas besoin d'eux parce que les travailleurs français, ils ont besoin que des travailleurs français pour survivre. C'est eux qui ont besoin de nous pour survivre. Et tu sais quoi, à la fin, nous, on a des. Qu'ils ont qu'à partir, tu sais quoi? Parce que nous, on va, on, va, on va négocier des conventions fiscales avec les plus grands pays du monde, surtout d'ailleurs les, les pays où ils vont s'exiler. On va leur tordre les bras et on va leur exiger à ces pays à ce que, déjà, ils, ils leur fassent payer des impôts et que la différence des impôts qu'ils ne payeront pas par rapport aux impôts, et nous, ils seront obligés de les payer parce que le moindre pays où ils changeront, le moindre endroit où ils iront, on leur fera. Une. Ok, Mélenchon. Une, de, de Interpol. Et ils seront recherchés dans n'importe quel pays du ah, monde. Ce qui est sûr, c'est que tu pourrais geler Interpol. leurs avoirs et les empêcher de euh, euh, démanteler leurs industries s'ils veulent, euh, veulent partir ailleurs. Que le milliardaire, la personne physique, s'en aille, ok. Mais il partira ni avec ses, euh, ses milliards, ni avec ses infrastructures. Et quand bien même il y arriverait, bah, je sais pas, oui, il faudrait, bah, avec euh, les, les pays où il, euh, il voudrait euh, délocaliser, bah, réajuster par. Euh, par je sais pas des droits de douane supérieurs par exemple si le mec il délocalise ce qu'on produisait en France pour le produire moins cher pour le réexpédier ré chez nous il y a moyen fiscalement de faire d'autres choses non, même non. la vérité c'est que de toute façon si les patrons se mettaient en grève demain tu vois, quand, quand le, les cheminots se mettent en grève c'est une prise d'otage hum. si demain les patrons des grandes entreprises les capitaines d'industrie les premiers de cordis se mettaient en grève personne ne ferait la différence en fait ça, ne, bah, ça que que aucune en... conséquence si, peut-être que, que les ça... travailleurs continuent à travailler les patrons ne servent à rien au fond comme le bah. dit Aurélien on dépend c'est la prise de, de décision, est pas, tu, est, vois, tu vois, mais justement, Calima, au-delà, peut-être que même les entreprises fonctionneraient mieux si les patrons se mettaient sans en doute, grève et que doute. les gens autogéraient leur production, tu vois, à leur place, plutôt que d'obéir à des directives absurdes. Je dire, même s'il le faisait, tu vois, en mode ⁇ ça y est, demain on fait une grève ⁇ on ne le verrait pas, tu vois, on ne se rendrait pas compte en fait, on serait en mode ⁇ ah bon, faites la grève ⁇ bah, en fait c'est comme d'hab, quoi. Genre vous arrivez au bureau à 16h, euh, ça ne se fait pas oui, fa différemment. Bernard petits, Arnault, en fait, il conduit pas un train, euh, il n'est euh, il pas maraîcher, euh, il n'est pas transporteur routier, en fait il ne va rien paralyser du tout, tu vois. Il est dispensable, c'est le mot. Euh, ⁇ Islamo-gauchiste Voilà, meilleure réponse, recte. On va voir si ça va être la réponse finale euh, de ce député macroniste. On va, avoir... On va faire des économies. Mais par une contre, dépense qui est un peu attendez, plus difficile à faire Par contre, le premier fabricant pharmaceutique qui touche des milliards d'euros d'argent public, lui, vous n'allez pas lui demander un seul centime. D'effort fiscal. Vous voyez, c'est ça la différence entre vous et moi. Je avec des des moi, avec cet argent, je les Oui, non, mais euh, ils payent des impôts, ils en payent finalement. Est-ce qu'ils en payent euh, plus qu'à l'époque où ils réalisaient des profits moindres Et est-ce que là, vous allez leur demander un effort supplémentaire Ah, ben bah, ils payent des impôts. Bah, les gens, ils payent des impôts tous les jours. Les ça gens, paye ils payent, payent la TVA tous gros. les jours. Les gens, ils payent l'impôt ils payent, euh, sur le revenu tous les ans. Ils payent... Euh, euh, il paye des impôts fonciers, il paye euh, tout un tas de choses aussi. Est-ce que euh, vous allez dire, ah bah les Français, ils payent déjà des impôts, donc il est hors de question de leur augmenter... Euh, alors, si, mmh. parce que, ils te disent, il leur hors de question d'augmenter les impôts. Mais en tout cas, l'effort, on va le faire supporter sur eux. Par contre, on ne va pas le faire supporter sur euh, euh, l'entreprise qui euh, génère 1000 milliards de bénéfices. Bon, est pas écartant, bien, pas je gens, vous avez. De mais payez des gens ceux qui qu ont demandé qu on qu de faire des efforts. Ne faites pas croire ceux aux gens ne payent pas d'impôts. Ne faites pas croire aux gens qui ne payent pas d'impôts. C'est la remise milliardaire de la mission des c'est-à-dire des niches fiscales. Merci, messieurs. Ils en payent étonnamment peu grâce à vous, grâce à vos règlements, grâce à vos cadeaux, grâce à vos bisous prolongés. Et ça commence à se voir un peu. Est-ce qu'on se lit cet article de Marianne, Kali ah! Il serait temps? Il serait temps, tu penses. Ouais, un article de Marianne, du coup, qui nous parle des, euh, des influenceurs, des streamers du Twitch politique français. Et alors, euh, bon, dans le Twitch politique, visiblement, il y a des, y a, y a des personnes un peu bizarres, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas sur Twitch, comme Hugo Décrypte, à ouais. ma connaissance, qui n'est pas sur Twitch. KB. Si euh, Croblant, à un moment, Artor, il était sur, sur Twitch. Euh, non, il n'est pas, euh, hein, pas sur Twitch, KB. Il y a été un moment, en tout cas. Ouais, bon. Je sais pas okay. si c'est toujours le cas. Euh, non, non, est le cas. Usuliem, il y est un peu en dilettante, tu vois. Il est plus sur des formats euh, diffusés sur YouTube à 95% du temps. Euh, et donc, on va voir le reste. On, 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 a, on a surtout ouais, un gros listing. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'en lit un chacun Je lis l'intro et après, on s'en lit un chacun Oula, flemme de lire, là. Tu la flemme de lire, lire hein. toi ouais. j'ai déjà lu plein <laughs> bah, On lit ceux qui sont intéressants. Alors, en vrai, on va rien gens... apprendre, c est, c est, tu vois ce que je veux dire, genre, on les connaît ces gens-là, enfin, on va pas apprendre des trucs avec ce... je, je me demande comment ils anglent, quel est le traitement, parce que Marianne, on, on se doute que ça va pas être ultra basé, mais... Moi, les Depuis studios, on plusieurs années, chacun, années. Ça, 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 une nouvelle génération ça, de commentateurs politiques s'empare de la plateforme de streaming Twitch pour mener la bataille culturelle en ligne. Vous êtes largués par cette galaxie numérique bon, Déjà, ils, disent pas, ils ont arrêté de dire digital, c'est déjà ça. Cette cartographie... <laughs> Concocté par Marianne, vous aidera à y voir plus clair. Avec les Alors, éditocrates. On pas vu la cartographie, mais bon. Alors bref, si, pas on, cartographie, a... il si n'y a pas de carte. Normalement, quoi, mais... on me l'a envoyé en MP. Envoyé. Je vais aller regarder. J'ai pas, pas encore de check. Avec les Parce éditocrates. J'ai trouvé le magazine, mais j'ai pas trouvé l'article dans le magazine. En fait, il a l'air d'être que sur la version en ligne. Tiennent leurs héritiers. Donc, euh, genre les héritiers de. Euh, alors, avec qui sont les éditocrates des plateaux de télé Bon, c'est surtout des, des Christophe Barbier. Il n'en en avait pas trop ouais, de on gauche. Est les hein. héritiers de Christophe Barbier et Pascal Pro, Daimon. Eh oui. Oui. Je, non, parce que je ne connais pas sur, à, la, à la télé. Quel autre éditocrate vous connaissez Enfin, quelle autre personne Éditorialiste, si on ne veut pas les appeler des éditocrates, mais. Mm. Domaine réservé des fans de jeux vidéo et autres geeks à son lancement en 2011, Justin TV à l'époque, enfin c'était la partie gaming de Justin TV, la plateforme Twitch s'est considérablement diversifiée au fil du temps jusqu'à devenir un véritable laboratoire métapolitique depuis plusieurs années déjà. Des vidéastes de toute sensibilité idéologique ont investi. Ouais, la même chose, le à, le à, la même chose là. De quoi hmm. il, il, se répète, il répète la il même chose. Il y la chose que dans le chapeau, le, ouais, tu vas relire la même chose. Donc, ouais, Donc on, on commence, commence par Dani Rase. Dani Rase, les patrons, les anti-capitalistes. Ouais. Dani les anti-capitalistes hein. vraiment, genre. Ouais, ouais qu alors aucun que titre je... va dans notre hein, ouais. camp justement, en plus, euh, à gauche, ceux qui, ceux qui les clashent, c'est toujours en mode, ouais, vous êtes des patrons, vous êtes des bling bling, vous êtes euh, ça, des libéraux, patrons de gauche, vous êtes des d'aime. » Voilà, c'est <laughs> <C> vraiment les anti-capitalistes. Genre, après, on te met pas du ring, mais c'est Dani Rase, les anti-capitalistes. C'est sûr que là, la, 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 la gauche anar et tout va péter un câble. Bah C'est sûr ça. que pour Marianne, tout le monde est anticapitaliste. Hein, euh, je... oui, oui. Ils n'ont pas dit les communistes, ceci dit. Ouais, bon. Alors, en 2022, Marianne les avait nommés au palmarès de ses trophées de fin d'année. Dans la grande famille de la gauche radicale en ligne, Dany Raz occupe une place toute particulière, celle des anticapitalistes nouvelle génération. Je Chaque de... semaine sur Twitch, à des heures durant, ils commentent l'actualité avachi sur leur chaise. Alors oh, oh, euh, nous, on, on se tient droit au moins nous. Voilà, le mépris, le mépris est non, On, a, on a juste le somme parce qu'ils parlent pas de nous dans l'article. Genre eux, ils sont pas avachi à Marianne quand ils écrivent leurs articles. Hein. Non. Mais voilà, mais Daniel est sur avachi. comité de chez. Euh, heures euh, durant. Mariage frère. L'actualité avachi sur leur chaise cigarette et vapoteuse aux lèvres. Oh bah le oui, tout sur un ton de... léger, avec des références à la pop culture et un vocabulaire aussi entre argot et jargon militant. Ah, vrai Proche ont... de la France Insoumise. Le vocabulaire. Oui, ils... oui ce... ils... sur, ils on même peut, sur on le, on peut le reste ça, du Twitch Game de temps en temps, sur des... Des... des expressions qui vont créer ou qui vont populariser. Oui. Ils Proche de la France Insoumise, il organise régulièrement des émissions spéciales, à l'image d'un live récent, Entretien fleuve de Jean-Luc Mélenchon. Ils participent à des événements politiques officiels comme aux Amphis en 2023. Fort de quelques 59 000 abonnés, très, ac Pardon, okay. très actifs sur la plateforme de streaming, ils ont récemment créé Zawa. Récemment, je crois que c'est assez vieux Zawa, pour en vrai. Hein. Une boîte de production qui leur permet de diversifier leurs cibles grâce au concours d'autres vidéastes. Ouais, c'est surtout que je ouais, c'est Cassandre, le, ou je, lis cassandre. Bah, je vais lire, je vais, je vais lire cassandre cassandre le queer. Voilà, ça, il n'est défini que par ça, évidemment. Tu vois, c'est un spécialiste voilà. de est la paix c'est un universitaire. Il s'exprime sur place. Mais voilà, bon, il est queer. Bon, il y, y en a plein d'autres en fait, mais non, on va dire c'est le seul queer de Twitch. Hmm. C'est la première recrue de le queer. Plus jeune que Dani Eras Cassandre s'inscrit parfaitement dans la bataille intersectionnelle menée par ses patrons et pour cause. Ses <laughs> patrons. <laughs> Il est le spécialiste culture queer de la bande. Mais tu ne t'es même pas renseigné! Sa spécialité, c'est pas du tout ça! De la culture queer. Alors mais ça, c'est pas. <laughs> genre, non mais tes trans, voilà, tu vas être la référence. Enfin, Qui culture... qu a, qu a fait non. des études en géopolitique, mmh. en sciences politiques, etc. Non. Il est le spécialiste en culture queer. Waouh. Alors après, ouais, tu, là, là où tu pourrais l'argumenter c'est je crois que il euh, au sein de l'FI parce que euh, Cassandre, lui, sur le coup, il est membre de l'FI, contrairement à Dani oui. Rase. Euh, il, il est euh, chargé de recherche sur aussi, des questions LGBT. est chercheur pas en culture okay. queer, donc. Mais euh, oui. bon. À la pointe des questions du féminisme et du genre. Il se la joue pédagogue sur Twitch devant un public moins important mais encore plus ciblé. 22 000 abonnés. Entre soirées spéciales pour commenter l'émission Drag Race et conseils sur la transidentité. Ah oui, on, donc en fait, quand tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il parle vraiment que de ça. Lui aussi gravite autour de la France Insoumise, parti pour lequel il coanime notamment le groupe thématique Droits Nouveaux LGBTI. Alors, euh, ouais, du coup, mmh. voilà. Au, au, au moins, il y a la justification à la fin, mais on n'a vraiment aucune référence à autre chose. Voilà, Cassandre. En vrai? Euh... Ouais, non, voilà. c'est ridicule, -ce là, ça le portrait de ans, est il tout. est pathétique. Hein, mais, est... mais en vrai, je comprends pourquoi ils nous ont pas mis. Parce qu'en en fait, ils ont besoin de gens qui rentrent dans des cases. Et du coup, ah s'ils ouais, rentrent pas dans les cases, ouais. il est force, tu vois. Donc, ils sont en mode voilà, il y a les anticapitalistes, Miss Shot, Cassandre, le queer spécialiste de la culture queer, mmh. Miss Shot, genre en plus un peu un peu euh, homophobe, quoi, si vous voulez mon avis. Euh, tu vois, genre ils ont mmh. besoin de mettre des gens dans des cases. Et du coup, en fait, beaucoup de ces personnes, elles ne rentrent pas tout à fait si dans les cases, tu vois. Le Donc, chauffe euh, de centre-gauche bon. modéré. Tu vois, ça aurait été bien. Ouais, pourquoi pas ouais, je pense pas que mais tu vois, on... je pense que <laughs> ils allaient pas tu vois passer 8 heures pour essayer de nous capter parce qu'on rentre pas vraiment, tu vois, ils allaient dire quoi en fait Donc bon, c'est en fait c'est ridicule quoi, il y a quelque chose de, de vraiment pathétique. Mais bon, on va dire le ah, Wixab, ça a l'air incroyable. <laughs> Vas-y, fais toi plaisir Donc oui oui, la saucisse. Ah <laughs> non, ils ont mis Wixab Zelka, le décolonial. Le décolonial. De Zubir, de Uriabutelja. De... Le Tant deuxième mot est bien. De Zubir, à... de Uriabutelja, à streamer pour le, le compte de e -U U Il n'y a qu'un pas. Chez Awa Prod, Wissam Gzelka complète le triptyque intersectionnel. C'est lui le décolonial attitré de la bande, même si tous ses amis ne le sont pas moins. Ils ont fait le <laughs> Ayant en fait ses classes aux côtés de la fondatrice du Parti des Indigènes de la République, le pire, il anime depuis plusieurs années la chaîne YouTube Parole d'Honneur, sur laquelle il parle banlieue et religion, fustige les racistes et ses s'époumonne contre l'islamophobie d'État. On en regardera un bout tout à l'heure. Une formule qu'il a tout simplement adaptée à Twitch. Depuis la résurgence du conflit du... au Proche-Orient, il est également l'un des plus illustres pro-palestiniens et anti-sionistes des réseaux. Oh, euh, bon. Au moins. C'était peut-être un peu plus fidèle Il y a fidèle, euh... un peu de mépris, mais. Oui, de mmh. sbire, par contre, oui. <laughs> mais au moins, y Il avait... y a du mépris, clairement. Mais on va dire qu'au moins, sur ce qui était est. Moins donné moins factuellement, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. C'est plus les formulations. Mmh. Tu vois, il s'époumonne contre l'islamophobie d'État. Et euh, sbire de Ruyaboutéja. Bon, ces formulations-là sont vraiment. Euh, voilà, quoi. Mais après, factuellement, oui, bon, il y aurait d'autres choses à dire. Mais on va dire qu'au moins, il n'y pas... a pas de trucs qui me paraissent faux. Euh, au niveau des faits qui sont donnés quoi. alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur Padu, Padu le, le coucou, coucou à, à la papa, à la papa. <laughs> lui c'est le marxiste stream. à l'ancienne extérieur à la team Zawa Prod ah ouais bah, du coup tout le monde est-ce est qu'ils sont dans Zawa Prod ou pas extérieur à la team Zawa Prod avec laquelle ils partagent la plupart des combats mais ce chamaillent tout de même parfois alors, ils ont l'air d'avoir un peu plus su parce qu'il y a eu un débat Dany mmh. euh, contre, euh, mmh. contre, euh, mmh. contre euh, Padu pas During fait du communisme à la papa, il va être ravi de l'apprendre, sur une plateforme de genoux. Son pseudo rappelle l'anti-During, un essai de Friedrich Engels, camarade de Karl Marx, donc justement contre euh, During. Euh, chaque semaine, il s'enregistre dans sa chambre pour parler révolution, lutte des classes, euh, on rappelle que c'est la chambre hein, parce qu'on voit le lit derrière, lutte des classes, grand capital ou matérialisme dialectique. Pourquoi il le met entre guillemets Ne manquant jamais de dupliquer ses live Twitch en capsule YouTube pour élargir son public et gagner en visibilité. Ouais, alors après, euh, il, il fait aussi, euh, finalement, il, il faisait de la review de gauche aussi, tu vois, le newser de gauche euh, aussi euh, sur des éléments d'actualité tout court, euh, même s'il y euh, a des fois euh, souvent une lecture marxiste, mais c'est pas genre juste Marxiste TV en fait. Euh, bon. Ce serait peut-être le seul re reproche qu'on qu pourrait faire. Non. Ah, c'est pas fini. Comme ses homologues de gauche radicale. S'aventure parfois hors de ses sujets de prédiction. Donc ils le disent. Pour taper sur ses adversaires de droite identitaire. Sa cible préférée, là ils ont un temps de retard quand même. Hein. L'essayiste et youtubeur Julien Rochdi, à qui il a consacré une série entière. Bon, on dit lui c'est un coco à, à la papa. Par contre, on ne rappelle pas. Euh, voilà, ses adversaires de droite. Tout, tout, bon. Julien Rochdi, on rappelle pas que c'était le chef du FNJ, etc. Qui oui, il est. C'est un essayiste et youtubeur. Voilà, on se contentera de ça. Nous <coughs> avons ouais. le parrain de YouTube après. C'est Usul, le parrain YouTube. Le Tchad. Que seraient les vidéastes précités sans leur précurseur Dès le début des années 2010, Usul s'est imposé comme LE créateur de contenu métapolitique de la toile. Parce qu'il ont faux. le mot métapolitique, mais bref. D'abord le site pas du .com, JVC, puis sur YouTube, en solo ou à l'occasion de chroniques dans des médias traditionnels tels que Mediapart ou désormais Blast. Lui aussi marxiste revendiqué, révolutionnaire dans l'âme, il participe tout de même à des programmes plus consensuels comme c'est ce soir sur France 5 oh, ou Baxit sur Twitch. Bon alors ce soir il a eu une fois mais bon. Ah mais par Pour contre autant... Marianne reconnaît que Baxit c'est consensuel, ça me va. Mmh, J'avoue. Pour autant ses relations avec la gauche radicale 2.0 ne s'estompent pas comme l'illustre une série documentaire à venir produite par... La société Zawa Pro de Daniel ouais, Raz, ils sont partout. Hein. Ça, ça, ça les fait réagir aussi, Marianne, du coup, ça, parce que tout le monde l'a commenté. C'est incroyable. Hein. <laughs> Alors, les sociaux traîtres, je veux dire, les, euh, on va dire les, le centre. C'est toi, Daimon, là, mais le centre-gauche. Non, mais moi, je suis le vrai centre-gauche. Je euh, Jean Massier, ouais. le Yann Barthes. Oh, oh, ça fait mal. Miss shot absolu. À 35 ans de ses 235 000 abonnés. Oui, parce que Yann et il va commenter, ça va être un commentaire co cosmétique, alors que Jean Massy, il va vraiment rentrer dans le détail. Donc, ah on n'est oui, pas avoir, sur le, genre, la même Yann orientation Barthez, politique. Rien mais avoir, vraiment. mais, mais euh, vraiment, lui, il va connaître euh, les, euh, les, euh, les, les arguties constitutionnelles euh, à l'article près, il va à chaque fois les, les rappeler. Mais Yann Barthès, il va te dire, ah oui, regarde le col mmh. de sa chemise, il est pas passé quoi. Non, mais Jean Massy, est capable de, tenir, de faire une interview politique et Yann Barthès c'est pas eu tout son cas. Donc je trouve la comparaison est insultante, en fait. Et pourtant, je ne suis pas le plus grand fan de Jean Massier, mais il faut, euh, faut, faut lui reconnaître son statut de pionnier. Il faut lui reconnaître qu'il est bon dans son exercice de, de commentaire de l'Assemblée, qu'il peut mener une interview politique de manière solide. Euh, tout l'inverse de Yann Barthès, quoi, en fait. Donc, euh, ouais. Animateur de programme grand public. Euh, donc, attendez, j'ai raté euh, le moment où il le traite de Yann, de Yann Barthès, du coup. Un peu la star du Twitch politique français, pour ne pas dire le Yann Barthès local. C'est leur référence à eux, hein. désolé. Animateur de programme grand public, il collabore en 2019 avec Hugo Travers. Ah oui, je me souviens pas ça. Et Public Sénat pour un stream consacré aux parlementaires du palais du Luxembourg. Devenir, devenu chroniqueur sur les radios du service public à partir de 2020. Il lance un an plus tard Backseat, le talk-show hebdomadaire politique de la plateforme. S'il se revendique de gauche, ah, il met de gauche entre guillemets. Il est régulièrement décrié sur les réseaux pour son côté trop lisse, Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des chroniqueurs plus radicaux autour de la table, comme Usul dont on a évoqué l'héritage numérique. Et justement. Puisque nous parlons d'Hugo Travers. Oui, Hugo Travers et Samuel Etienne, les journalistes sont en fait Samuel enfin, Etienne, coup, est ouais. sur Twitch, mais il me semble que Hugo Travers n'est pas très souvent sur Twitch, mais bon bref. Avec la popularité grandissante de Twitch, les médias traditionnels n'ont pas tardé à s'emparer parler du phénomène, de quoi pousser certains journalistes à proposer ouais, d'y créer leur propre contenu. Parmi eux, l'idole des jeunes, Hugo Décrypte, Hugo Travers de son vrai nom. Sur Twitch, le jeune journaliste décline sa recette qui a fait son succès de la vulgarisation de l'actualité, dans son émission baptisée MashUp. J'ai jamais vu cette émission en fait. Il alterne entretien et analyse grand public sur des sujets sociétaux, culturels et bien souvent politiques. Depuis quelques mois, il a toutefois déserté Twitch au profit d'autres plateformes. qui okay, on est bien d'accord. Dans un registre similaire, Samuel Etienne officie sur Twitch depuis 2020. Journaliste sur le service public, le quinquagénaire bon, bah oui, connaît vraiment. une seconde jeunesse sur le service de streaming où il effectue principalement des revues de presse en direct de chez lui. Il fut l'un des premiers invités des responsables politiques sur la plateforme. Ah oui, des grands moments, hein. des <laughs> grands grands moments de Twitch. C'est quoi cet oh, article C'est un article de Marianne sur le Twitch Game politique qui est sorti aujourd'hui. Et donc, euh, il fut l'un des premiers à inviter des responsables politiques sur la plateforme, parmi lesquels l'ancien président François Hollande ou le premier ministre Jean Castex et deux interviews catastrophiques, hein, on le rappelle. Mmh. Nul. Clément Viktorovitch, l'intello. Révélé sur CNews. Bon, en fait, il avait été révélé dès que. Comment ça s'appelait Equivox, sa chaîne YouTube. Moi, je le connaissais déjà de, euh, dès 2011. Hein. Propulsé par Canal, et désormais chroniqueur sur le service public et à quotidien. Clément Viktorovitch partage aussi sa science rhétorique sur Twitch depuis fin 2021. Sur la plateforme, l'enseignant-chercheur fait ce qu'il aime faire de mieux, ce qu'il sait faire de mieux, de l'analyse des discours politiques. S'il fait aussi partie bah, du, coup, du point de vue de euh, quels sont les éléments de langage utilisés, en quoi ils ont évolué, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, quel est le sous-entendu, etc. S'il fait aussi partie de ceux ayant amené des personnalités plus mainstream dans cette galaxie numérique, ça ne l'empêche pas d'innover lors de la présidentielle en 2022. Il avait organisé Game of Roll, les deux tours. Un jeu politique diffusé en, part en streaming en partenariat avec France Info, pour laquelle il fait toujours une hebdo de 5 minutes. On se souvient et on passe à la droite identitaire Ouais. On a commencé par Avec les, les titrailles, ils sont vraiment insupportables. Le populo, Cro-Blanc, le populo Ils oh, ont jeté un dé. Je un, un faf, mais c'est un populo, quoi. C'est vraiment c'est un truc de zinzin. L'intello, c'est Cassandre, mais ok, oui. ça ah, aurait Et été du plus coup, Zioclo est... Oui. Zio est classé dans la droite identitaire. Ouais, tout à fait, oui. Ah bon, en même temps, bon, là-dessus. Mais, euh, mais oui, en fait, l'intello, c'était Cassandre, et Clément Victorowicz, c'est plus le rhétoricien. Mais bon, mais bref, ils sont vraiment oui. nuls. Hein. Non, il est du coup, coup il, Croix, il est trop ouais. populo, hein Il est le rappeur identitaire le plus connu de l'Hexagone. Faut dire qu'ils sont pas nombreux sur les internets. croblant est loin d'être un petit nouveau. Mais depuis quelques années, en plus de sa carrière musicale, le quadragénaire trim chaque soir du dimanche au jeudi sur YouTube dans un format identique à ce qui se fait sur Twitch avec une ligne éditoriale similaire à celle du site web F de Souche. Oui, mais du coup, populo, F de Souche, c'est ça C'est pas un peu Jeu... Ouais. Ah, on a vu juste avant que le populisme en matière de chômage s'était ta tapé sur, euh, sur les chômeurs oui. en disant oui c'est à cause de vous si vous n'avez pas un gros salaire. Oui. à cause de si vous avez Donc euh, le populisme peut Donc, revertir euh... des, for des formes de droite aussi. Hein, mais... Donc si Groblin mmh. a soutenu Eric Zemmour lors de la campagne présidentielle en 2022, il ne cache pas son attachement au Rassemblement national qui collerait plus à ses origines populaires. Quand il ne parle pas immigration ou sécurité, il s'adonne à son vrai passe-temps, tacler les gauchistes. Alors, il a dit qu'il allait arrêter ça, que c'était sans lui, c'était pas intéressant de ah s'occuper ouais. des gauchistes, donc. Euh, et le RN qui collerait plus à ses origines populaires Moi, je me souviens justement dans la discussion que j'avais eu avec lui, où il nous disait Oui, non, mais justement, ma famille, on s'est élevé, et donc, moi, je crois au mérite, au travail et tout ça. C'est vrai que Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, c'est vraiment populaire, le mot qui vient oui, quand tu plus, penses à eux, eux mais, tout de suite. Il hein, oui. y, y a des gens qui croient qu'il y, y a une dimension sociale au RN. En fait, quand tu lis le programme, elle y est évidemment pas. Hein. Est, nous, on on l'a lu, il n'y avait pas eu. Les limites, le seul truc, c'était peut-être la renationalisation de, des autoroutes, mais sinon, sur tout le reste, c'était du sécuritaire, de l'identitaire. Mm. Euh... Voilà, mmh. mettre des flics partout, euh, interdire le voile, enfin ce genre de choses, quoi. Et nous ouais, avons KB du coup KB se dit ouvertement fasciste et raciste, genre c'est un des seuls qui assume, mais il est juste populot. Voilà, c'est voilà. ça, populiste. C oui, c'est ça, bah oui. Brillant, hein. Marianne, vraiment travail de journaliste de... de, et, euh, vraiment, de et Daniel Eras, les anticapitalistes, quoi. Ouais, c'est ouais, vraiment... ça, on est très bien, on est bien. On, on, très bien. on, on est très bien pour la... situer les gens sur les politique politiques. Bon, je ne sais pas s'il s'estimera bien situé Dioclo, que vous connaissez, Dioclo, qui ben, ben, était... Euh... Euh, un récurrent sur cette radio, il y a, il fut un temps. Coédition, donc il a bien se tenir. Non, il ne parle pas de moi. Vous n'avez pas le droit de faire la vanne. <laughs> sur YouTube. Non, moi j'ai le droit de faire la vanne, mais vous non. Toi, tu as le droit, oui. Sur YouTube, quatre fois par semaine. Dioclès dans le micro auprès de 30 mille abonnés de sa chaîne euh, Radio Libre. Alors, il était à 20 Ah oui, c'est vrai, il est à vingt-huit je crois, la dernière fois que j'ai regardé. Plutôt droitard, mais se présentant lui-même comme confus, hein, donc, euh, Dans son format, notamment euh, l'interview confuse. Politiquement, il invite ses amis identitaires. Ah, bah ses, a il, ses amis identitaires, en tout cas. Je ne sais pas s'il si est, est... les revendiquera comme amis. Et toutes sortes de personnalités atypiques dans ses lives. Apostas, satanistes, cannibales. Ah, bah, il a fait une émission une fois avec un cannibale, il le met au pluriel. Genre, c'est la radio mmh. des cannibales, tu vois, c'est le rendez-vous <laughs> des cannibales. La radio des satanistes <rire> cannibales, oui. <laughs> yes, Merci, Tylum, yes, pour yes, le 15e Mario. mois. Pour moi, c'est toi la radio libre, Diamond, t'inquiète. Évidemment, le micro vous est tendu. Point d'exclamation Discord et on vous prendra avant la fin de l'émission si vous souhaitez justement vous exprimer auparavant. Son programme était retransmis sur Twitch jusqu'à ce que sa chaîne soit bannie début 2023 pour apologie du terrorisme après avoir convié oui, l'activiste franco-israélien Hulkan, condamné en France pour harcèlement. Oui. Bon, je sais pas si ça, valait, si ça, ça se caractérisait vraiment l'apologie du terrorisme. Je me souviens pas du du bail. C'était mais... pour ça qu'il était banni en tout cas. Oui. J'ai pas j'ai pas vu le, le live en question donc je sais pas. Euh, nous Baptiste, nous Baptiste Marchais, Marchais. le tradit. Il a quitté la France pour les États-Unis, Et oui, le fameux tradit qui venait tradi de euh, la Le américain hein. oui. C'est vraiment le CC, seconde une, et bref. Il a quitté la France pour les États-Unis, tout comme sa chaîne Bench and Cigars a migré de YouTube vers son équivalent payant, Patreon. Pour autant, Baptiste Marchais officie tout de même sur Twitch via Radio Dixie, Dixieland dé désignant le sud des États-Unis anciennement sécessionniste. Alors, yes, il y yes, très yes, marrant des émissions de radio, n'importe quoi dedans, et c'est souvent. Il euh, y a des extraits qui en sortent qui sont, qui sont assez. Euh, Assez, comment dire. Euh, voilà. Oui, j'ai déjà vu, pas dû en commenter justement. Ouais. Oui, oui, oui. Une émission diffusée sur la chaîne d'un vidéaste bien moins connu, Le Guise. Dans ce programme, on parlait identité bien sûr, mais aussi gauchisme, arme à feu, économie libérale. En gros, des streams pour, pour adeptes de chasse à cours et américanoïdes. <laughs> <laughs> bon, le dernier mot est validé quand même. <laughs> et Raptor, ils ont mis le même titre, mal écrit, que Usul, le, le par YouTube. YouTube Qu'est-ce qu'ils ça... qu qu entendent par là en fait Qu'est-ce eh, qu qu'ils que... ont voulu dire par là le parrain YouTube, oui, ils n'ont même pas changé. Ils sont juste plantés. Il n'est pas le Alors, plus Alors, Ils de hein. Mais il fait partie de ceux qui ont ouvert la voie aux identitaires sur les internets. Les internets, déjà, j'aime bien la formulation. Après, ça, c'est. Non! C'est euh, Soral, tu vois, dans ce cas-là, la limite. Justement, bah, le oui. Raptor et les autres, c'était les enfants euh, illégitimes de Soral qui s'étaient rebellés contre leur père en disant Oui, mais nous, on va être plus islamophobe qu'antisémite, oui. et alors on n'est pas content. On plus... parle de la fin des années 2010, l'extrême droite sur Internet, c'est. Enfin, l'hégémonie de l'extrême droite sur Internet, c'est 2005-2015, ouais. quoi. Donc, ouais. euh, cet, euh, Raptor, il arrive sur la fin, de, sur la, la, la fin du truc, quoi. ça. Une fois que le chemin a déjà été bien balisé, mais bon. Mm. Donc, à la Pas fin la des années 2010, le raptor dissident rempli en YouTube de ses vidéos saccadées et satiriques sur les faits... Décidément, on aime bien les allitérations. Sur le féminisme, les bobos ou encore l'immigration, atteignant bien souvent les millions de vues. Devenu le raptor, plus dissident, doit-on penser qu'il ne lui reste rien de dissident voilà, sachant qu'en en fait, la, ah la, 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 die... Il se, ceux qui se qualifiaient de dissidents, c'était quand même des gens de droite et plus si affinités. Donc, je personnes de gauche qui se revendiquait dissident, même euh, bah, en fait, si, leur si leurs idées n'ont jamais été aussi éloignées de la politique actuellement exercée. Il a fait une brève apparition sur Twitch, mais il préfère désormais se concentrer sur ses conseils en développement personnel. On aura peut-être l'occasion d'écouter euh, Nicolas Framon sur le développement personnel tout à l'heure. Si on a le temps, faites des dons. Et son podcast 10 000 pas, l'un des plus écoutés de l'Hexagone. Notons bien sûr que la droite identitaire 2.0 contre d'autres parrains. Si l'on remonte plus loin, le Raptor n'est rien de plus. Ah bah ils le disent quand même, qu'un embryon généré par le vrai pionnier numérique de sa famille politique avec lequel oui. il a d'ailleurs failli se battre dans un octogone, même si c'est pas arrivé. Yes, Alain yes, Soral. <laughs> -mario. Et merci Habitus qui offre un abonnement à Couscousier. Yeah. Merci. Et le train de la hype approche. N'hésitez pas à faire péter un train. Est-ce que nous le méritons Je pense que oui. Ce soir, le contrat est rempli. Euh, Est-ce qu'on a trop de graisse abdominale Bah oui, mais c'est pas trop le rapport. On a d'autres trucs après sur ce sujet. Non, rien. Non, c'est fini, toi. C'est fini. Oh, Qu'est-ce qu'on pense hein. de cet article C'était pas ouf, quoi, mais. Non. Oh, C'était rigolo de voir Marianne parler de gens qu'on connaît, mais à part ça. Voilà. C'était pas incroyable. Attendez, attendez quand même. On a euh, du pas coup ouf. HP qui m'a envoyé la cartographie parce que c'est peut-être ça qui va être le mieux. Euh, tu me l'as envoyé où, HP Je vois pas, je vois un message d'Aurélien, je vois plein de messages de l'ours. Je ne sais pas ce que me dit l'ours. Son alerte LCF. Euh, attention, cette privé, émission hein. contient des peu. opinions. D'accord, oh oui, non, je, je pense que c'est pour le jingle. Et merci, oui, Shiranui, qui oh, balance une pelletée de plus en direction de ce stream, qui balance 100 bits. Daniel à, vale à toi. Non, il n'y a pas de cartographie. Ah, bah, tu m'as scam, tu m'as dit, t'inquiète, si, je t'ai envoyé un MP. <laughs> Moi, j'y croyais. Euh, qui d'autre veut conclure, du coup, sur ce sur ce papier de, de Marianne est-ce que, est que au moins le lectorat de Marianne ça a un peu l'éclairé euh, vite fait sur des trucs ou est-ce que ça a plus le biaisé que le, euh, que ouais, le perdre ouais, je sais pas je sais pas quand on te dit euh, oui euh, que Cro blanc est Populo et que euh, ouais. euh, Daniela sont anticapitalistes est-ce que ouais on définit bien les gens quoi après je, je pense quand tu tombes là dessus que tu connais aucun des noms est-ce que t'as vraiment envie de te lire tout ça et d'être en mode tu vois ce que je veux dire c'est genre c'est je crois qu'il n'y a que les gens qui connaissent ce milieu qui vont aller regarder l'article. Je ne sais pas, si ça va parler à beaucoup de gens qui connaissent rien. Tu vois. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir, qui vont être en mode curieux. Va dire, oh, je vais aller écouter, je vais aller chercher des chaînes qui me tu vois, qui semblent leur correspondre. Mais bon, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je Après, pas on a encore beaucoup chimère, de choses à regarder. Ouais. Donc, euh, est-ce qu'on est qu n'avancerait pas au truc de Wissam pense On peut avancer. L'ours avait un dernier truc à dire en, en, en une seconde. Mais je disais, tu as, as parlé d'une chimère, le lectorat de Marianne. Tu es sûr que ça existe ce truc-là ah, ouais, il vient, euh, on ouais, il peut il se poser il effectivement Marianne. la question euh, Juste en entrefilet Donc l'Assemblée Nationale qui adopte un texte Contre yes, la discrimination yes, capillaire J'espère qu'on ne fera plus de blagues sur les chauves Merci à Ishton qui offre un abonnement à Julien Drazen Daniel toi, merci beaucoup Et n'hésitez pas à faire continuer ce train Ce train doit vivre euh, donc, euh, c'est principalement par rapport au travail, euh, notamment, euh, il vise à empêcher les employeurs de contraindre leurs salariés à lisser leurs cheveux pour dissimuler leur coupe afro ou à cacher leurs tresses ou dreadlocks. La proposition de loi veut ajouter à la liste des discriminations passibles de sanctions pénales, celles relatives à la coupe, la couleur, la longueur ou la texture des cheveux. Eh bien, c'est précis, et sachant que ça doit encore être examiné du coup par le Sénat. Ouais, c'est bien. Ah, on a aussi... Il parle des hommes chauves. Le député a évoqué les femmes noires qui se sentent obligées de se lisser les cheveux. Moi pas trop, du coup. Ayant avant un entretien d'embauche, les personnes rousses, victimes de nombreux préjugés négatifs ou les hommes chauves. Par, par contre on va faire quoi du coup Genre, Parce qu'on on va nous dire Ouais euh, c'est pour les gens qui nous forçaient à porter des perruques. Je sais pas si ça existait ça, mais... En disant non, euh, si es chauve, ça, tu vas faire moins de ventes. Je ne sais pas. Mmh. Est-ce que si je suis chauve, je fais moins de dons Peut-être ça ah. joue, ça, hein. Est-ce que vous me feriez plus de dons si j'avais des cheveux Vous pensez Vraie question. Euh, alors, il faudrait un monde parallèle ou avec un diamond chevelu pour voir. Moi, je pense que oui. Et donc, toujours en entrefilet, nous avions une loi euh, pour espionner les smartphones. Le Sénat a l'air d'être plutôt euh, d'accord pour activer à distance les caméras, les micros des téléphones dans le cadre de certaines enquêtes qui s'y opposent. C'est la gauche, en l'occurrence. Euh... Alors quelles sont les inquiétudes C'est que la loi prévoit d'autoriser le déclenchement, donc à distance, des ordinateurs et autres appareils connectés, pas que les smartphones, à l'insu des personnes visées, avec deux finalités différentes. D'une part, la géolocalisation en temps réel pour certaines infractions. D'autre part, l'activation donc micro-caméra pour le... capter son image, qui serait elle réservée aux affaires de terrorisme et de délinquance ou criminalité organisée. Alors, la délinquance organisée, en fait, ça, ça peut être assez large parce que la délinquance, il y a plein de trucs qui sont considérés comme la délinquance mmh. qui sont pas forcément ultra graves. Je sais pas, si tu t'organises euh, euh, pour euh, pirater des séries et que t appelles tes potes pour leur dire « Ouais, j'ai un nouveau site de streaming et tout », on peut te mettre sur écoute Ah, délinquance. Organisée, puisque tu t'organises avec des potes. Mmh. Et mmh. ouais, yes, mmh. est yes, physique, yes. Physique, et euh, merci notre Clear pour le 21 e mois. Quelle fidélité. Merci à toi pour le soutien. répété, Daniyavad. Le gros problème qu'il y a là-dedans, c'est que c'est totalement arbitraire, sans le sens où ah bah, si tu as si une opinion politique à contre-courant euh, de l'opinion majoritaire, enfin de l'opinion d'État, euh, ouais, potentiellement tu peux être un danger. Donc euh, on devrait être mettre sur écoute. Putain, mais on, ah, euh, on est dans 1984, c'est un truc de ouf. Orwell l'a dit littéralement Orwell. Alors, et la justification, je l'aime bien. Ces techniques sont déjà appliquées, a souligné le ministre. Euh, alors, en l'occurrence, c'était quel ministre J'imagine de l'intérieur, donc j'imagine ça doit être Darmanin, Darmalsain. Mais elle nécessite la pose de balises ou de micro-caméras, ce qui comporte des risques pour les enquêteurs. La disposition est entourée de garanties importantes, a-t-il ajouté oh, Vous inquiétez pas du coup. Sa mise en œuvre devra en particulier être approuvée par un juge. Donc euh, voilà, en fait, oui, on mais avant, assuré, en, en fait, alors. on mettait déjà des gens sur écoute, donc euh, bah, fe, fe, faisons en sorte qu'il n'y ait même plus besoin de, de poser des micros. Euh, du coup, maintenant, euh, directement, on vous pirate vos appareils. C'est euh, logique en vrai, hein. c'est toujours la même chose de dire voilà, euh, finalement, on a déjà violé votre vie privée par le passé, donc pourquoi ne pas nous donner les moyens, moyens de, de la violer encore plus C'est <laughs> ça en fait. Eh c'est déjà comme ça de toute ouais. façon. Donc, euh, voilà. Ah ouais, et puis oui, du coup, la gauche qui s'interroge aussi pour les journalistes, parce qu'on a vu des, des journalistes qui ont été euh, reçus que... par euh, des, euh, des services de police euh, par rapport à leurs articles, où on les sommet euh, de donner leurs sources, et du coup, on va les mettre sur écoute pour avoir leurs sources. Ça, c'est une dérive dangereuse aussi. C'est assez zinzin en vrai. Hein. Est-ce que ce monde est sérieux Vous avez trois heures et deux copies doubles pour nous donner votre opinion sur le sujet, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on se met On va mettre c euh, Citizen Sleeper en fond et on va pouvoir écouter la vidéo de Oui Oui. Est-ce que c'est ce qui était prévu Oui Oui qui répond aux gens comme moi. Enfin, euh, je m'estime que très modérément de gauche, donc euh, peut-être c'est pas directement moi, mais sur cette antenne, régulièrement, bah finalement, c'est moi probablement qui suis euh, le sioniste de l'antenne. Juste parce que je ne souhaite, souhaite pas qu'il n'y ait jamais dans l'histoire d'état euh, euh, juif. Bon, idéalement, il faudrait qu'il y ait. Euh, enfin, idéalement. Est-ce que il euh, y a besoin qu'un État soit religieux Mais puisqu'il il y a déjà des États religieux, pourquoi euh, a la seule religion qui n'aurait pas le droit d'avoir euh, un État ou à les religions d'État euh, ce serait Après, le là, c'est pas vraiment ça voilà. la question. C'est plus le comportement de. Tu vois, c'est pas comment dire. La question de est-ce que un non, État mais moi, juif, mon sionisme, sionisme ou pas, ça reste elle, là. Elle, elle, Pour moi, elle est même secondaire. En fait, c'est peu importe, tu vois, le type d'État, euh, c'est interreligieux ou pas. La question, c'est comment se comporte cet État. Voilà. comment moi, qu est qu'est-ce qu'il fait tu vois, activement Tu vois, qu'est-ce que politique Moi, je ne pas postule pas. Contrairement à d'autres, je ne postule pas que un État juif serait forcément euh, colonisateur, euh, asservirait ses voisins. Non, mais, bien sûr, mais ça, Raciste, on est d'accord. Mais ça, personne ne euh... dit ça en fait. Personne ne dit bah, ça. En l'occurrence moi j'ai entendu Israël, des discours comme ça en me disant ben bah non, est... non mais non mais est colonialiste est tout ça donc c'est pas tu vois la question du fait que ce soit juif n'a rien à voir dans le truc pour moi hein. c'est même si certains Israéliens se revendiquent effectivement de la judéité bien sûr et vont te dire on a, comme l'autre disait là euh, on a écouté l'autre jour des extraits de 24 News un mec qui disait on avance en tant que juif qu'est-ce que ça veut dire en fait il y a des juifs qui considèrent que justement la chose juive à faire entre guillemets c'est d'être contre cette politique donc en vrai ouais. La judéité, tu vois, euh, chacun la voit un peu à sa porte et chacun s'en revendique pour justifier des choses ou des autres. Donc, pour moi, le débat, il n'a jamais été de est-ce qu'un État juif a le droit d'exister C'est plutôt est-ce qu'un État suprémaciste, colonialiste, qui fait une guerre et qui tue des milliers d'enfants, a le Là droit d'exister C'est ça la, la réalité. C'est pas la question du, du juif ou pas. Évidemment, mais euh, je, je sais que j'ai déjà eu des discussions euh, plein de fois répétées où euh, je disais non mais oui mais évidemment je vomis la politique actuelle de l'État d'Israël et on me répond oui non mais Israël ça a toujours été plus ou moins comme ça et ce sera toujours comme ça et donc non il faut pas qu'il euh, qu y, euh, qu y ait un État juif parce que forcément ah, j'essaie de, de résumer donc forcément je leur fais un peu un homme de paille parce que c'était un plus malais. Ah, écoutons développement, la vidéo de Wissa, mais... mais voyons ce qu'il dit puis on verra sur quoi on est d'accord pas d'accord. et, et ben bah moi on... je serais d'accord on... avec rien du tout j'ai décidé. Bah, je vais clasher Wissam. Oui, je suis le. Je, euh, voilà, j'incarne le sionisme de centre-gauche modéré. Aujourd'hui. Voilà. Respectez-moi. Euh, du coup, là, le son est un petit peu fort. Attendez, je vais le baisser derrière. Les configurations différentes. Ah non, c'est parce que c'est sur euh, un PDH. Et du coup, ouais, on utilise, c'est bien, on utilise des bons micros. On utilise des micros euh, du peuple euh, sur PDH. Au moins, je peux reconnaître ça, même si je vais, par principe, être en désaccord avec tous les arguments. Euh, c'est un XM8500 de Behringer qui, euh, voilà, c'est ah ouais. euh, un clone de SM58. Un, je croyais que c'était un SM58. Non, justement. Ça ressemble à un SM58, mais moi, je, comme mmh. je l'ai là, tu vois, c'est euh, le même micro. Et je ça, si ça coûte... Le SM58, euh, c'est le micro du peuple, on est d'accord. Bah, non, le micro, euh, le SM58, il coûte 100 balles. Ce clone, Ça à l'époque, il coûtait 15 euros. 15 euros. Ah, un micro bah, là, à 15, 15 euros le... les gens. C'est le micro euh... des pauvres. Mais franchement, bah, moi je, de temps en temps, je parle dedans euh, pour faire écouter aux gens. Ça n'a rien de scandaleux comme son. Pour 15 euros. je vais parler d'un sujet brûlant. L'accusation d'antisémitisme qui plane sur le mouvement de soutien. Ce... Ouais, mais alors par contre, il faut mettre le son un peu plus fort, euh, même si le micro est bien. Euh, du coup, on va booster artificiellement le volume. Voilà on va mieux entendre oui oui. Et qui a son texte sur le smartphone, on t'a grillé. on appuie euh, sur Karl Marx. Voilà. <laughs> la Palestine. Un sujet récurrent, souvent émotionnel et sur lequel il est important de se faire une opinion éclairée. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons ensemble décortiquer les arguments oh, des sionistes dehors. de gauche et on va partir de la tribune qui a été publiée sur Mediapart. Commençons par le contexte. Le 7 octobre 2023, des Palestiniens ont lancé une attaque sur le territoire israélien. La Palestine occupée. Ah, c'était la prise de contrôle. Ah non, là c'est ailleurs, mais euh, je sais. Euh, les premières images, c'était la prise de contrôle euh, du euh, checkpoint de RS. Faisant officiellement plus de 1000 morts, dont 400 mise. militaires. À la suite de quoi, Israël a massacré la population palestinienne et fait aujourd'hui plus de 30 000 morts. Ce qui est... est. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 32 414 selon le ministère de la Santé du Hamas. donc... Euh... aujourd'hui considéré comme un acte génocidaire. C'est dans ce contexte qu'est née Urgence Palestine, qui est un collectif qui rassemble des associations musulmanes, des regroupements de Palestiniens, mais aussi des associations de quartier, de juifs antisionistes, antifascistes et d'extrême gauche. Et qui, d'une part, soutient la résistance palestinienne. Messieurs, ce ne seraient pas tous des antisémites, monsieur, oui, oui. Et de l'autre. Je sais pas, j'ai rien à répondre pour l'instant. Sans son intro donc je dis ça. demande un cessez-le-feu. C'est ce collectif qui a l'initiative de la plupart des mobilisations de rue depuis le 7 octobre. C'est aussi dans ce contexte qu'une tribune signée par un collectif que nous identifions comme de sionistes de gauche a été publiée sur Mediapart. Et ce collectif veut jeter le discrédit justement sur le collectif d'urgence palestine, en attaquant notamment l'UGFP, le PIR, l'AFA Paris-Banlieue, Révolution Permanente, et accusant le collectif d'être infiltré faire. par des antisémites. La tribune utilise la Shoah et l'antisémitisme européen pour discréditer la résistance palestinienne. C'est une manipulation classique du colonialisme européen. Par exemple, les massacres aztèques étaient justifiés par les Espagnols par le fait que les aztèques commettraient des sacrifices humains. Et plus récemment, le camp occidental. On déshumanise toujours les personnes avant de les massacrer, évidemment. L'Occidental légitimait l'invasion de l'Afghanistan. Là, on se souvient que je crois que c'était Johan Gal... Yoav Galand qui avait dit. Euh... Au sujet des. Euh, qui, qui avaient euh, qualifié les Palestiniens d'animaux humains avant de lancer euh, l'opération. Par la misogynie ouais, fait, ouais. des Afghans. Les Palestiniens, eux, sont accusés d'être antisémites et d'avoir commis le 7 octobre des programmes à l'égard des Juifs. Claude Lévi-Strauss disait que le vrai barbare est celui qui croit en l'existence des barbares. Et les Palestiniens sont aujourd'hui ouais, accusés de barbarie par les sionistes pour justifier le génocide en cours. Et dans les faits, beaucoup de crimes qui ont été attribués au Hamas, que ce soit certains viols, les féminicides, les bébés décapités, qui ont été beaucoup. Part... Ou dans un four, ou enfin des... plein de trucs ouais. qui ont été. Si, si, c'est sûr, il y a des machins qui a vu les, les images. Oui, mais est-ce que toi, tu as vu les images Non, en fait, personne ouais. n'avait jamais vu les images, en fait. Oui. Tu as vu, là, récemment, il euh, y a eu une interview avec la personne qui a été la première à parler d'une femme enceinte dont le ventre aurait été ouvert, etc. Ouais. Et. Il a été interviewé, du coup on lui a demandé la, la source des. C'est lui qui avait parlé de piles, de bébés décapités, euh, etc. Et on lui a demandé la source. Et en fait, il a montré des photos et le mec lui dit mais en fait on ne voit pas ça sur les photos. Il dit oui parce que là on les avait enlevés. Là en fait la femme enceinte on l'avait enlevée donc on voyait plus. Et pour les bébés il dit finalement comme ils ont été brûlés on savait pas si c'était des adultes ou des bébés, etc. Donc Vois, ils ont, il a reconnu lui-même qu'en fait, il avait dit n'importe quoi et pas que effectivement, cette histoire de bébé décapité n'a jamais existé. Il y a des enfants qui sont morts le 7 octobre, mais pas dans les conditions qui ont été décrites. Oui. Euh, il y, a effectivement des y, y avait déjà des tues, choses pas horribles qui se passaient, il hein. n'y pas avait pas besoin d'en rajouter. en fait. Il n'y avait pas besoin de rajouter dans l'horreur et de, 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 de rajouter du gore alors que déjà, je veux dire, l'attaque a fait 1200 morts, c'est déjà voilà plus de 1000 morts, je ne sais pas le chiffre exact. Mais euh, c'est déjà beaucoup trop et c'est déjà abominable. Il n'y a pas besoin de rajouter, d'inventer les détails sordides, surtout quand on sait que ces détails sordides ressemblent étrangement à des choses que l'armée israélienne a pu faire, notamment dans des camps de réfugiés au Liban. Euh, voilà, ça. Non, c'est comment, pardon. Je ne sais plus, plus le nom du, du camp de réfugiés en l'occurrence, quelqu'un là dans le chat. Mais voilà, c'était absolument euh, abominable et ça, pour le coup, ça a vraiment eu lieu. Donc c'est ça qui est, qui est ironique, c'est d'accuser. Euh, pour barbariser sa cible, l'accuser de, de choses qui ont été faites, quoi. Mais bref. Mmh. Attendez, mais c'est euh, le sbire de Ouria Boutelja qui est au service de Eras. Oui, oui, c'est le même dangereux énergumène euh, que l'article de Marianne mentionnait. C'est lui. Mmh. Donc, va ouais, être. Mais c'est bien Sabraïchatila, Je ne sais pas sûr que... du nom. Ah, je ne voulais pas dire de bêtises. <laughs> Chatila, d'accord partagés fait, ouais. par les médias ont été souvent... C'est pas les israéliens mais ils ont éclairé la scène pour que les massacres continuent la nuit. On a avoir Donc, des détails de là, particulièrement infirmés par des journalistes notamment ceux de Haaretz qui est un journal israélien mais aussi par des instances internationales et ces informations ont, elles, été très peu relayées. Par exemple, l'hypothèse selon laquelle des hélicoptères israéliens aient tiré et fait des victimes parmi les participants de la rave party est à prendre au sérieux. Et de nombreux témoignages... Le truc à Nova Festival, là Et c'est un journal israélien qui le disait aurait touché ouais, des ouais, personnes. La, ça la police des Non, ça, je l'avais pas vu sur le coup. Ah oui, oui, complètement. Euh, et, et effectivement, tu as des images où tu vois même des gens avec des drapeaux qui se tirés tirer dessus, etc. C'est un truc de fou. L'armée israélienne est en panique. En fait, ils ont fait n'importe quoi ce jour-là. Les participants de la rave party est à prendre au sérieux. Et de nombreux témoignages remettent en cause la version israélienne concernant l'attaque des kibbutz. Le slogan « La Palestine libre de la mer au Jourdain ». Et le projet de libération complète de la Palestine est perçu par ces sionistes de gauche comme un projet antisémite. Mais en 1948, de nombreux Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Et aujourd'hui, Israël occupe la majorité de la Palestine. De la même manière que la France a occupé l'Algérie pendant. Ah, les temps. frontières ont certes évolué de 48 à 1967 et de 67 à aujourd'hui. Plus de 100 ans. Nous pensons qu'il est important de ne pas limiter la discussion. Et ça évolue de plus en plus. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, les implantations. Euh, des colons israéliens avec la complicité directe ou indirecte de l'armée euh, en Cisjordanie se sont très nettement accélérés. Alors mmh. qu'ils mmh, bah, sont censés avoir rien à voir. Hein, bon. occupé l'Algérie pendant plus de 100 ans. Nous pensons qu'il est important de ne pas limiter la discussion aux frontières de 67 ou même à la colonisation actuelle, mais de condamner la colonisation dans son ensemble. Rétablir la Palestine dans sa totalité n'est ni de la provocation ni de l'antisémitisme, mais un acte de justice. Selon le droit international, les Palestiniens, qui est une population occupée, ont le droit de se défendre. Par contre, les Israéliens, qui sont les occupants, eux, n'ont aucun droit de le faire. La terre spoilée, colonisée de la Palestine doit. Ah, de se défendre quant à une attaque euh, Alors sur le territoire, qu'il soit une spoliation euh, euh, géographique ou pas, euh, c'est quand même. Le 7 octobre, c'était de la défense. Par contre, du 8 octobre à aujourd'hui, on n'est plus dans la défense, quoi. Mais. Là-dessus, je ne suis peut-être pas forcément euh, complètement d'accord avec lui, mais... Tu ouais, penses que quand il disait le droit de se défendre, c'était ce qu'on entend actuellement par le droit d'Israël à se défendre, c'est-à-dire effectivement le 8 octobre et toutes les suites, quoi. Enfin, tout, ce qui, ouais. tout ce qui se passe depuis le 7 octobre et la façon dont les Israéliens se défendent, entre guillemets, ouais. ça effectivement, euh, c'est contraire au droit international. Mais, mais si l'argument, c'était de, la de, di de dire, étant donné que ce conflit, certes très asymétrique, et euh, c'est euh, euh, Israël qui est en position euh, de domination, du coup, ils ne se défendent pas, Là, bah, je suis pas sûr. C même si le conflit est asymétrique, tu peux quand même te faire attaquer. Bah, alors voilà, et sachant que bah quand le conflit est asymétrique et en ta défaveur, il ne te reste que des méthodes qui ressemblent à de la guérilla, voire du terrorisme. Et, mmh. Mais ça, ça ne peut être qu'entre les deux. On va retrouver sa liberté totale, tout comme la Kanaki. Comme mmh. le Vietnam a retrouvé sa souveraineté, ou l'Algérie son indépendance. Et d'ailleurs, pour connaître l'histoire de la colonisation palestinienne, je vous invite à aller voir cette vidéo qu'on avait déjà faite sur Parole d'honneur et où j'explique l'histoire de la colonisation palestinienne. La, la différence, c'est que du coup, les, les colonies de l'époque, il euh, n'y avait pas un collège des nations qui disait euh, « Oui, vas-y, on valide que euh, toi, tu as le droit de bouffer tel territoire euh, en Asie et soit si, as tel autre. » Si, là, moi, mais, tu peux pas dire mais, ça. Bien sûr, les, les nations européennes se sont mis d'accord sur euh, l'Afrique Il y avait un cordeau. partage du gâteau, mais il n'y avait, avait pas les instances international formalisée comme la SDN puis euh, aujourd'hui bah, euh, ouais, l'ONU bon, tu vois entre nous c'est plus ou moins euh, la même chose hein, tu vois c'est les puissants qui décident entre eux au final quoi donc même si évidemment il y, y a des conflits et tout il y avait des conflits entre les puissances colonisatrices elles sont quand même mis d'accord pour se partager l'Afrique tu vois pour prendre cet exemple là donc euh... Ah, je ne ouais, suis pas convaincu. Ça, ça, simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a eu un droit international, même si on est en désaccord avec ça, qui, à l'époque, euh, où c'était le mandat britannique sur la Palestine, a validé ça. Alors que hmm. je ne crois pas que c'était le cas, c'était simplement la loi du plus fort. Euh, avant de, bah, ouais, si je peux te casser la gueule Après, et ton territoire, Ces frontières-là, elles ne sont pas respectées <laughs> par Israël. Donc Israël euh, <laughs> oui. bafoue bien le droit international en faisant ah, bah, ce qu'ils bah, font. Contre, quoi. Depuis, depuis, euh, depuis 48, oui, il y a eu que ça, mais. Sionistes de gauche. Ah, avec des exceptions, comme quand ils euh, il, euh, il déoccupent euh, la bande de Gaza en 2005. Oui, bon, pour, euh... pour infliger un contrôle absolu oui. sur la région. Donc Exactement. au final, c'est pas non plus. Pas, je pense pas Durant que ça reste beaucoup les droits non plus. Mais bref. L'histoire de la colonisation palestinienne. Les sionistes de gauche évoquent le mot pogrom pour qualifier les attaques du 7 octobre. Ce mot signifie que les Israéliens auraient été attaqués parce en que juifs qu temps et temps non en raison bien. de la situation coloniale. L'historien Omer Berthoff, qui est un universitaire américain... Ah, il y en a peut-être pour qui il y a un peu des deux. C'est que forcément, c'est que euh, quand, quand quelqu'un t'opprime depuis, euh, quand un peuple euh, voisin t'opprime depuis ton enfance, peut-être que tu en viens à l'essentialiser négativement. Ah Ça bon, peut arriver. En soi, merci euh, des dames sauce pour le, pour le follow. D'origine juive et qui est spécialiste est dévorer, de l'extermination des juifs en Europe, a lui contesté l'usage du mot programme pour qualifier les actes du 7 octobre. Tout simplement parce qu'un pogrom, Oula. ça désigne l'attaque meurtrière d'une foule encouragée euh... par un consensus raciste d'État contre une minorité. Une minorité qui peut être ethnique et culturelle et qui est dominée et opprimée. Il ne peut échapper à la sagacité d'Edvy Plenel, que. Il fumait le cigare à l'époque Que ici, la domination <laughs> est israélienne. Ou enfin, peut-être que les auteurs de la tribune seraient prêts à soutenir que le massacre de cow par les Indiens au XVIIIe siècle était aussi un pogrom. Ou encore que ah la... euh, oui, on pourrait très facilement le dire. Oui, c'est de Mandela qui a aussi été coupable de massacre de civils contre des Afrikaners est lui aussi responsable de pogroms anti-blancs. Les victimes israéliennes. Ah, il y a des médias d'extrême droite qui te relaient tout ça tout le temps en disant regardez les noirs dès qu'on leur donne, un... dès qu'on relâche un petit peu la laisse, euh, ils essayent de vous assassiner. Regardez en Afrique du Sud. Oui, t'as regardé l'Afrique du Sud. T'as regardé genre ce à la fin de l'Apartheid et en fait t'as quand même toujours 97% des, euh, des exploitants des terres qui sont blancs et à un moment les mmh. gens s'énervent Et oui, la colère quand elle est accumulée depuis longtemps, quand il y a beaucoup de ressentiments très intense, très longtemps, des fois ça s'exprime de la façon la plus euh, l'état soit. C'est le cas aussi. On l'aura mais c'est le monde dans lequel L'esclavage le, a été aboli, mais dans plein <laughs> de territoires outre-mer en France, euh, les personnes noires sont toujours, euh, tu vois, euh, inférieures économiquement. Alors certes, il n'y a plus d'esclavage de, techniquement, tu vois, mais les conséquences de l'esclavage, on les voit encore. Quand tu as les béqués qui ont toutes les grandes maisons ouais. et les noirs qui sont pauvres, euh, voilà, il n'y a pas besoin de, tu vois, je veux dire, faut euh, les choses soient assez logiques, quoi. Même vois, quand les lois par explicitement par à racistes, quoi, racistes ont été de abolies. Cette histoire, quoi. Même quand les lois explicitement racistes ont été abolies, subsiste un racisme. Qu'on veuille l'appeler systémique, résiduel, peu importe, il est là en fait. Rappelons qu'à la fin de l'esclavage, c'est les propriétaires d'esclaves qui ont été dédommagés et pas les esclaves. Hein, donc, euh, voilà. <laughs> enfin, c'est réel. Hein. Oui, le manque à galier, oui. Si on n'a plus d'esclaves, alors au moins dédommagez-nous. Elles <laughs> n'ont pas été visées en tant que juives, mais en tant que. Oui, l'ours. Je veux dire, ça me fait penser à la scène du domaine des dieux où t'as le sénateur qui a franchi les esclaves et qui et qui leur qui loue après leur appart rêve. et qui et leur voilà. propose un emploi et qui en fait finalement ils sont toujours en esclavage mais on a changé le mot et on sait. Ouais, c était, elle était bien, elle était bien restituée par le, le film d'acier sur le coup. Le Pogrom anti-blanc. Les victimes israéliennes n'ont pas été visées en tant que juives, mais en tant qu'israéliennes. Qualifier l'attaque d'anti-israélienne serait juste. Par contre, la qualifier d'antisémite, c'est malhonnête et infamant. Les Palestiniens, opprimés depuis des décennies, ne peuvent être assimilés à des cow-boys, comme les Israéliens ne seront jamais les Indiens. Car remplacer Israéliens par Juifs, c'est faire passer frauduleusement une attaque qui s'inscrit dans le cadre d'une situation coloniale et dans le cadre d'une lutte de libération nationale à une attaque purement et simplement antisémite. En gros, c'est faire comme si la situation coloniale n'entrait pas en jeu et que les Palestiniens avaient juste envie de tuer des Juifs. Israël Oui, bah, c ou alors tu peux complètement faire la réciproque, et à chaque fois qu'il y a un Gazaoui qui meurt, tu dis que c'est un, euh, un meurtre islamophobe, tu vois. Et ce qui euh, est plus corroboré par les, euh, des citations des officiels israéliens actuellement que de déclarations sur les officiels du Hamas, où il, et on, on entend moins dire oui, ce sont des animaux, égorgez etc. Tu vois, bon. Je... se distingue des expériences. Ou alors je ai... sais pas, il faut le relayer, mais. Al européenne, nous dit Joseph Confavreux, journaliste à Mediapart. Il passe ainsi sous silence le fait que la quasi-totalité de la classe politique israélienne soutient le massacre en cours à Gaza. Mais aussi en Cisjordanie, qui n'est pourtant pas responsable des attaques du 7 octobre. 434, alors... Mais aussi... C'est 434 tués, ça c'est depuis le, le 7 octobre, mise à jour le 24 mars, dont 116 enfants. Alors que officiellement, bah, le territoire est quand même euh, euh, séparé, il n'a même, même pas de frontières communes, même si les deux sont palestiniens, mais... Mmh. Et, euh, et le Hamas, il est euh, dans la bande de Gaza ou est-ce que euh, ouais. il est en Cisjordanie ah, Il y est de plus, plus en la plus carte populaire. La c'est l'autorité et et tout, tout, que Dans la ouais. réalité, c'est absolument pas ça. Ouais. Hein, c'est plein de petites tâches. de, de colonies et tout quoi. Et justement, et c'est ça c'est ça, ça le vice, c'est qu'il y a encore des poches où officiellement c'est encore au jordanien. Par contre, en fait, si tu veux y accéder, il faut passer par une route. Et cette route, elle est occupée euh, par, des, par des colons et par l'armée qui t'interdisent d'aller euh, jusqu'à ta non. propriété. Et au bout de tant de semaines, il la déclare abandonnée et ils la saisissent. Donc c'est là que c'est euh, vachement vicieux, en plus, quand on regarde le détail sur les champs, de, sur les oliveraies, sur les, les exploitations agricoles, sur même les, les baraques des gens, évidemment. Hein, mais et En Cisjordanie qui n'est pourtant pas responsable des attaques du 7 octobre. Rappelons qu'Israël est un projet colonial et occidental depuis ses débuts. Théodore Herzl, qui est le grand modèle, que ce soit pour les premiers, mais même les sionistes. Enfin, je ne sais pas, colonial, est-ce qu'à partir du moment où on t'attribue un territoire, donc quelque part, tu as, as pris un territoire où, euh, où qui, qui ne t'appartenait pas légalement avant, donc c'est déjà de la colonisation, ou est-ce que la colonisation, c'est le fait de s'étendre Moi, plus je le mets plutôt dans le fait de s'étendre. Ou alors, c'est surtout oui. que, dès le début, dès one, il aurait fallu consulter aussi bah, les peuples qui habitaient en Palestine, donc les Palestiniens, et que ça n'a pas été fait, évidemment actuel et qui est le fondateur du mouvement sioniste, disait ainsi, mon programme est un programme colonial, un avant-poste de la civilisation pour faire contrepoids à la barbarie, un bastion de la culture occidentale. Oui, alors après la méta de l'époque, c'était justement c'est que tous les pays qui colonisaient ils disaient que c'était pour apporter euh, le progrès, l'humanisme, la technologie, la morale, la civilisation, etc. Et mon cul sur la commode. Enfin, la tribune assimilie. À l'époque, c'était quelque chose qui était améliorativement euh, euh, considéré euh, la colonisation du point de vue européen. Un bastion de la culture Évidemment. occidentale. Enfin, la tribune assimile systématiquement la critique d'Israël à la haine des juifs. C'est un raccourci dangereux et erroné. En effet, il est possible de critiquer la politique d'un État et d'un gouvernement sans pour autant haïr ses citoyens. D'ailleurs, de nombreux juifs, que ce soit en Israël mais aussi partout dans le monde, sont critiques envers Alors le. Après, ce qui est vrai c'est que les, an les antisémites qui sont eux bien identifiés généralement supportent pas trop euh, l'État d'Israël. Bon. Alors après tu as, as des discours un peu entre deux où tu as des gens euh, qui font partie d'un euh, d'un groupement, d'un parti politique fondé par un waffen SS, euh, où l'actuel président montait sur scène avec des gens qui levaient le bras bien droit, bien tendu, euh, il y a encore quelques années, et, tu, et après qui vont te dire qu'ils euh, sont là pour défendre euh, euh, Israël et même les Juifs d'une manière générale, alors que c'est un parti par essence antisémite à la base. Mais bon, et qui, euh, qui défendent simplement Israël parce que euh, ah bah si euh, globalement c'est des blancs qui cassent la gueule à des arabes, on est pour. On peut résumer quand même la situation comme ça. Mais on le fait souvent... Toi, en Israël, mais aussi partout dans le monde, sont critiques envers le sionisme et soutiennent les Palestiniens. Ces juifs antisémites. Même pas, il y a euh, as plein d'antisémites qui kiffent Israël. Alors ça, c'était plus à l'époque en mode, euh, oui, bah, euh, si l'État euh, d'Israël, ça veut dire qu'il y a plein de juifs qui vont partir là-bas et qui seront plus ici, euh, Bah on est pour qu'ils s'en aillent. <laughs> Donc, euh, oui, il y a eu. Alors après, est-ce que c'est autant le cas aujourd'hui d'antisémites qui soutiennent Israël ou qu'ils le font pour des raisons un peu troubles, je ne sais pas. Les sionistes peuvent être autant religieux que laïcs. A l'opposé, rappelons que nombre d'intellectuels antisémites, mais même nazis, ont soutenu Israël. Par exemple. Oui, D'ailleurs, tu as des sionistes qui ne sont pas, qui ne sont pas juifs. La preuve, j'ai dit, je, je, je suis le sioniste de cette émission. Drieux Larochelle a écrit aussi. dans son testament, je meurs antisémite, ça. respectueux des Comment, juifs. Comment, Kali Écoute le truc de Drieu La Larochelle, c'est très précis. La Rochelle a écrit dans son testament Je meurs antisémite, respectueux des juifs sionistes. Lucien Rebattet, antisémite ah, bah virulent et collabo sous Vichy, a soutenu Israël dans la guerre de 1967. Et on oui, alors a... après, on parle justement de, de bail, il de, y a plusieurs décennies. Est-ce qu'on en a des, des gens actuellement très facilement identifiés comme antisémites Est-ce que tu as des Alain Soral qui te disent euh, Oui, je suis pour Israël <laughs> Je crois pas, mais peut-être peut qu'il y en a. Il oh, y en a il y en a. Y y en a. Puisque au fond, le projet de base euh, de, du sionisme en mode poussé jusqu'au bout, le côté les Juifs n'ont pas leur place ailleurs qu'en Israël. Bah, bah, rôle, il soutient pas Israël. Il y a des antisémites non. qui peuvent euh, se mettre derrière ça puisqu'ils sont en mode. Ah bah Ils oui, c'est vrai bah, que les Juifs n'ont mais... pas leur place en Europe. Tu vois, moi c'est ça que je trouve hum. profondément antisémite dans, dans, ce, dans ce type de, de vision du monde, quoi. Bah non, pas dans la, dans la mesure où la. Euh, l'implantation euh, en Israël, elle est faite sur la base du volontariat. Euh, bah, Bien sûr, non, mais vous... l'idée que la vraie place des Juifs, elle n'est pas en Europe, elle est ailleurs, je trouve que c'est un peu antisémite. Ah, personnellement. ça, ça c'est bizarre, oui. Mais non, bah oui, mais tu... c'est ça, ça que les antisémites ouais. sionistes défendent au final, tu vois. En Europe, rapprochement avec la Hongrie de Orban. Euh... Par, par, par rapport à Zdos, la, la Hongrie de Orban... Mmh. Ils sont antisémites, mais pro-israël, tu veux dire euh, Geek euh, Zorus Rex qui nous dit ça sur le chat. On multiplier les exemples à l'infini. En réalité, l'antisémitisme la peut, peut parfaitement s'accommoder d'un sionisme qui viderait l'Europe de sa part juive. Et avant la Seconde Guerre mondiale, dans ce qu'on appelait le Yiddish Land. Parmi les juifs européens, l'antisionisme était une tradition politique majoritaire. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre 2023, aucun incident antisémite majeur n'a été relevé dans les manifestations pro-palestiniennes. On pourrait même dire Alors, que pas dans les manifestations pro-palestiniennes, mais il y a une résurgence d'actes antisémites euh, cette année, oui. C'est dans les mouvements pro-palestiniens et antisionistes que et les puis, juifs depuis octobre d'une manière générale sont le plus en sécurité. Car c'est dans ces milieux que la distinction entre les juifs et le sionisme est la plus poussée. Et c'est aussi dans ces milieux que la lutte contre l'antisémitisme est la plus conséquente et la plus affirmée. Et quand il y avait des paroles. Oui, parce pas... que la lutte contre l'antisémitisme de droite, euh, bon, c'est au mieux un peu de la blague, tu vois. L'antisémite qui était prononcé dans ces manifestations anti-sionistes, ce sont justement ces organisations qui sont insultées par cette tribune. Par exemple le PIR, l'UGFP, l'AFA. Qui ont chassé les Soraliens et les antisémites de ça. On voyait tout euh, la dernière fois et on réagissait avec écharpe euh, là-dessus. Euh, euh, Tzedek, euh, Tzedek, euh, qui était euh, renvoyé un peu dos à dos avec Nature et Carta en disant oui, ils sont différents, mais quand même, c'est euh, les juifs préférés des antisémites. Mmh. Donc, euh, en sous-entendant un, un petit peu que c'est soit volontairement, soit des idiots utiles. Et du coup, je vous invite à revoir euh, la VOD. Je crois que sur la miniature, j'avais titré Israël est antisémite, point d'interrogation. Ça, ça, ça passe tant racolé que ça, finalement, mais <laughs> c'est cita citation vraiment du live. Je vous invite à, à écouter le développement. Il vous étonnera. GFP, LAFA, qui ont chassé les Sauraliens et les antisémites de ces manifestations alors qu'ils jouent le rôle de juge. C'est eux qui factuellement ont fait le boulot de dégager des antisémites, mais qui sont traités d'antisémites, c'est quand même bien fait. En donnant les bons points et les mauvais Salut points, Desnother. nous pourrions nous renverser les rôles et demander à ces sionistes de gauche qui signe chez Mediapart de nous expliquer déjà pourquoi il passe plus de temps à faire peser... signe dans le blog de c'est pas les articles de la rédaction hein. Signe chez Mediapart de nous expliquer déjà pourquoi il passe plus de temps à faire peser le soupçon de l'antisémitisme sur, la sur les organisations pro-palestiniennes plutôt que d'agir réellement et concrètement contre le nettoyage ethnique en cours en Palestine. Mais aussi nous lançons un défi à ces militants sionistes de gauche que ces militants sortent enfin de leur ambiguïté. Qu'ils nous disent concrètement Molisation. quelles sont les organisations palestiniennes et pro-palestiniennes qui ont grâce à leurs yeux. C'est-à-dire les organisations qui pourraient bénéficier. Oui. Et, et, Est-ce qu'il y en a des biens Parce que si l'UNRWA, c'est des antisémites, euh, que euh, chaque enfant, femme euh, ou vieillard qui marche dans une rue de Gaza, euh, de euh, Ranunès ou de Rafah, et... Potentiellement un commandant du Hamas. Bon, au bout d'un moment, oui, voilà. Est-ce qu'on pourrait préciser un peu Est-ce qu'il y en a que qui méritent pas d'être tués, au moins ou non est de leur soutien et de leur bénédiction. Cela mettra un peu de clarté sur leur engagement vis-à-vis -vis de la Palestine. Et bon Ramadan à tous. Et pendant ce ramadan, n'oubliez pas encore de soutenir les Palestiniens qui vivent un ramadan très difficile. Euh, oui, il par... bah, y a un ramadan où y a... ouais, bah, tu ne peux, peux pas faire l'iftar, hein, globalement. Par donc... exemple, <laughs> en donnant de l'argent à certaines organisations, et pourquoi pas, pas Palmed, dont on a reçu euh, un des médecins il y a... Une... Alors euh, oui, c'est très bien tout ça, oui, ça mais est-ce que tu pourrais arrêter les violences au micro Une semaine ou deux, vous pouvez aller voir la, la vidéo. Docteur Lana... Un excellent film. Ces décoloniaux ont tellement de colère en eux qu'ils frappent les micros. Quoi. Mania, je vous invite à aller voir cette vidéo et de donner à la société Et quant à nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Parole d'Honneur. Eh bien, on n'oubliera pas, Wissam. Oui, je vais même mettre un like, malgré que je sois en profond désaccord avec ce dangereux personnage hein, et avec chacun des propos qui a été tenus dans la vidéo. Comme vous avez pu le constater, Kali, est-ce que tu avais une conclusion par rapport à ça. Non mais bah, je trouve que la vidéo et la vidéo est basée, c'est vrai que c'est vrai que plutôt que de faire des procès aux associations euh, pro-palestiniennes euh, qu'ils aiment pas euh, dire lesquelles il faut soutenir et dans quelle mesure. Moi je dirais aussi dire euh, euh, en fait dans comment dire que tout le monde dénonce la politique d'Israël, même BHL, tu vois, dit que c'est insupportable mmh. et tout, mais au final après euh, tu vois qu'elle doit être la suite en fait, qu'elle doit être la suite, est-ce qu'on est pour un état, deux états euh, quel type d'État Après, est-ce que c'est à nous de le dire Tu vois, c'est voilà. Mais déjà, il faut la priorité des priorités, c'est que la guerre s'arrête et qu'Israël arrête de voilà. Enfin, je pense que la vengeance, là, c'est bon. Sachant que la résolution de la talion, là, hein, c'est pas un œil, pour œil, œil pour œil, c'est œil pour dix mille œils. Donc, euh, faut, au bout d'un moment, faut. C'est la doctrine d'ailleurs. On, avait, quoi, on en avait euh... parlé dans cette même émission qui avait été théorisée pour le Liban, mais à l'époque, mais à l'époque euh, mm. du Liban, mais euh, qui continue d'être appliquée aujourd'hui. Et nous en avons une démonstration particulièrement flagrante. Mmh. La disproportion, Donc, euh, oui. la Palestine, vengeance euh, ouais. et, et, paix, euh, et paix en Palestine. Voilà. ma mmh. est conclusion. Qu Est-ce qu'on a le temps de regarder Alors déjà, je ne sais pas s'il y a des gens au standard. N'hésite pas à me dire, Kali. Euh, Est-ce qu'on a le temps de re regarder des petits extraits de la discussion entre euh, bégodo et Nicolas Framont Moi, j'en ai noté deux sur le développement personnel et sur 2027. Alors, sur le développement personnel, c'est plus Nicolas Framont et Bégodo, c'est surtout sur 2027 et LFI. Est-ce que cette fois, il va aller à la pêche Est-ce que cette fois, il va voter, voire appeler à voter LFI Est-ce que vous vous posez la question très fort Et bah, on peut le découvrir ensemble. Est-ce que ça te dit, Kali Vas-y. Eh bien, let's go Je sais pas pourquoi je m'énerve. Le développement personnel, Bonjour, pas bourgeois oui, parce que du coup, c'était voilà, la bourgeoisie démasquée, et il y a plein de trucs, on dit, est-ce que ça c'est bourgeois À un moment, il y a le ski, mais nous, on a déjà expliqué pourquoi le ski c'était bourgeois, euh, évidemment, euh, dans une émission précédente où on réagissait sur une émission d'arrêt sur image. Souvenez-vous. Pour Nicolas, c'est cadeau. <laughs> Alors, non, mais attendez, je vais, vais taper le nuance, vous allez voir. On ne s'y attend pas. Donc, évidemment, évidemment, méca-bourgeois. Hein. Euh, alors, pas personnel. tant, à mon avis, sur ceux qui le produisent que sur ceux qui l'instrumentalisent. Donc, le développement personnel est actuellement très instrumentalisé dans le monde du travail, dans les entreprises capitalistes, pour mettre les salariés au pas. Euh, donc la clé, euh, le mot d'ordre. Et ça commençait par l'empowerment à l'époque, moi qu'on m'enseignait en cours de management. Hein. Du développement personnel, hein, c'est de dire le problème ne vient pas du monde extérieur, le problème vient de toi. Mais tout va bien parce qu'on va pouvoir travailler ça ensemble. C'est ça. Le problème, c'est jamais le système. En fait. Si, si tu es pauvre, mais arrête d'être pauvre. Et, euh, voilà, Il faut lire mon bouquin, ferme mon webinaire, euh, ma formation, mon atelier euh, qui va t'expliquer comment euh, Voilà, 22 clés pour devenir riche à millions sans sortir de chez toi en 36 jours. Donc on va pouvoir faire des gestions des émotions. Si tu es en surcharge de travail, on pourra pouvoir travailler à comment organiser ton temps, puisque visiblement tu ne sais pas t'organiser. Euh, qui ne sera jamais temps. Jamais on, on remettra en, en, en question aussi. Euh... La, la, la quantité de travail n'est jamais assez grande. C'est toi qui soit est trop fainéant, soit au mieux voilà, ça, pas organisé. C'est la version gentille du développement personnel. Hein. Si tu as tendance à être contrarié par ton chef, cet enfoiré de harceleur sexuel, c'est sans doute que tu, euh, tu, tu as un rapport conflictuel au monde et ça aussi <laughs> peut travailler. On peut être en harmonie Croyable. avec le vivant. Voilà. Bon, le développeur personnel, c'est toutes ces merdes. Euh, et quand je dis que c'est instrumentalisé, c'est que c'est instrumentalisé, c'est pas cosmétique. Il y a des entreprises qui sont en train de se réorganiser sur cette base. Moi, j'en ai vu. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, changent tout leur euh, fonctionnement RH pour intégrer des sortes de théories complètement foireuses produites. Euh... Encore des théories du complot, hein, quand elles ne sont pas économiques, elles sont organisationnelles. Oui, le micro, je sais les gens, je, si, euh, si Frustration Magazine veut arrêter d'être frustré de l'audio, euh, qui n'hésite pas, qu moi je, je l'ai déjà fait pour Réseau Salarial. Au, au pire, il, juste ils me défraye, je viens pour euh, leur expliquer, mais il euh, y a moyen. Là, en plus, il y, y a des micros, il y a potentiellement euh, une régie, une table de mixage sur laquelle se brancher en direct, ou au pire, si tu veux faire la reprise du son, la repique de l'enceinte. Tu peux le faire plus proprement, mais bref. Écoutons le fond. Donc ces oups qui arrivent, euh, souvent c'est des gros best-sellers aux États-Unis qui disent euh, voilà les, les nouvelles voies de la sagesse ou les machins, et tout ça arrive dans une boîte du CAC 40 français, euh, sont digérés par euh, des tas de, de services RH qui, qui ne servent à rien. Pour dire en gros qu'ils doivent un peu créer un homme nouveau. quoi. Enfin, il y a quelque chose de, de, de très totalitaire dans cette entreprise. Mmh. Un euh, qui... homme nouveau, normalement, vous avez des alertes rouges qui commencent à clignoter. Dire, on doit créer un salarié nouveau. Euh, et ce <coughs> salarié nouveau, j'ai vu une boîte, ou euh, une grande boîte du, du, de la grande distribution, euh, qui disait en gros, il faut être dans un esprit euh, de croissance. L'esprit de croissance, je pense que vous n'y êtes pas si vous êtes ici. Euh, et cet esprit <coughs> de croissance, là je traduis en français, évidemment, c'était en anglais. Euh, cette prise de croissance, il euh, y a une série de préceptes qui sont évalués euh, tous les trimestres. Et parmi ces préceptes, il y a affaire de la critique constructive. Et la critique constructive, figurez-vous, c'est quand je dis quelque chose de négatif, je dis aussitôt quelque chose de positif. Autant vous dire que ça ne marche pas tout à fait quand vous êtes dans imagines une. T'imagines les signaux contradictoires que tu t'envoies en tant que manager quand tu fais ça, de euh, ça... Non, justement, le bon management, c'était. Ouais, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Mais euh, moi, je me souviendrai toujours, ça, ça a été un petit peu une leçon de vie. Et après, une leçon de management, puisque j'ai eu aussi des équipes à encadrer modestement derrière. Euh, c'était ma, ma chef d'agence qui, une fois, un, un matin, elle me fait venir dans son bureau. Elle m'avait déjà fait venir pour me dire, euh, ouais, les, les, les trucs qui n'allaient pas. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait encore Et non, elle m'a juste fait venir dans, mon dans son bureau pour me féliciter. Pendant plusieurs minutes, elle m'a dit non. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait euh, aussi. C'est pas juste remarquer quand les choses vont pas et rien dire quand ça va bien. Faut aussi dire quand mmh. les choses sont bien. Et ça, j'ai ah, oui, trouvé que c'était basé sur le coup. était assez humaine et je voilà, je dois lui rendre grâce. Claudie, ça plaît. Un hommage à Claudie. De Ceci étant, euh, il semblerait et récemment on essaie de s'y pencher dessus, en particulier la frustration. Et moi, de plus en plus, j'ai tendance à Imiter par moments le style du développement personnel. Alors, au début, je l'ai parotier, dans Parasite par exemple, euh, mais parce que je me suis rendu compte que, quand même, c'était des écrits qui avaient une certaine force. Donc, je prends toujours l'exemple que je vais reciter du livre La magie du rangement de Marie Kondo, parce que c'est un livre qui produit, quand vous le lisez, vraiment, vous avez la sensation que vous allez pouvoir ranger votre maison ou votre appartement et que ça va changer votre vie. Donc il y a une écriture comme ça, très magique, qui vous donne l'impression de vous en capacité. Moi-même, j'ai rangé mon appart, j'ai plié mes t-shirts comme elle le dit, il faut faire des petites boules et tout, et j'ai vraiment Oh, oh non, tu veux pas venir à Bordeaux le faire aussi un petit peu... Ça a l'air de te faire du bien Nicolas Framont en plus, donc... L'impression, pas très longtemps je vous rassure, mais que ma vie allait changer. Évidemment non. non. Euh, mais il y a une force dans cette écriture-là que je trouve assez maligne. Euh, et quand je l'ai parotier, ça m'a fait marrer, mais je me suis aussi dit qu'il était... Euh, que la force du développement personnel, c'est de répondre immédiatement à des problèmes euh, perso que les gens ont et des problèmes perso qui se traduisent en termes de, de souffrance euh, psychique. En tout enfin, cas, des, gens, des questions que les gens se posent en quotidien, oui, c'est sûr. Euh, oui, tu, tu en as marre de tel truc, tel truc, machin. Et c en fait, c'est la solution qui ne va pas. Mais sur l'accroche, ils sont plutôt bons, effectivement. Par exemple, la dépression, l'anxiété, autant. Rien à foutre de ta dépression. De choses <laughs> qui sont produites par la société capitaliste en masse et vous avez plein de gens qui se retrouvent sans réponse par rapport à ça. Et on pourrait, si on était des bons marxistes bien droits dans nos bottes, dire, ben moi, quelqu'un en dépression, je lui dis, mais non, mais t'en fais pas, le problème c'est le capitalisme, abattons-le. Bah, que... et donc Frustration, on avait tendance à beaucoup conclure nos articles comme ça. Euh, mais le problème de cette réponse... Oui, genre t'en vois, vois justement pas du ring, tu vois, en coach de développement personnel, ça finirait vite comme ça, mais... Bon, voit bien que, il y a eu qui avait fait un, quand un, quand un truc un comme ça, vie. un moment, qui avait parodié aussi ouais. le développement personnel dans avec un, un... Dans un OLG où il avait parlé du dans développement personnel, ouais. et j'avais trouvé ça très très bien, ouais. Mmh. Ouais, c'était marrant. ...nos articles comme ça. Euh, mais le problème de cette réponse, c'est qu'on voit bien qu'elle euh, désigne quand même un horizon euh, qui est pas. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est dommage, ils ont un fond vert, mais ils en font rien. <laughs> euh, évidemment, puisque la personne en dépression, au bon, lieu de dire ça, déjà, elle va pas forcément se sentir mieux, parce qu'en ce moment, on n'est pas, plus... pas vraiment dans une phase d'écroulement du capitalisme. Euh, elle est en souffrance tout de suite, maintenant, et vous, si vous lui répondez des grands horizons euh, politiques abstraits, bah, vous n'allez pas l'aider. Et en plus, je pense que pour détruire le capitalisme, on a plutôt intérêt à être une masse de gens assez euh, qui ont un fort sentiment de puissance et de solidarité mutuelle. Et, 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 euh, et les atteintes à la santé mentale que produit le capitalisme empêchent ça. Donc, j'ai tendance à penser qu'il faudrait réussir à réinvestir le champ du développement personnel sans que ça aille dans toutes les dérives du développement personnel actuel. Donc, on appelle ça... Imaginez aussi très bien que le développement personnel, ça ne va pas vous amener à une certaine aménité envers les privés d'emploi pour faire le lien avec un précédent sujet. Le développement collectif, c'est-à-dire faire en sorte de donner des réponses euh, qui soient applicables et qui permettent un peu de changer son quotidien sans pour autant tromper son monde, parce que le développement personnel trompe son monde puisque ça ne marche jamais, euh, c'est-à-dire qu'il ne soit pas des réponses abstraites et euh, dans l'avenir. Mais là, je vous parle d'un travail en cours et actuellement, j'ai en train de bosser par exemple sur un bouquin qui parle de la question du travail et qui essaie de réfléchir aussi à des réponses intermédiaires, c'est-à-dire que. Euh, le, le livre, non. Le livre ne se finira pas. Oui, parce qu'un peu plus il tard, il va nous expliquer le problème. C'est on a quand même des problèmes dans la façon de communiquer à ça. gauche. Ce qui me fait dire que le développement personnel c'est hyper bourgeois, mais je comprends euh, pourquoi ces livres sont hyper bien vendus et je me dis qu'il faudrait réussir à y répondre, à répondre à ce besoin d'une certaine façon, mais je ne sais pas encore laquelle. Voilà. Ouais. On va voir quand même non, tôt, un tu peu finir au réseau de sport, je pense. Ah pas, <laughs> <t 'es super rire> non, mais en plus je suis d'accord et j'aime bien que tu. Euh... Mettre de l'ambiguïté dans tout ça, et la nuance. Parce que je pense que le développement personnel, comme souvent les cibles unanimes, en tout cas dans nos zones politiques, le développement personnel est vraiment l le mot poussoir mais je pense qu'on a tous bien vu où était l'embrouille, et l'entourloupe. Tu l'as très très bien dit, l'entourloupe c'est de... d'inscrire profondément dans la tête des gens, de, de coaching en coaching, de tuto en tuto, de lead de développement personnel en lead de développement personnel, que leur problème est absolument personnel. C'est comme ça, de, de, de constituer un isola qui serait l'individu, et l'individu aurait des problèmes qui lui seraient propres et qui devraient être traités proprement. Sinon, il faudra un développement systémique. Ou veux. alors en élargissant le champ d'investigation à sa filiation, à sa généalogie familiale. C'est là que moi, j'ai tendance à inscrire tout ça dans un paradigme. C'est vrai que le développement personnel, c'est une façon de dépolitiser les gens. En euh... général, que je trouve trop épargné par la gauche, encore, par la gauche intellectuelle, en tout cas, enfin, c'est des gens qui, ça, qui produisent des analyses, à savoir la psychologie en général, le dispositif d'accompagnement psychologique, avec tout ce que ça comporte. J'en parler un petit peu dans mon, mon livre, ça s'appelle boniment, je, je mettais dans, dans tous les. Les agents du monde libéral dont nous vivent, je pense que les agents de psychologie ou les psychologues ont leur part quoi. Psy, la psychologie est intéressante en tant que telle quoi. Donc ok. On... Oh, je laisse pas euh, toute la réponse parce qu'elle peut être un petit peu longue. Par contre, je voulais aussi vous mettre euh, le passage où il parle de 2027 et où il parle euh, de LFI et de Mélenchon. Et du coup, euh, oh, je, oh, te 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 je, vois, je vois un revenant aussi potentiellement à Raid derrière. Oh, je prépare le raid et juste avant de vous mettre la dernière intervention du coup de François Bégodeau dans cette discussion, je voulais remercier les personnes qui ont aidé cette émission ce soir, comme NotClear pour son 21e mois, comme Ishton euh, qui a fait un gift sub, merci à Shiranui, à euh, Habitus qui a gift sub, merci à Morlet pour le 12 e mois, Tylong TV pour le 15e mois, merci à Mantapé pour son premier abo de même que NotDrift Drift, merci à Gosta pour le 15e mois, mandwich pour le 17 e mois, merci à Mirko également pour le 17 e mois. Lonuchiwa pour le 7 mois et normalement je n'ai oublié personne. Enfin, je vérifie. Peut-être des fois il y a des dons Paypal et ça fait pas d'alerte. Donc je, vais, je vérifie quand même. Et n'hésitez pas, spectateurs du futur, vous aussi, à soutenir cette émission. Ceci étant dit, nous peintre, avons de un dernier timer. Merci Ekomana pour le follow. Euh, nous avons un dernier timer. Du coup, à la, à la toute fin de l'échange, il me semble. Euh, vraiment, dans les questions bonus. Écoutons ça ensemble. On va devoir aussi booster le volume parce que sinon, on n'entend rien. On l'avait mis à 150. Voilà, 150, ça devrait suffire. Et on le met en vitesse 1, 10 pour que ce soit fluide, mais compréhensible. Let's go Faisons ça. ça qui qui, qui peu, que, que, ce qui m'effraie un peu, c'est que ce moment ça absorber les énergies, mais même absorber les mentalités, absorber l'imaginaire même. quoi. Comme si on se... On façonnait... Chacun un imaginaire électoral. De ce point de vue-là, la France Insoumise, qui est un mouvement que j'aime bien, je veux dire avec des réserves bien sûr, mais ça va. Je suis... Pas de là à voter pour eux. anti france Insoumise, loin de là. Euh, et et, et surtout, c'est un peu une bonne nouvelle pour la gauche, parce que de fait, d'avoir de, 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 des scores électoraux comme ça un petit peu élevés, ça crée de l'enthousiasme, mais c'est bien, ça euphorise les gens, je suis content, ça va, quoi, je ne suis pas du tout puriste. Euh, mais ça fait aussi l'inverse. Je pense que ça fagocite aussi des énergies. C'est fait que comme il est toujours un peu possible, moi je pense que c'est impossible, mais je mmh. peux comprendre qu'on trouve possible que Mélenchon un jour, euh, en tout cas en 2027, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'autres non plus, mais il y aura 2027. Ça je reviens tout de suite. Il y aura 2027 Mélenchon pour ceux qui hésiteraient encore. Évidemment. Bon, la haute tech, évidemment, c'est non, il n'y a personne encore prêt à prendre la relève et faire mieux pour abattre la citadelle que Jean-Luc Mélenchon. On va se présenter. Mais comme c'est un, comme ça ah, c'est. c'est ce qu'il a, a dit, hein. mais... mmh. Damon. Il n'a pas dit qu'il qu n'y avait pas d'alternative à Mélenchon. Il a, il a dit, dit ce que ce sera lui Mélenchon. Qui ira. Parce que juste, c'est la situation politique. Mais je ne pense pas qu'il le disait dans le sens, c'est le seul à pouvoir. C'est celui qui va y aller, en fait, ça qu'il veut bah, dire. quoi Mais c'est pas forcément. Dans la mesure où il disait, bah, s'il y a quelqu'un de bien positionné, je lui laisse volontiers ma place. Euh, le sous-entendu, c'est que si Mélenchon est sincère, il y a personne qui est à son niveau et que donc, il n'y euh, aura pas d'autre alternative que lui, mmh. à gauche. Je ne sais pas. De ou est-ce que parce est, qu'il a un ego sûr, un et un pouvoir tellement... Doute, ça peut être parce qu'il qu a, qu a un ego ou, ou, et ou un pouvoir tellement grand que dans tous les cas c'est lui qui ira et que les autres vont fermer leur gueule et c'est tout. Mmh. Je ne sais pas, c'est soit l'un soit l'autre. Oui. Oui. Évidemment tu vas se présenter. Mais comme, un, comme ça s'est joué à ça les deux dernières fois, avais, combien de gens me dit ça Ça s'est joué à ça. Bon. Donc moi je leur répète, on se croit à, à savoir ça. que euh, ça se jouera toujours à ça et qu'il ne passera pas jamais. Mais disons qu'il y a une espèce comme ça de petites fenêtres de, de, petite fenêtre de tir possible dans, le, dans les imaginaires de gauche qui fait que ouais, de fait c'est vraiment ce coup-là qu'on a envie de jouer comme si c'était vraiment ça. Euh, la perspective politique majeure pour un peuple, enfin en tout cas pour euh, un part de la population qui envisage quand même une... une trance... Alors quelle perspective politique majeure du coup euh, La révolution directement parce qu'on peut pas changer les choses par les urnes Ou euh, bah, voter pour quelqu'un qui euh, euh, propose de changer la façon de voter potentiellement Même si euh, oui, le système joue contre nous en l'état mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas jouer Transformation formation profonde de la société. Ce que ne promet même pas la France Insoumise. Mais ça, ça la mère, c'est un autre débat. Je ne veux pas du tout leur faire un procès en, en social-démocratie, bourbonnette, c'est pas, j'ai pas ça. Parce que je, je, je trouve que fondamentalement, ils activent ces gens et c'est bien, quoi. Mais. Euh... On pourrait, mais déjà qu'on dit qu'ils sont d'extrême gauche et en dehors de l'arc républicain. Ouais, donc tout sauf ça, tout sauf 2027. Et voilà, c'était la hot-tech de bégodo Du coup, qui, qui nous a pas dit s'il ira à la pêche, on est un peu déçu quand même. Qu'est-ce que vous en pensez Bah, bon, il va aller à la pêche comme d'habitude. Tu penses Je connais, le bégaud. Ah, Tu le connais pour l'avoir pratiqué, on verra bien. effectivement. effectivement. Ouais, Là-dessus, je suis pas tout d'accord, effectivement. Euh, je pense que c'est pas grand-chose de voter et il faut, il faut quand même le faire. Voilà, c'est mon avis. Ça nous demande pas grand-chose, même si on a beaucoup de raisons de doomer, effectivement. Euh, Est-ce qu'on a toujours l'ours et Aurélien avec nous Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin, avant que nous n'allions raid un camarade Revenant. Non, parce que c'est vous... bon, mais vous étiez timide ce soir. Personne n'a voulu participer. C'est vrai. C'est vrai, pourtant vous étiez relativement nombreux. Eh bien, je vous propose que, euh, de, euh, que nous finissions là. Est-ce que tu lives demain, toi, Kali On va les non, non, non. non, pas demain. Sans doute mais pas après de live demain, demain non. Après-demain, potentiellement. Eh bien, stay tuned, comme on dit, n'hésitez pas à suivre les réseaux de la Kalinosphère. Nous, on va aller chez Vulga Droit. Vulga Droit qui n'a pas live depuis un moment. Ah. Et du coup, ça fait plaisir de le voir revenir. Ciao, ciao. Et on se retrouve là-bas. Hop, le raid euh, est parti. Euh, Normalement, j'espère que ça lui fera plaisir. J'espère que les gens se comporteront euh, euh, bien. Encore une fois, la euh, pourquoi bon, il faut bah que j'accepte euh, les, les conditions le d'utilisation On va mettre un petit wesh -wesh, à, les amis. Ils sont financés par, par les impôts. Ça oh. fait longtemps qu'il a pas stream, en plus souvent il stream le matin. Oh, le raid de et... Diamond. Enfin il stream Oh là là Pour la justice. justice Oh il a même de la révère maintenant. Tain, tain. Bienvenue tous Spartagus qui, qui, était, dans euh, qui, qui était, aller, était dans le raid, Plotipus qui était dans le raid, Amandouitch. Merci pour les follow. Ça... Merci Daimon pour, euh, pour le raid. Euh, salut Not drift. salut Couscou, Et il fait du motion design, de bon courage à lui. Hein. Euh, salut euh, Plotipus, euh, salut Moi Smartibus, je n'ai pas la patience. Euh, et salut Amandou. Oh, yeah ciao, ciao Twitch, Mais, et merci ciao, ciao YouTube la également. La des bisous, faites des dons, faites des subs, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus. Sinon, bah, on vous retrouvera et on vous fera des 49.3 à la libération. Ouais, je pense que c'était une bonne menace pour terminer le stream.